Bonjour et bienvenue dans Mediapart Live, l'émission en direct de la rédaction de Mediapart, comme tous les mercredis soirs. Ce soir, une nouvelle fois, un sommaire exceptionnel, puisque nous recevons dans quelques instants Julien de Normandie, le secrétaire, nation... secrétaire d'État à la cohésion sociale, qui répondra aux questions de nos partenaires du Bondi Blog. Euh, nous recevrons ensuite, nous parlerons ensuite d'Europa City. Europa City, euh, c'est un méga projet mêlant centre commercial et loisirs ludiques qui doit s'implanter dans le Triangle de Gonesse, en Seine-Saint-Denis. Sur notre plateau, pour et contre ce projet, débattrons de son bien-fondé. Enfin, nous terminerons avec une ouverture vers le Moyen-Orient pour un grand débat autour de l'accord sur le nucléaire iranien et sa remise en cause par Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Tout de suite, je laisse la parole à Nassira El Elmoidem, directrice du Bondi Blog avec Julien de Normandie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci êtes avec vous. nous pendant une heure pour discuter tout simplement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron hier sur les banlieues, suite à la présentation du rapport tant attendu de Jean-Louis Borloo que nous avons reçu ici-même il y a un mois. À mes côtés pour vous interroger, deux journalistes du Bondimlog, Blog, Sarah Smail. Bonjour. Et Rouguette à Bonsoir. Bonsoir. Et avant toute chose, on voulait d'abord euh, tout simplement vous montrer euh, comment le Bondi Blog avait ouvert ses colonnes ce matin Suite à la, à la présentation de ces mesures du président de la République et à ce non-plan, finalement, ce non-plan banlieue, on voulait tout simplement vous faire montrer, vous montrer tout simplement le, le, le papier que nous avions euh, publié ce matin. Il est titré Emmanuel Macron et les banlieues, l'absence programmée. Et euh, sur la question s'il y a une stratégie, une politique publique vis-à-vis -vis des banlieues, eh bien, vous l'avez vu, euh, l'article est assez simple et il va droit au but, selon nous aucune Aucune politique publique vis-à-vis -vis des banlieues. C'est en tout cas ce que nous avons considéré en écoutant très attentivement le Président de la République hier. Qu'est-ce que vous avez à, à dire par rapport à, à ce parti pris du Bondi Blog Bon, déjà, ça donne le là. Euh, c'est un avantage, c'est que votre article que j'ai vu, que j'ai regardé avec attention, est assez court à lire, assez rapide à lire. Euh, il y a mais... 13 ans d'archives hein, au Bondi Blog, ouais. donc il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'autres articles en, en profondeur et, et qui sont... Euh, Très intéressant. Euh, non, je suis, je suis surtout ravi que vous ayez pu euh, m'inviter et que euh, on puisse en débattre, parce que évidemment, je suis pas du tout d'accord avec euh, avec votre article. Euh, pour ma part, vous savez, ça fait maintenant euh, presque un an que je travaille ardemment sur ce sujet euh, des quartiers, ardemment. Euh, Jean-Louis Borloo, vous avez reçu la semaine dernière. Il y a il un est... mois. Alors, il y a un mois, pardon. Il était euh, il était dans mes locaux. Euh, il avait le bureau juste au-dessus du mien. J'ai énormément travaillé avec lui, énormément. Et puis j'étais hier avec le président de la République, avec à peu près 600 acteurs qui étaient autant de personnes avec qui on avait échangé, on avait travaillé pendant pendant cette année. Et moi, je pense qu'au contraire, il y a une vraie volonté, une vraie volonté affichée du président de la République. Et je pense que c'est essentiel. Parce que vous savez, souvent les quartiers, quand vous refaites un tout petit peu d'histoire, on a vu des présidents de la République s'en saisir, et c'était au lendemain d'un événement tragique. Euh, euh, presque des émeutes, comme certains présidents euh, les mentionnaient, euh, qui se déroulaient euh, dans nos quartiers. Et à ce moment-là, vous aviez, prendre euh, le bas de combat, un président, un gouvernement qui se mettait à la tâche et qui euh, sortait un énième plan banlieue. Le président de la République, il n'a pas du tout fait ça. Le président de la République, dès sa prise de fonction, mais même avant, quand il était candidat, il a dit que le sujet des quartiers, ce n'était pas uniquement le sujet des quartiers, c'était le sujet de toute la République et qu'il allait trouver des actions et des mesures concrètes pour améliorer et le cadre de vie et l'espérance dans ces quartiers. C'est la fameuse nouvelle méthode, c'est ça, ça Ça fait ça fait C'est comme ça mais... en tout cas qu'il a... en fait, qu l'a formulée l'a hier. Il y a la question de la méthode et on y reviendra, c'est essentiel. On y reviendra. Oui. Mais je pense qu'il y a d'abord une question de volonté, la volonté politique. Moi, je le connais depuis longtemps, le président de la République. J'ai travaillé avec lui lorsqu'il était ministre. Il était ministre de l'économie. Vous savez, quand il était ministre de l'économie. On avait déjà beaucoup travaillé sur la question de la discrimination à l'embauche, sur la question qui pour moi est fondamentale, qui est comment on recrée un réseau, un réseau entre les jeunes qui vivent dans les quartiers et les entreprises, avec des initiatives formidables, par exemple Mosaïque RH, Saïd Amouch avec lequel on travaille énormément, il faut refaire ce réseau. Mais on y reviendra, et on reviendra surtout sur est-ce que la volonté suffit s'il n'y a pas les budgets pour faire une réelle ben, politique publique à destination Exactement. des quartiers populaires. Justement, à ce sujet, euh, Renaud Epstein, que vous connaissez sûrement, qui est un sociologue qui travaille sur la question des quartiers populaires depuis maintenant euh, plusieurs années, il a euh, une petite analyse à nous faire. Écoutez. Emmanuel Macron l'avait avait dit, hein, il n'avait pas annoncé un nouveau plan pour les quartiers, un plan Marshall, un plan Borloo, peu importe, mais euh, un discours de la méthode. Alors, euh, il a tenu parole au sens où il n'a pas annoncé de nouveau plan avec des moyens. Euh, en revanche, on peut être plus circonscrit pour ce qui est de la méthode, puisque finalement, les éléments centraux de son discours, insistant sur euh, la mobilisation des politiques ordinaires de droit commun plutôt que des programmes spécifiques pour les quartiers, insistant sur la mobilisation collective de tous les acteurs et des habitants, insistant sur la mobilisation des entreprises, euh, insistant sur la simplification administrative, en fait, tous ces éléments-là sont pour des personnes comme moi qui suivent la politique de la ville depuis plusieurs décennies, sont des éléments qu'on qu entend depuis au moins le début des années 90, le discours de bon de, de François Mitterrand, et qui a été répété par quasiment tous les ministres de la ville. Donc aujourd'hui, on ne voit pas trop comment cette nouvelle méthode proclamée euh, va, se, va se concrétiser. Alors justement sur la méthode, il y a un certain nombre d'acteurs de terrain qui étaient présents hier au discours du président de la République, qui ont déploré une certaine forme d'enfumage. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre On peut peut-être même reprendre l'expression du président qui parlait de poudre de perlimpinpin pendant l'entre-deux tours. Alors il l'a avez... pas dit. Non, pendant euh... l'entre-deux tours. Ouais. <laughs> euh, non, moi je suis, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Mais je vais vous dire avec beaucoup de conviction parce que parce que c'est c'est ce à quoi je bosse. Euh, vous savez, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de critiques. Euh, et on y reviendra, euh, certains élus locaux, euh, des appels comme l'appel de Grini, euh, certaines personnes nous disant qu'on n'agissait pas assez fortement, on n'agissait pas dans la bonne direction. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever. Et vous pouvez demander à n'importe quel acteur. Depuis un an, on a remis énormément de personnes autour de la table pour discuter et pour savoir comment, ensemble, on peut prendre des mesures fortes en faveur des quartiers. Et ça a été un des. Des éléments les plus fondamentaux de toute la dynamique qu'on a faite avec Jean-Louis Borloo, mais également de toute la dynamique que, en tant que ministre, on a pu également mettre en place. On avait 10 groupes de travail. Pour vous donner juste un chiffre, depuis un an, il y a 15 000 personnes partout sur le territoire qui ont participé à nos groupes de travail. 15 000. Et aujourd'hui, cette méthode, j'entends ce qui est dit, mais cette méthode, pourquoi j'y crois Je vais vous donner des exemples hyper précis. Vous savez, il y, a un, il y a un enjeu fondamental qui est la rénovation urbaine. Comment on fait pour améliorer euh, le cadre de vie dans les quartiers Qui est aujourd'hui bloqué, hein, qui est aujourd euh, complètement bloqué et, et entisté. C'est ça mon point. Et d'ailleurs, euh, le président de la République a reconnu en être en partie responsable pour l'année qui vient de s'écouler. Il l'a dit hier. Il l'a dit hier avec des questions budgétaires et j'y reviendrai. J'étais à Trappes il y a quelques jours. J'étais avec le maire de Trappes pour aller justement voir quels étaient les, les projets qui étaient bloqués dans la rénovation urbaine. Vous le point qui est assez, assez incroyable, c'est que la rénovation urbaine, aujourd'hui, on a plein d'argent. Et quand je dis plein d'argent, ce qu'on appelle le deuxième programme, c'est-à-dire le renouveau de la rénovation urbaine, c'est 10 milliards d'euros qu'on a. Et pour autant, les grues, aujourd'hui, elles sont beaucoup trop absentes des quartiers. Beaucoup 10, trop. 10 milliards d'euros, pardonnez-moi, euh, juste pour qu'on comprenne bien, euh, c'était 5 milliards jusqu'à présent. Le président de la République Exactement. a décidé de doubler Exactement. le financement de la rénovation urbaine. Pour l'instant... Que tout ça soit clair. On n'a pas vu les grues commencer à faire les travaux. Tout ça est de l'ordre de l'intention de et de la volonté politique. Mais, mais qu'on soit clair, pour l'instant, les travaux n'ont pas commencé. Donc exact... les 10 milliards d'euros, pour l'instant, les habitants ne les ont pas encore. C'est exactement cela, mon point. Sauf que dans les 10 milliards d'euros, l'engagement du président de la République, c'est quoi C'est de passer de 5 milliards à 10 milliards. On rajoute 5. Mais bon. les 5 premiers, ils sont déjà là. Et ils sont déjà là depuis un paquet de temps. Et pour autant, les grues, elles ne sont pas dans les quartiers. Alors qu'est-ce qu'on fait vous savez, moi, je suis ingénieur. Je suis ingénieur euh, en agriculture, un ingénieur agronome. Ben, en bon ingénieur que je suis, il n'y a qu'un truc qui compte. C'est de savoir, à la fin, comment vous gérez les choses en mode projet. C'est-à-dire que vous vous dites, ben, dans six mois, dans un an, quartier par quartier, comment on s'assure que les grues, elles reviennent. Et c'est ça, une méthode différente. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de se dire, parce que moi, je suis aujourd'hui membre du gouvernement, tiens, je vais faire voter par le Parlement plus d'argent, et à ce moment-là, tout ira bien. C'est de se dire, comment je m'assure... Alors, en l'occurrence, ça... vous, vous faites plutôt le contraire. Non, mais vous Baisser pas vrai. les emplois pas vrai aidés. Que... Non, Ils pas... ont été divisés Alors, par deux. C'est un, un autre sujet. Mais... Ah non, on est au cœur on... du sujet. C'est un des griefs ré... très forts des associations oui. et des années locaux la, la dans ch... les quartiers prioritaires. Ch... Ce que je veux vous dire, c'est que même dans la rénovation urbaine, où pour autant, les financements sont là, où pour autant, de nouveaux financements additionnels ont été votés par notre majorité, la République En Marche, lors du dernier budget. Eh bah ben, pour autant, les grues, elles ne sont pas là. Pour autant. Et donc... Ce qu'on dit dans ce changement de méthode, c'est qu'il faut faire en sorte qu'à la fin, ça marche. Et donc, il n'y a pas 36 chemins pour y arriver. C'est vous prenez projet par projet, quartier par quartier, vous mettez en face un chef de projet, quelqu'un qui pilote, avec un rétro-planning, en vous disant, dans six mois, la première pierre, elle doit être posée là. Dans un an, la deuxième pierre, elle doit être posée là. Et à la fin... Vous êtes jugé sur est-ce que oui ou non ça marche. Mais pardon, monsieur de Normandie, mais vous faites comme si c'était tout nouveau, tout ça. Enfin, des gens qui sont là pour chapeauter des projets et pour faire en sorte que les calendriers soient tenus. C'est la base, en fait. Il hein. euh, n'y a vous... absolument rien savez, de nouveau et de révolutionnaire gens, mais, dans ce que vous êtes en train de mais nous proposer. Je suis pas d'accord avec vous. Ces gens-là, c'est qui Ces gens-là, ce sont les agents de l'État, mmh. l'ANRU, c'est un établissement entre guillemets public, oui. euh, et je salue leur engagement, sauf qu'en en fait, on a enquisté la chose. Aujourd'hui, avant de lancer un projet, vous avez une liasse comme ça de documents à remettre pour faire d'abord une étude, puis une liasse comme ça de documents pour se dire, passer de l'étude à un projet, voilà tout ce qu'il faudra faire. Un autre exemple qui est non, tout aussi… – on va passer à autre chose parce que sinon non, si, on aura… – Non mais juste très une oui. vous savez, y a un... moi il y a un point qui mais qui hyper important, c'est la lutte contre les discriminations à l'embauche. On y reviendra. D'accord. On y, parce y reviendra que un peu les, plus tard. Les, les, vous emplois, vous bien. les emplois francs. Vous savez, les emplois francs qui visent On donne une aide aux entreprises et à ce moment-là, elles peuvent embaucher un jeune des quartiers. Les emplois francs, vous allez me dire, parce que nous, on les a renforcés à, à fond, vous allez me dire, mais ce n'est pas nouveau, ce est système... C'est le tout début, hein <laughs> oui, mais enfin, en 18 jours, en 18 jours ouais. on avait fait l'équivalent de ce que le précédent gouvernement avait fait en 18 mois. Mais on y reviendra Parce sur la que question de l'emploi. Parce que là a, ça on sera a vraiment une thématique de, de à part, monsieur le on ministre, on y reviendra. Mais pour le calendrier, je pense que c'est important et Sarah ouais. Smaïl a une question à vous poser. Oui, toujours une question sur la méthode. Euh, c'est quand même assez étonnant d'avoir fait un discours à Tourcoing et euh, d'avoir suscité un très grand intérêt D'avoir ensuite commandé un rapport auprès d'un un ancien ministre, euh, quand même emblématique, et d'avoir euh, occasionné autant d'attentes pour finalement balayer le rapport d'un revers de la main. Euh, C'est assez étonnant comme méthode, vous ne pensez pas Mais en fait, si. Et que de vous... renvoyer les annonces à juillet. Oui, mais enfin, si, si, si vous prenez juste votre question et si la réalité était conforme à votre question, alors oui, ça me choquerait. Mais ce que, ce que moi, vraiment, je veux vous dire, mais avec la plus forte des convictions, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, on n'a pas arrêté de parler de plan Borloo, de rapport Borloo, euh, de mesure Borloo. Mais encore une fois, ce qu'a ce qu fait Jean-Louis Borloo, Jean-Louis Borloo, il a travaillé de concert avec tous les acteurs. Mais moi, le premier, vous prenez là aussi un exemple hyper concret. Il y a 19 programmes. Oui. Vous, les avez, vous en avez fait le détail. 166 donc a, pages exactement. au total. Il y a 19 programmes. Il y a un programme, par exemple, qui est la lutte contre les marchands de sommeil. Il s'avère que moi, en ce moment, je suis en train de passer une loi qui s'appelle la loi de logement. Où on aborde beaucoup de sujets, dont la lutte contre les marchands de sommeil. Prenez le programme de Jean-Louis Borloo, vous ne pourrez plus vous dire quel est le numéro, trouvez-le dans le rapport. Prenez le programme de Jean-Louis Borloo sur la lutte contre les marchands de sommeil, et ce que moi j'ai mis dans la loi pour lutter contre ces trafiquants de misère sur lesquels il faut, mais là aussi, être d'une volonté et d'un volontarisme total. Et regardez, faites la comparaison, c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. Et qu'est-ce que vous voulez dire, que, dire par là Parce que ça fait des fait... mois qu'on travaille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je je sais dans pas ces, pourquoi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir tout simplement repris l'ensemble du rapport, puisqu'il y a que... quand même d'autres mesures qui sont extrêmement intéressantes et on les a détaillées d'ailleurs ici Mais dans le live. Moi, j'y étais hier pendant pendant une heure et demie. D'ailleurs, je me réfère à ce que dit Jean-Louis Borloo lui-même en sortant en disant euh, tous les programmes ont été abordés, je suis satisfait. Mais j'y étais, j'ai écouté attentivement le président de la République, enfin le président de la République. Il détaille exactement ce qu'on veut faire sur la sécurité, il détaille exactement il ce qu'on veut faire sur l'équité territoriale, qui est une idée de Jean-Louis Borloo, il détaille exactement ce qu'on fait euh, pour aider euh, et les mamans et les jeunes des quartiers, il détaille exactement ce qu'on fait sur l'éducation, il détaille en fait une feuille de route en disant aussi qu'il y a certains sujets sur lesquels on n'est pas prêt. Et donc, effectivement, il donne un agenda en renvoyant à juillet. Mais permettez-moi, vra vraiment, c'est là, là où je suis pas d'accord avec votre monsieur page, le ministre, je... Pourquoi avoir suscité autant d'attentes pour faire un événement avec 600 personnes à l'Elysée, dans la salle des fêtes, avec tout autant de ministres, etc., pour ensuite nous dire bon, bah rendez-vous en juillet. Mais attendez. Quel pas, intérêt Mais il ne dit pas rendez-vous en juillet Ah ben, si Non, il dit. Ah, si, la plupart bah, du temps, suis... c'était renvoyé en juillet. Non, non, mais mais pas, si, j'y étais. J'ai bien entendu bah, on ce est, y a on, on, dit. Est, on y était ensemble. Il <laughs> euh, y a des sujets sur lesquels il, il prend position tout de suite. Je veux dire, euh, regardez les crèches, les stages de 3e, la sécurité, il prend des décisions tout de suite. Après, il y a d'autres sujets comme. Euh, comment fait-on par exemple sur ce sujet le permis de conduire, un voyage territoriale mais Les crèches, conduire... il dit 15 000 pour l'État, 15 000 pour les entreprises, mais encore faut-il que l'ensemble des acteurs prennent le dossier à bras-le-corps les, les crèches, les il stages, dit. Les stages, les, oui. et les ça, stages pardon, les stages. Les, stages. Et les crèches, il dit, c'est 1 000 euros par berceau. Les stages, oui, ça, disent, encore qu faut-il que le plan de crèche nu, euh, de 2018 à 2022 soit signé, il ne l'est pas encore. Oui, parce que c'est dans, dans les, est dans oui. les arbitrages mais rendus tout ceci par est ce gouvernement. Dans l'attente. Enfin, dans l'attente. C'est là, on est. Euh, enfin, je ne comprends pas quelle est la quelle est la critique. Si la critique, c'est de dire. Si la critique, c'est de dire. Vous avez créé une dynamique et vous la liée d'un revers de la main avec aucune stratégie. Qu'on fait la page internet d'un superbe média de ce matin à laquelle vous appartenez où il a marqué le Bondy blog. Le Bondy blog où il y a marqué aucune. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle de mesures très concrètes. Moi, je vous parle si, de stratégie si, si et de si politique question, publique, oui, mais enfin moi, avec une vision vis-à-vis -vis des quartiers. Je ne vous parle pas là... de mesures sur les stages, sur les crèches. Pardon, euh... c'est des mesures extrêmement importantes et on y reviendra. Mais, mais ça vous... ne fait pas une stratégie mais globale. Comment vous, pouvez, comment vous pouvez dire ça, sachant que le président de la République, euh, je ne crois pas qu'il y ait eu un président qui ait eu un discours aussi clair en disant il n'y a qu'un enjeu, un seul enjeu. Et ce, cet enjeu, d'ailleurs, il nous dépasse tous parce que c'est ce qui nous unit tous autant que nous sommes. C'est la République. Il y a un seul enjeu, c'est de remettre la République partout. La République, elle est exigeante, mais chacun a le droit d'attendre de la République Et... les mêmes choses, où que vous soyez. C'est intéressant que vous ce que vous dites, parce que par Et exemple, c'est ça, ça le la promesse du Le, le, le sous-titre du rapport de Jean-Louis Borloo… Euh... Euh, disait euh, la France, euh, pardon, disait vivre ensemble, vivre, ensemble vivre en grand la République pour une réconciliation nationale. Et c'est devenu hier, pour ce fameux événement à l'Elysée, c'est devenu la France, une chance pour chacun. Mmh. Le, le titre et le sous-titre du rapport ne vous plaisait pas autour de la République Parce que nous, on a été assez euh, un peu surpris, interpellés par ce slogan, la France, une chance pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ah ben, C'est hyper simple. Ça veut dire une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, le plus grand scandale dans notre République, c'est que vous n'ayez y... pas les mêmes chances en fonction du territoire où vous habitez. Vous n'avez pas les mêmes chances. C'est juste ça. Mais juste ça, c'est juste énorme. Pourquoi Pourquoi Parce que vous avez tout pareil. Les mêmes CV, les mêmes études. Vous avez fait les mêmes efforts. Vous avez tout pareil. Tout. Sauf enfin, que... pas vraiment tout. Les conditions de scolarité dans les quartiers non, populaires ne sont pas forcément les mêmes. à la fin, ce que je veux dire, à la fin, vous êtes deux personnes, même âge, tout pareil, les mêmes diplômes, vous allez voir un employeur, ben d'un côté, parce qu'en haut à gauche, il y a votre adresse, qui est l'adresse oui. d'un quartier, vous avez là, dans ce cas-là, deux et demi fois moins de chances d'avoir votre entretien d'embauche. Et bien justement... ben ça, c'est un scandale. Et donc, ce que dit le président de la République, et il ne se, se cache pas derrière son petit doigt, il, il nomme tous les problèmes, mais quel scandale incroyable aussi. Le jour de la journée de la femme, j'ai déjeuné avec... Des droits des femmes. Des droits des femmes, pardon. Des droits des femmes. J'ai déjeuné avec 12 femmes de Grigny. Elles m'expliquaient dans le quartier où elles habitaient, à Grigny... À Grigny, aucun, donc dans les Sons Dans les Sons, aucun pédiatre. Enfin, juste un pédiatre de la PMI qui venait deux journées par semaine. Okay. Moi, je suis père de quatre enfants. Vivre dans un endroit où, le matin, parce que vous avez un de vos enfants qui est malade, vous, vous dites, de toutes les manières, s'il est malade, je ne peux pas l'emmener chez un pédiatre, mais quelles conséquences ça a sur... Toute votre vie, y compris sur Absolument. votre vie très Et On y viendra sur la ça, discrimination territoriale. Dit. Une Mais pour tous les mêmes droits, en fait. Justement, ce que vous disiez sur euh, un discours qui se veut non stigmatisant et rassembleur, écoutez ce qu'a à vous dire euh, Renaud Epstein à ce sujet. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est pas sur les moyens, ça n'y en a pas, C'est pas sur la méthode, véritablement, c'est peut-être sur le registre de discours. Emmanuel Macron, comme il l'avait fait déjà à Tourcoing il y a quelques mois, a un discours de valorisation, un discours très positif sur les quartiers, insistant sur les réussites, sur les talents, sur les compétences, qui s'inscrit là vraiment en rupture avec le discours qui a dominé ces dix dernières années, depuis le discours de Sarkozy à Grenoble, qui était un discours de stigmatisation des quartiers et qui a atteint son, son pic avec euh, Manuel Valls. Ça dit exactement ce que, ce que vous disiez à l'instant, cette rupture, dans, en, tout, en tout cas dans le discours. Mais en fait, moi je pense, et d'ailleurs on en est tous. Entre guillemets, dépositaire. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet générationnel. Euh, je pense que notre génération, ce qu'on appelle, vous savez, souvent la quatrième génération, notre génération, elle doit avoir en tête le fait que la cohésion nationale, c'est de se dire que les talents, ils sont partout. Le fait que cette cohésion nationale, elle ne pourra pas exister si vous avez à peu près 15% de la jeunesse qui vivent dans des quartiers et que, parce qu'ils vivent dans des quartiers, ils n'ont pas le droit à la même chance. Alors qu'ils ont fait les mêmes efforts, alors qu'ils ont les mêmes talents, mais parce qu'ils vivent dans les quartiers, ils n'ont pas le droit aux mêmes chances et aux mêmes réussites. Moi, je veux que pour tous les jeunes qui habitent dans ces quartiers et toute notre génération réunie, eh ben, dans 10 ans, dans 20 ans ou plus tôt, nos enfants, ils ne se disent pas, en fait, eh ben, celui qui a réussi alors qu'il venait des quartiers, c'est un surhomme par rapport à un autre. Non, il faut que tout le monde ait exactement les mêmes chances de réussite. Moi, c'est ma lutte contre la discrimination à l'embauche, par exemple. On y reviendra, On y reviendra. Euh, oui, sur, sur le discours, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le sociologue Renaud Epstein qu'on vient d'entendre. Quand on entend hier des termes comme émancipation, euh, retrouver sa dignité, intégration, est-ce que ce n'est pas une autre forme de stigmatisation euh, des habitants des quartiers populaires ben, Objectivement, en fait, on peut, en politique publique, comme on dit, pour, pour faire avancer les choses, euh, moi je crois que fondamentalement, il faut d'abord nommer les choses. Alors après, on peut se tromper dans la façon qu'on a de nommer les choses. Ça peut être mal perçu. Ça peut être parfois mal compris, mais il faut d'abord nommer les choses. Aujourd'hui, vous avez énormément de situations dans les quartiers où en fait on nomme pas les choses. Et je vous prends un exemple. C'est pas vous, c'est pas vous d'ailleurs, mais beaucoup d'autres médias. Au lendemain de la sortie du rapport de Jean-Louis Borloo, il n'y avait que deux sujets qui comptaient. C'était c'est combien d'argent, et c'était c'est quoi la gouvernance, c'est-à-dire qui pilote le truc. C'était les deux seuls sujets. J'exagère un peu. Mais pas beaucoup. Un peu beaucoup quand même. Non, un peu, mais pas beaucoup. Et, et, et ce que je veux dire par là, c'est tous les sujets que vous traitez vous au bondi Bloc tous les jours montrent que les sujets auxquels on est confronté dans les quartiers et vous le, vous le savez comme moi, c'est pas que des questions d'argent, c'est pas que des questions de savoir qui va piloter les, les, les politiques publiques, c'est de savoir concrètement, mais qu'est-ce qui va changer. Et donc, je reprends l'exemple de, de, des, des pédiatres dans les quartiers. Si vous dites pas, si vous dites pas clairement ben, écoutez, il y a un scandale, il y a cinq fois moins de pédiatres dans les quartiers que sur le reste du territoire. Ben, si vous ne le dites pas fortement, avec détermination, ben, en fait, rien ne bouge. Une fois que vous avez nommé le problème, une fois que vous avez dit, ben, ça, ça c'est pas acceptable, à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus facilement déclencher la, la machine pour que la ministre de la Santé se dise, effectivement, c'est intolérable. Que la caisse d'allocation familiale se dise effectivement, c'est intolérable, il faut aider. C'est le cas par exemple pour les crèches. Et donc du coup, le constat étant fait sur les pédiatres et sur un certain nombre de professionnels de la santé dans les quartiers populaires, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez pris comme décision Hier, en tout cas, le président de la République n'a pas parlé de ce sujet. Non, il n'a pas parlé de la santé. La santé, moi, ma conviction la plus profonde, c'est qu'il euh, faut faire revenir des médecins dans les quartiers. Pour faire revenir les médecins dans les quartiers, moi, je me fonde sur ce qui marche le mieux, ce que j'ai pu voir marcher le mieux. Je vous donne un exemple qui à mes yeux est fondamentale, qui se passe aussi à Grigny d'ailleurs. Vous n'avez appelle... été qu'à Grigny, vous avez fait d'autres grigny J'en ai fait beaucoup d'autres, mais il s'avère que voilà, j'ai peut-être le, 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 le fil de ma pensée. Euh, c'est ce qu'on appelle les maisons de santé. Et c'est quoi les maisons de santé C'est en fait de permettre aux médecins de se regrouper sur un même lieu, d'avoir... Euh, et, et ce que je dis, c'est vrai dans les quartiers, mais c'est vrai dans beaucoup de territoires oui. en France, mmh. c'est ce sentiment peut-être d'être seul quand vous êtes un jeune médecin et que vous voulez aller vous installer sur un territoire. Encore une fois, hein, ce n'est pas vrai que sur les quartiers, c'est vrai à peu près partout en France, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. D'accord, et donc enfin, quelle est la stratégie du gouvernement bah, là-dessus On a pris un engagement, porté par Agnès Buzin, de oui. doubler les maisons de santé. Ouais. À l'échelle du quinquennat. Avec Donc, on... quel budget bah, C'est les budgets de la ministre euh, de la santé. Vous savez, c'est pas les budgets euh, et, et fort heureusement, tous ces budgets-là, euh, on parle des crèches, on parle de la santé, les 30 000 places en crèche, c'est pas des budgets que moi je porte sur le, le budget de mon sûr. ministère. Et heureusement, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que le seul gars qui s'occupe des quartiers dans le gouvernement, c'est Julien de Normandie. Il a beau avoir, en tout cas, j'ai je... beau Dépenser tant d'énergie que, que je veux, si tout dépend de moi, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, vous savez pourquoi Parce que vous avez un budget de 400 millions d'euros à l'année. Mais parce que Plus là. Une poli politique de la ville. 400 millions d'euros, vous le divisez par le nombre d'habitants dans les quartiers populaires, ça fait 70 euros par an, non. par mais habitant. Non. Mais attendez, mais là. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de problèmes qui se posent d'ordre budgétaire. C'est la raison aussi pour laquelle je vous pose cette question, puisque vous dites que finalement, oui. le budget, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, quand même. Mais parce que, en fait, il y a deux logiques. Alors, il y a une logique qui est de se dire, pour améliorer la situation dans les quartiers, on va prendre euh, ce qu'on appelle une politique de la ville. Donc, on va dire au gars en charge, euh, en l'occurrence moi, en charge de la politique de la ville, on va lui dire, bah, dans ton budget, tu vas aller financer des crèches, tu vas aller financer des médecin, médecins, tu vas aller financer euh, euh, des, euh, des lieux pour favoriser, par exemple, euh, le numérique, euh, etc., etc mais à la fin c'est pas comme ça que ça doit marcher. moi mon boulot c'est d'aller dire à tous mes collègues ministres écoute ce qu'on fait sur le doublement des classes. doublement des classes en cp euh, dans toutes les zones dit très plus. c'est quelque chose qui est massif. c'est très certainement la meilleure mesure d'équité qui ait été prise pour la formation depuis des années en faveur des quartiers. Mais ça, ce n'est pas mon budget qui non. le porte. C'est le budget de Jean-Michel Blanquer, mon, mon collègue à l'éducation. Quand, sur la sécurité, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dit qu'on aura 1300 policiers de plus dans 60 quartiers, 1300 pour les 60, d'ici 2020, mais ce n'est pas mon budget qui le porte. C'est le budget du ministère de l'Intérieur. Et les crèches, pareil. Moi, mon boulot, c'est justement de dire, et c'est non seulement mon boulot, mais ma conviction, c'est qu'en fait, depuis des années, la politique de droit commun, celle qui consiste à dire chacun dans son domaine prend autant soin des quartiers que le reste du territoire. Cette politique de droit commun, elle a reculé et on a laissé avancer uniquement la politique de la ville. Ben ça, c'est une erreur. Il faut qu'il y ait les deux, mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui recule en défaveur de l'autre. Sur la question budgétaire, justement, et, et, et que fait-on de cet argent Il y a une question qui vous est adressée directement par Renaud Evchian. Écoutez, c'est très rapide. Monsieur le ministre, allez-vous mettre en place un dispositif de géolocalisation des budgets publics pour clarifier le terme géolocalisation, localisation, pardon, euh, Renaud Epstein vous demande en fait euh, comment est-ce qu'on peut euh, savoir précisément quels sont les budgets alloués euh, à la politique de la ville et, euh, et comment ils sont dépensés. En fait, mais c'est un peu dans le sens, enfin, dans la suite de, de, de ma réponse un instant. Euh, moi, je pense que la bonne approche, c'est pas, de, enfin évidemment, il a raison. Il faut toujours, toujours évaluer, se dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. On sait bien que euh, on finance euh, euh, certaines structures euh, qui n'ont pas eu le résultat escompté. Mais ça, c'est vrai partout dans la vie. Oui. Partout. Donc l'évaluation, elle est essentielle. Mais moi, je pense que vraiment le changement, et c'est ça le message du président de la République, et c'est ça l'instruction qu'il donne à tous ses ministres, c'est de se demander à la base, est-ce que la politique qu'on mène, elle est discriminante ou pas C'est ça véritablement le changement. Il faut, encore une fois, se dire, le droit commun, c'est c'est juste euh, du bon sens, c'est juste euh, l'égalité, c'est juste, en fait, euh, notre devise nationale. C'est juste, pour moi, ce pourquoi je me suis engagé en politique, cette égalité, donner à chacun les mêmes chances de réussite, donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Sauf que et ça, il faut, ça doit partir d'en haut. Ça doit faire en sorte... Et, on, Sauf on... que c'est souvent... Pas le cas, malheureusement, et ça, euh, ça nous amène à la question à de, de Rouliata, justement. Oui, un mot sur euh, l'équité euh, territoriale. Mmh. Donc, le président de la République a indiqué être favorable euh, à la création d'une instance de mmh. recours pour les élus comme pour les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus euh, sur en ce fait, sujet le, le point, c'est de se dire euh, le constat, c'est que vous n'avez pas les mêmes services publics partout sur le territoire. Oui. Je l'ai parlé des crèches, des médecins c'est vrai pour les transports. Euh, c'est vrai aussi pour certains services comme euh, La Poste, etc. – L'éducation nationale ?– L'éducation nationale, premier point. Deuxième point, nous, le gouvernement, on met le paquet, je vous ai dit par exemple, la mesure sur l'éducation nationale, ça avait jamais été fait, jamais. On va mettre le paquet également sur euh, la formation professionnelle, qui pour moi est un enjeu fondamental, c'est 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros, qui à l'échelle du quinquennat vont être investis pour les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi, en formation professionnelle dans les quartiers. Tout ça, c'est ma responsabilité, enfin, la responsabilité du gouvernement. Et après, il faut donner euh, la possibilité aux citoyens de pouvoir saisir, alors est-ce que ça doit être une cour, est-ce que c'est une instance, est-ce que c'est quelque chose d'autre, mais au moins avoir le sentiment de pouvoir dire, écoutez, moi, cette discrimination, cette inégalité, je la perçois encore. Tant que partout sur le territoire, vous aurez des personnes, nos concitoyens, nous, qui diront... Écoutez, moi, ma perception, c'est que véritablement, je n'ai pas les mêmes chances. C'est qu'au final, l'État, dans sa globalité, et je ne dis pas que tout ce qui a été fait par le passé était mal, et je ne dis pas que tout ce, tout ce que nous, on fait, fait aujourd'hui, euh, c'est l'alpha et l'oméga, mais je dis qu'en tout cas, la responsabilité de tout homme politique, c'est de s'assurer qu'à la fin, ce sentiment d'inégalité, il puisse... Euh, disparaître sur notre territoire. Sur la question de la discrimination c est, c est, c est à, à l'adresse, monsieur le ministre, euh, mais ça il y a une qui instance déjà hein, qui, euh, qui permet de tout simplement faire défendre les droits des habitants. C'est le défenseur des droits qui a euh, euh, un, une compétence sur la question de la discrimination à l'adresse. Oui, mais ça c'est pareil. Discrimination à l'adresse, pour moi c'est un truc absolument incroyable. On a introduit dans la loi il y, a, il y a très peu de temps, le fait que l'adresse était un, un facteur reconnu de discrimination. On l'a introduit par la loi. Voilà. C'était une erreur? C'était absolument pas une erreur. Ah. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit, tiens, on va mettre dans la loi le fait que discriminer par l'adresse, c'est interdit, que du jour au lendemain, tout va changer. Non, et absolument donc, pas. Donc Mais moi, la question de Roubiata, c'était concrètement, comment vous faites C'est-à-dire bah, que si moi, discrimin... je suis habitante de n'importe bah, quel typique... quartier, j'ai envie d'avoir un recours où je vais, Alors, à qui je m'adresse, etc. Pardon. Le, ça, on ne l'a pas encore mis en place. Ce que dit le président de la République hier, en parlant à Jean-Louis Borloo, c'est dire ce que Jean-Louis Borloo vous proposait. Ça va vraiment dans le bon sens, et il faut qu'on mette en place quelque chose de ce type. Après, on n'a pas encore déterminé si c'était une, une cour comme le propose Jean-Louis Borloo si c'était une autre structure si c'était comme le défenseur des droits justement pour la discrimination Et quel est le délai du coup de précision de ce dispositif si ce dispositif ah ben, est voit le jour ?– le président de la république a renvoyé à juillet, à juillet. pour qu'on puisse faire une proposition concrète dessus mais oui. encore une fois oui, vous sûr. voyez la différence entre vous avez une personne Jean-Louis Borloo qui a fait un boulot remarquable qui 15 jours avant la prise de parole du président de la république introduit cette nouvelle idée qui est une idée moi, avec lequel sur laquelle j'avais beaucoup échangé avec Jean-Louis Borloo, qui est une idée que je trouve hyper intéressante. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement, en l'espace de 15 jours, d'avoir inventé le système. – Oui, il y a des sur ces sujets depuis un certain nombre quand même. – au mois de juillet pour, pour trouver quelle était la meilleure des solutions, oui, ça me paraît de bonne loi. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi demander aux habitants et aux élus de faire des recours alors que c'est des besoins et des problèmes qu'on a déjà identifiés. Je prends euh, par exemple le rapport euh, qui doit être publié euh, fin mai, euh, La République en échec sur l'inefficacité des politiques publiques euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, le constat est là, il y a moins de policiers, moins d'enseignants, moins de greffiers, moins de magistrats. Euh, si on prend l'exemple de la justice, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, il compte euh, deux magistrats et 11 agents de grève, pardon, alors que celui du 18e arrondissement de Paris, qui couvre 13% d'habitants en moins, il a un effectif théorique de 4 magistrats et 12 agents de grève. Pourquoi est-ce qu'on demande aux habitants de faire des recours alors que c'est des situations et des problèmes qui sont déjà Parce que Moi, je crois fondamentalement, et je ne voudrais pas euh, faire du plagiat à Mohamed Meshmash, mais moi, je crois fondamentalement au passons-nous. Je crois fondamentalement qu'une politique publique... Ça doit partir euh, à la base des habitants. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Moi, le bon, fait... MeshMash et la Coordination nationale passant nous, ont été assez critiques hein, sur oui. euh, l'élaboration euh, enfin, bon, euh, des moi... groupes de travail oui, et de euh, la, et la, méthode, a et assez... la méthode de Macron sur, oui, il euh, a sur a été les bordures. C'est assez récemment. critique et en même temps, je peux vous dire qu'on échange beaucoup. Euh, beaucoup. Euh, je vais vous donner un exemple hyper concret. Moi, j'ai fait toute la campagne présidentielle, je me suis engagé très tôt en marche, vraiment très tôt, j'étais un des tout premiers. Et euh, à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle une grande marche. C'est-à-dire qu'on est allé taper à, à près de 100 000 portes pour aller prendre euh, les ressentis de tous les habitants partout sur le territoire. On avait tapé à 100 000 portes. Et à l'époque, on avait fait une restitution et on avait dit la priorité de ce quinquennat, on n'en aura qu'une, c'est l'égalité femmes-hommes. Et on est au mois de septembre 2016. Personne ne parle, et vérifiez, personne ne parle à l'époque de l'égalité femmes-hommes. Personne. On est bien loin des affaires Weinstein, on est bien loin du hashtag b etc. Personne n'en parle. On en fait la cause nationale du quinquennat, en disant on en aura une, c'est l'égalité femmes-hommes. Et pourquoi on le dit dès mois de septembre Avec certains étonnements. Tout le monde trouve ça génial. Mais parce que quand vous alliez taper aux portes, vous aviez, par exemple en région île de france à peu près 9 femmes sur 10 qui vous disaient Moi, je ressens cette insécurité dans les transports en commun. Et donc, on s'était dit, la perception, ce sur quoi euh, nos concitoyens veulent qu'on mette le paquet, qu'on avance le plus, c'est ça. Et donc, on l'a fait. Et, et pour moi, pourquoi l'équité territoriale ou toute autre instance, peu importe En gros, mon message, c'est dire, cette politique de la ville, elle va se faire. C'est Simone Veil, le, le, qui était ministre de la ville à un moment, et qui disait la politique de la ville, ça ne peut pas se faire sans les habitants. Eh ben, elle a profondément raison. Il faut redonner la voix très, aux habitants. – C'est très beau hein, ce que vous dites, vous vous vrai, mais vous ne répondez pas du tout à la question. – Qu'est-ce qui va se passer pas. dans les territoires où il n'y aura pas de collectif d'habitants, où il n'y aura pas d'élus qui feront des recours dans cette, dans cette cour ou dans cette instance ?– Non mais attendez, euh, ce n'est pas parce que vous allez avoir euh, un tel qui fait un recours dans tel territoire que du jour au lendemain, c'est ce territoire-là et pas les autres territoires. Euh, la question c'est quoi C'est de se dire, comment vous donner une instance de dialogue et de remontée d'informations par les habitants pour que les habitants s'expriment Il y a Prenez, et vous les connaissez, les conseils citoyens, par exemple. Les conseils citoyens, j'ai beaucoup bossé avec eux. J'en ai réuni beaucoup. Les conseils citoyens, ils vous disent toujours la même chose. Euh, Aujourd'hui, on se sent inutile. C'est ça, le véritable problème. Les conseils citoyens, on voit bien qu'au début, vous en aviez... Il y avait des milliers de personnes qui rejoignaient les conseils citoyens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Vous preniez, par exemple, les conseils citoyens en amont de la rénovation urbaine. Vous aviez des gens qui se réunissaient, qui croyaient, qui disaient « Mais attendez, moi, je veux faire avancer mon quartier dans tel ou tel sens. » Eh ben, après, ça remontait, on n'en faisait rien. C'était en fait un sentiment d'inutilité le plus tragique parce que vous aviez des gens qui s'étaient mobilisés et qui, à la fin, avaient le sentiment qu'on n'en faisait rien. Bon, eh ben, ce que propose Jean-Louis Borloo, et ce que moi je crois profondément en ça, la politique. De la ville, elle doit se faire avec les habitants. Mais Il on n'a quasiment pas entendu ça hier, par exemple, le de si... la part le... du président de la République. Bah, euh... C'est le sous-jacent, c'est un sous-jacent énorme de son discours. Non, mais à un moment, enfin, les... si les mots ne sont pas prononcés, ça n'existe pas. Bah, je, je, dire, suis, je suis hier, ravi, si vous euh, me le président plus clair de la République n'a quasiment pas parlé des conseils citoyens. Non, mais attendez, je suis ravi si vous me trouvez plus clair que le président de la République. C'est parce que je suis en train de dire, juste que ça n'existait pas hier. En tout cas, je peux vous le garantir, c'est le sens quand. Aujourd'hui, vous euh, savez ce qu'on appelle cette horizontalité. Avant, je vais vous le dire autrement. Avant euh, la réunion euh, avec les 600 personnes hier à l'Elysée, le président de la République a réuni ce qu'on appelle un conseil président, présidentiel des villes. Il y avait à peu près 25 acteurs qui étaient euh, euh, des étudiants, euh, des universitaires, des responsables d'associations, Mohamed Meshmash par exemple, où justement, euh, toute euh, la parole... Était de se dire comment on construit la chose ensemble, comment on, on fait euh, justement le, le. Enfin, on évite de faire le pas en nous, je ne sais pas comment le dire mieux. On, on arrête de faire le pas en nous. On arrête de le faire. On arrête de se dire, euh, moi, parce que euh, je suis Julien de Normandie, parce que je suis secrétaire d'État à la Cohésion des Territoires, où d'ailleurs personne ne comprend ce que ça veut dire, euh, parce que j'aurais décidé dans une loi de passer tel ou tel truc, bah, après, ça va s'améliorer. Non, c'est pas vrai. Moi, ce dont je suis le plus fier, et, et je vous le dis, mais encore une fois, avec beaucoup de sincérité, si ce, ce dont je suis le plus fier depuis un an, c'est que qu'on a recréé une dynamique. On a mis autour de la table des dizaines, des centaines de personnes. On a essayé de trouver des solutions concrètes. Le stage de troisième, moi, je ne supporte pas quand je vois aujourd'hui des, des dépêches ou autres en disant Qu'est-ce que c'est que ce gadget des stages de troisième Franchement, on quand vous êtes avec une association de mamans, à chaque fois, elle vous parle du stage de troisième. De mère, de mères de famille De mère de famille. Mais pour ne pas confondre avec les mères, mmh. euh, à chaque fois, elle vous parle du stage de troisième. Mais le stage de troisième, c'est quand même un truc de dingue. Ça a été inventé il y a plus de dix ans. Sur une politique qui se voulait égalitaire en termes d'éducation nationale, et aujourd'hui, tous les plus défavorisés n'ont pas accès, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le réseau. Ben voilà. et notre ben voilà. Et ben ça nous amène France. justement directement au thème de l'éducation, et la première question est signée Sarah Spaille, et c'est justement sur les stages. Oui, voilà, tout à fait. Donc, euh, sur la question des stages, euh, le, le président a annoncé qu'il y aurait des bourses de stage euh, d'ici septembre, donc euh, 30 000 bourses en tout, 15 000 venant de l'État, 15 000 venant d'entreprises, pour les collégiens de 3e dans les quartiers prioritaires. Euh, et c'est l'annonce éducation donc, qui a été faite hier. Et euh, la question, c'est pourquoi est-ce que, justement, on concentre toute la problématique sur ce stage de troisième Sachant qu'il y a beaucoup d'autres difficultés que les collégiens et les élèves en général de ces quartiers ont tout au long de leur scolarité, et pas seulement à ce moment-là. Mais parce que hier, encore une fois, hein, je suis désolé, mais euh, la première action, la plus forte qu'on prend durant ce, ce début de quinquennat, la plus forte qu'on prend, c'est de dédoubler les classes de CP dans les zones E1, dans les zones dites très plus. Euh, dès la rentrée dernière, on, je veux dire, Emmanuel Macron arrive en mai, dès la rentrée de septembre. Les CP sont dédoublés dans toutes les zones REP+. – Ça c'est la mesure phare. C'est la mesure phare. C'est juste. Tous les membres du gouvernement répètent à l'envi et c'est très bien. C'est pas à l'envi. Et les enseignants et les personnels de l'éducation disent que c'est une bonne chose, mais on voit plutôt surtout les quatre années à venir du mandat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Non, mais parce que vous dites l'éducation se résumerait à ça. Cette mesure, elle est juste essentielle. Elle est faite. est ce que dit ce que dit le président de la République hier, c'est que l'année suivante, l'année, la prochaine il faut le faire sur les ce et puis il faut étendre des rêves plus. Ça ça, ça, ça avait déjà été annoncé. Rien de nouveau. Enfin, On je, parle je, des stages non, maintenant. Mais, je, veux dire, là, je, je réponds à votre interrogation. Stratégie ville, confère la page du, du Bondi blog, aucune. Bon. Deuxième point, vous avez ensuite euh, le parcours au sein de l'éducation. Et là, vous avez le moment du stage de troisième. Le moment du stage de troisième, pourquoi c'est hyper important Moi, je suis convaincu que ce qu'il faut recréer, c'est le réseau. Et ce n'est pas un gros mot de dire ça. Il faut créer du réseau. Parce que, parce que la vie est faite de rencontres. Parce que moi, un jour, il s'avère que j'ai rencontré euh, un tel qui m'a dit, bah tiens, euh, euh, qui m'a donné euh, envie de m'engager dans euh, ce que je fais aujourd'hui, etc., etc., La vie est faite de rencontres. Il faut recréer ce réseau. Il ne faut pas que le réseau il se cantonne aux bornes du quartier. Personne... Le stage du troisième y concourt. Mais je vais jusqu'au Très bout. rapidement. Oui. Après, le président de la République le dit aussi hier. Il y a la question de l'apprentissage. Euh, l'apprentissage, on est en train de faire une réforme du début à la fin de l'apprentissage. On est en train de, de modifier le volet euh, d'apprentissage. Il, il, il le dit hier. Euh, qui va généraliser ce qu'on appelle des prépas apprentissage pour favoriser euh, l'accès à l'apprentissage des jeunes des quartiers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux fois moins de jeunes dans les apprentis qui viennent des quartiers que qui viennent des autres territoires. C'est là aussi un truc de dingue. Ensuite, il parle de la formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est juste 15 milliards d'euros qu'on met sur le quinquennat, dont 2 milliards d'euros fléchés sur les quartiers de la ville non, mais ce que je veux dire, Monsieur, monsieur Normandie, ce qu'on dit, c'est que hier, c'était censé être l'événement phare mm -hmm. sur la question des banlieues, or, moi j'y étais, j'avais l'impression plutôt d'un meeting de campagne, où en fait on dit plutôt ce qu'on va essayer de faire ou on va tenter de faire, alors que l'urgence aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est de régler un certain nombre de problèmes. Sur la question de l'éducation, je voulais justement vous montrer ouais. quelque chose. Au Bondy Blog, depuis maintenant à peu près un an, on documente, via une carte participative, la question des difficultés dans l'éducation nationale, notamment en Seine-Saint-Denis, et il s'avère que depuis maintenant un an, on enquête, on fait des reportages sur maintenant, je crois, euh, aux alentours d'une quinzaine euh, d'établissements scolaires, une vingtaine, pardon, de villes, où il y a des problèmes de violence, des problèmes d'infrastructures non adaptées, des élèves qui parfois ont cours en hiver sans chauffage, des élèves qui parfois n'ont pas, souvent même, n'ont pas de professeurs remplacés en Seine-Saint-Denis, et ça ça, 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 ça arrive dans un certain nombre d'établissements euh, pas très loin de Bondy, là où nous sommes. Ce qu'on dit, c'est que Hier, c'était le moment phare pour que le Président de la République puisse apporter des mesures concrètes et des réponses concrètes à ces sujets-là qui sont des sujets du quotidien. Or, il n'y a eu absolument rien à ce sujet qui Mais est juste attendez. essentiel. Enfin, le Président de la République, il a parlé une heure et demie. Alors, il aurait pu parler trois heures. Euh... C'est une possibilité. Hein. Euh, tout ce que je viens de vous dire sur l'éducation nationale, c'est que des choses, soit qui ont été redites par le président de la République, soit qui sont au cœur de tout le projet qu'on est en train de faire. Donc on peut se dire que l'alpha et l'oméga, c'était la, la déclaration du président de la République hier qui, d'un coup d'un seul, euh, va faire pendant trois heures le descriptif de tout ce qu'on fait euh, secteur par secteur, euh, quartier par quartier. Enfin, on n'était pas sorti de... de, de, de l'éducation nationale, c'est la base. Mais attendez, l'éducation nationale, je viens de vous dire précisément... Tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on... En ce termes de nouveautés, il n'y a que les stages. Est-ce que vous voulez dire, mais en attendez, fait, Sarah c'est pro... est que est-ce qu'on peut faire une politique publique autour d'un totem Mais non, mais moi, moi je n'ai ni totem, ni rien. J'ai juste un truc. C'est est-ce que les mesures qu'on prend, elles vont dans le bon sens, et est-ce qu'on les prend bien, est-ce que ça marche euh, Sur l'éducation nationale, je viens de vous répondre très précisément sur la petite enfance, sur, et de la petite enfance, ça départ dès la crèche. Euh, il a rappelé également euh, le fait qu'on rendait obligatoire euh, l'école à partir de trois ans, ce n'est pas un sujet neutre. Euh, – Sur etc. la question des crèches, peut-être justement ouais. une petite précision, mais, mais, je, mais, juste sur les crèches, ouais, parce que c'est important. – Mais, vous, mais enfin, vraiment, permettez-moi d'insister. – Une toute petite précision, M. Demandier, parce que vous avez commencé à aborder les crèches, et, et justement, Rogueta avait une question à ce oui, sujet. – Oui, j'avais une question, parce que le Président de la République a annoncé une aide, donc vous le rappeliez tout à l'heure, de 1 000 euros par place de crèche dans les quartiers. Euh, c'est un montant qui est plutôt faible, puisque selon le Haut Conseil de la Famille, le coût, place, le coût de, de construction d'une place en crèche est estimé à plus de 30 000 euros comment est-ce qu'on peut vraiment inciter la création de, de nouvelles places dans, dans les quartiers populaires, surtout que c'est des endroits où, où, les, où les mères de famille sont freinées dans leur parcours professionnel si elles n'ont pas la possibilité d'avoir de, des places pour leurs enfants. – Vous évoquez un point hyper précis, en fait, euh, c'est mo moins de... Oui, mais vous le faites à chaque fois d'ailleurs. C'est moins de 30 000 euros. Euh, les, les places de crèche sont financées par un truc qui s'appelle la CAF, euh, mm -hmm. et cette CAF elle a des plans de financement et en fait euh, est répartie dans le financement d'une crèche est répartie ce que apporte la CAF, euh, ce que apportent euh, les municipalités oui. euh, qui sont euh, extrêmement actives également pour le financement euh, des, des crèches. Et en fait, euh, aujourd'hui, on se rend compte que euh, ce qui empêche, ce qui empêche d'ouvrir plus de crèches dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est qu'il manque euh, environ 1 000 euros pour faire en sorte qu'à la fin l'équation elle soit équilibrée. C'est pas n'est pas que l'État, c'est aussi les municipalités, et il manque ce coup de pouce. C'est pour ça qu'on parle du 1 000 euros. Euh, et donc il faut pas le comparer avec le, le 30 000 euros ou avec d'autres chiffres, il y a d'autres évaluations. Mais comment alors, comment moins... expliquer qu'il manque euh, quasiment un peu plus de 200 000 places en crèche ouais, chaque année, année dans ce 000 pays 000, ben donc, Parce qu'il qu manque en deux choses. De il manque il manque deux choses. La première chose qui manque, c'est euh, enfin ce qui a manqué, c'est la volonté politique. La vraie question, je veux dire, nous ça fait un an hein, qu'on qu est là. Je, je rappelle juste. La vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation pourquoi aujourd'hui, il y a cinq fois moins de, de, de crèches ?– les... Enfin, Emmanuel Macron, il était à Bercy quand même, il, il ouais, n'est enfin, pas, pas arrivé de nulle part. Okay. – hein, Mais, mais j'étais aussi à Bercy, et, voilà. et je peux vous dire qu'il euh, y avait aussi d'autres sujets dont il s'occupait. Mais, mais la vraie question, c'est pourquoi on en est arrivé là Et aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, c'est la volonté forte politique de dire, eh ben c'est inacceptable, donc on prend les mesures. C'est ce qu'on fait. Et deuxièmement, c'est de se dire quel est le verrou ou quel est le coup de pouce qui permet justement de changer la donne. C'est de se dire, quand on ouvre une crèche dans un quartier, on donne ce coup de pouce financier qui permet d'équilibrer l'équation et donc de faire en sorte qu'on puisse le faire après. Et pour justement le plan de financement 2018-2022 sur les crèches, très rapidement, là, il va être signé très vite parce que c'est ce qui manque aujourd'hui pour relancer Alors, la, la machine de création de crèches. En fait, le plan de financement dépend de ce qu'on appelle le, le contrat d'objectifs et de moyens de, ouais. de la CAF. Ouais. Euh, et les, les discussions, ça, dépend, ça ne concerne pas que les crèches. Hein, ouais. Et c'est quelque chose que gère ma collègue Agnès Buzyn, aux dernières nouvelles, elle était en train de le finaliser, mais je, je suis pas au, au jour le jour dans la discussion, donc je pourrais pas vous donner la date exacte. On a, on mais... a parlé emploi tout à l'heure. Une, une question euh, de Sarah Smail sur justement la question de la lutte contre les discriminations, euh... avec la nouvelle euh, campagne de testing qui a été annoncée par le président de la République. Tout à fait. Pour, pour lutter contre les discriminations, le président a annoncé une nouvelle campagne de testing. Donc euh, ce serait une campagne de plus, donc ça sera loin d'être la première. Et euh, la dernière avait été réalisée d'ailleurs en avril 2016 euh, par le ministère du Travail. Et euh, le président était donc ministre de l'économie à cette époque-là. Euh, le coût de la campagne pour les finances publiques était de 200 000 euros. Et quel est l'intérêt, vu qu'on sait, on, on, le constat est déjà connu sur la discrimination, quel est l'intérêt de faire encore une campagne de testing Alors c'est objectivement une très très bonne question. Euh, et je, non mais je dis ça sans flagornerie aucune, juste parce que... Euh, moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir est-ce que c'était bien ou pas de faire ça, beaucoup. Et pour tout vous dire, moi, je crois profondément à ça euh, aujourd'hui, profondément, euh, au fait qu'il faille faire du testing. Il faut faire ce qu'on appelle du Nem and c'est-à-dire on teste et ceux qui sont mauvais élèves, on donne leur nom. C'est-à-dire qu'on a publie. besoin de savoir aujourd'hui, en ouais. 2018, Exactement. si les Arabes et les Noirs de ce pays sont discriminés à l'embauche. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. C'est ce si, qu'on ce qu vient de dire, non, nous, en non, tout non, cas. C'est la question qu'on mais... qu vous pose. Enfin, attendez, euh, je, peux, je peux vous dire que ouais, l'un, si ce n'est mon plus grand combat, c'est euh, cette discrimination à l'embauche, qui est juste une trahison républicaine. Parce que la discrimination, tout le monde la connaît. Ce qu'on dit moins aussi, c'est que plus vous êtes diplômé, plus la discrimination est forte. Euh, prenez des associations incroyables comme euh, NQT, avec qui on est en train de de faire x4 dans leur activité, ils vont passer à 100 000 parrainages parce que eux, ils sont concentrés uniquement sur la lutte contre cette discrimination à l'embauche. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes discriminé. Une trahison de la promesse républicaine, c'est insupportable. Après, la question, c'est comment vous faites. On pourra parler des emplois francs, on pourra parler de plein d'autres choses. Là, vous m'interrogez sur le testing. Moi, le testing, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Je vais vous donner mon retour d'expérience. J'ai réuni les entreprises, toutes les entreprises qui avaient fait l'objet du testing en 2016. Combien dit... Alors il y avait une quarantaine, en fait plus précisément j'ai réuni des entreprises qui avaient fait l'objet de mauvais résultats au testing de 2016. Donc une quarantaine Et au total une... un, peu, un, peu, tout un, peu, un tout petit peu moins d'une quarantaine. Et leur euh, retour d'expérience, il est hyper éclairant. Il y en a beaucoup, pas toutes, mais beaucoup, qui vous disaient, euh, bah, écoutez en fait, moi ce testing, ça a été euh, la possibilité de me rendre compte que, en fait dans mon process, j'étais discriminant. Il y en a beaucoup de ces entreprises parce qu'elles sont euh, euh, internationales, parce qu'elles font, euh, vous savez ce qu'on appelle du, du, du retail, c'est-à-dire euh, du commerce de proximité. Elles étaient persuadées, mais d'elles-mêmes, et, et je crois, certaines de bonne foi, pas toutes, et vraiment je dis ça sans complaisance aucune, hein, parce que moi je suis le premier à dire, quand on fait mal le job, il faut le dire, de, on nomme et, euh, et on le nomme publiquement. Mais il y en a beaucoup qui, depuis ce testing de 2016, euh, ont fait en leur sein de l'auto-testing. Il y en a même une qui a repris exactement la même boîte qui avait fait le testing de 2016 et qui, depuis, fait le test chaque année en son sein. Il y en a d'autres qui me disaient en fait, c'est devenu une stratégie de notre groupe. On a réussi à, à créer une énergie au sein de notre groupe en disant mais c'est vrai, c'est vrai, cette discrimination, elle, elle existe. Il y en a plein qui disent mais attendez, mais c'est pareil que les stages de troisième. Je veux dire, stages de troisième, quelle entreprise quelle entreprise aujourd'hui se dit euh, ⁇ Non, je ne suis pas discriminante dans les stages de troisième ⁇ Stage de troisième, c'est que du réseau. C'est votre neveu, votre nièce, etc. C'est que du réseau. Et pour moi, ce testing, c'est non seulement une nécessité, parce qu'il faut lutter par tous les moyens, je viens par tous les moyens contre cette discrimination, et en plus, je crois que ça a une vertu. C'est que quand vous indiquez aux gens ben, ⁇ Regardez à quoi vous, vous ressemblez dans ce miroir ⁇ à ce moment-là, ça peut faire changer des mentalités. Et après, il faut aller beaucoup plus loin. Pour moi, véritablement... Il y a un enjeu qui est majeur, ce n'est pas que la discrimination à l'embauche, l'autre discrimination qui est insupportable, c'est la discrimination au sein de l'entreprise. C'est quand, aujourd'hui, vous êtes sur embauché sur l'ascenseur social. C'est ce fameux plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est quelque chose d'inadmissible. – Mais sur Et la donc, question des, aller, des entreprises, de la quarantaine d'entreprises mmh. qui avaient été testées sur la campagne de testing en avril 2016 par le ministère oui. du Travail, puisque vous les avez retrouvées, est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'avoir les noms euh, bah, des, des, des mauvais acteurs, ceux qui, ne, qui, qui discriminent ah bah, à ?– qui discriminent. À l'époque, en 2016… Il euh, y en a deux qui avaient été euh, rendus publics, qui étaient Accor et Courtepaille. Ouais. Et ces deux-là, moi je vous invite à échanger avec eux, parce que vous verrez la politique que je salue, qu'elles ont mis en place depuis lors. Invitez-les, discutez-en avec eux, avec elles. C'est incroyablement intéressant. Il y en a un, le groupe Accor, et de manière très légitime, ils disaient Mais attendez, moi je suis un groupe international, j'ai des employés dans tous les pays, je suis international, il n'y a aucune raison que je sois discriminant. Et en fait, ce testing, eux, ils l'ont fait. Et ils le mettent aujourd'hui. Ils ont un comportement, mais incroyablement vertueux, pour lutter à bras le corps. Et je salue leur action contre cette discrimination. Courtepaille, elle en a fait un projet d'entreprise. Et bon, donc, l'idée bah, avec cette nouvelle campagne de testing, contraire. ce serait de pouvoir rendre public les noms, c'est ce que a dit le président de la République, les noms des entreprises qui, qui discriminent. Ça, ça sera fait, du coup. Oui, hum oui. Mais il faut. Mais il faut. Il faut lutter absolument contre toutes ces, ces discriminations à l'embauche. Moi, ça me paraît essentiel. On va passer à un autre thème. On a abordé en tout début d'émission la question de la rénovation urbaine, mais il y a surtout celle des fameuses copropriétés dégradées dont a parlé le Président de la République hier. Et c'est une question de Sarah Smile. Oui, donc pour la question des copropriétés, on en compte 100 000 copropriétés dégradées en 2015, ce qui représente 15% du parc. Et euh, le président a annoncé donc la rénovation d'une dizaine de copropriétés euh, à venir, et euh, on se demandait quels critères allaient être euh, utilisés pour faire, pour sélectionner ces dizaines de copropriétés. En fait, la copropriété dégradée, c'est là aussi un sujet, mais qui est euh, qui est central parce que euh, vous avez euh, aujourd'hui dans beaucoup de quartiers des copros qu'on laisse, des copropriétés qu'on laisse euh, se mettre euh, en place. Euh, et euh, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne font pas l'objet de la rénovation qu'il faudrait faire. Alors là, vous avez deux stratégies. Pareil. La stratégie qui euh, aujourd'hui existe, c'est par la loi, on a créé mais, plein de dispositifs. Des trucs, je vous ai parlé de nom, ça s'appelle les orcodiennes, mmh. trucs incroyables. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, et d'ailleurs, il faut les renforcer. Et dans, là, je suis en train de présenter un projet de loi logement, on est en train de les renforcer. Mais de la même manière que je vous disais qu'il y a un changement de méthode, qu'est-ce qu'on a fait depuis six mois on a demandé à tous nos préfets, qui sont nos représentants sur le terrain, d'aller identifier toutes les copro dégradées, toutes celles qui sont le, le, le plus en risque aujourd'hui. Toutes. Le travail de remontée est en cours. Devant chacune de ces copros, on est en train de nommer un chef de projet en disant, Monsieur ou Madame Intel, vous dépendez de telle structure. Alors vous avez plein d'agences en plus de l'État qui font de la rénovation urbaine. Vous avez l'Enru, celle qui fait la la, la rénovation euh, euh, urbaine, vous avez l'ANA qui fait l'amélioration de l'habitation, vous avez d'autres structures qui s'appellent les EPF, vous en avez plein. Et donc, avant, chacun se disait est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi hein? bon, moi je prends le problème à bras le corps, on est en train de nous faire remonter toutes les copro dégradées, devant chacune de ces copro, on met un chef de projet avec la même logique que j'évoquais tout à l'heure. Quand est-ce qu'on lance les, les projets Quand est-ce que euh, la fin euh, et l'amélioration de la copro euh, euh, sera euh, mise en œuvre Et en donc sur la dizaine de copropriétés rénovées, pardon, mais j'insiste, puisque vous ne répondez oui. pas à la question, comment le président de la République, comment le gouvernement va choisir tout simplement cette dizaine sur les euh, 100, 100, oui. euh, 100 bah, 000 copropriétés par, qui existent aujourd'hui C'est par ce, cette remontée d'informations qu'on est en train de faire par tous les préfets, qui sont en train de nous dire, euh, département par département, quartier par quartier, quels sont les cas. Euh, les plus critiques du moment. On a par exemple beaucoup travaillé sur un cas à Marseille euh, il y a euh, quelques semaines, euh, etc., etc. Une approche terrain, dire, ça remonte du terrain et à ce moment-là, vous, vous choisissez euh, dans l'urgence celles qui doivent être traitées en premier. À ce sujet, euh, la maire d'Aubervilliers, Myriam Derkewi, que vous connaissez peut-être, a une question à vous poser. Écoutez. Que comptez-vous faire pour euh, apporter le soutien Tant attendu, quand je dis un soutien, étude, sauvegarde, réhabilitation des copropriétés dégradées dans nos communes, c'est un véritable fléau. Et euh, j'entends par ailleurs que euh, les logements sociaux, que, au niveau des, notamment des offices publics de l'habitat, euh, il y aurait euh, une vente à la découpe j'attire votre attention je vous alerte monsieur le ministre sur les dangers qui encourent cette procédure nous aurons dans le futur d'autres copropriétés dégradées puisque nous allons avoir des habitants qui n'ont pas les moyens de s'en sortir de faire face aux charges de copropriété et donc qui vont laisser à la fois ces copropriétés se dégrader comme c'est le cas aujourd'hui et nous n'avons pas de solution à part de dire dans 10 ans, dans 15 ans, le plan de sauvegarde, mais aussi nous, nous contribuons sans le vouloir à les surendetter. Donc, quelle est votre solution par rapport à cette situation Très rapidement, monsieur le ministre, si vous avez une réponse à, à donner à madame Derkaoui. Encore une fois, euh, moi je crois profondément à une approche projet par projet. Dans certains cas, la réponse, ça passe par euh, l'ENRU qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'ENRU, dans le cadre de la rénovation urbaine, doit prendre en compte euh, la lutte contre la copro dégradée et apporter les financements pour répondre précisément à, oui. à la question. Dans d'autres cas, la copro dégradée résulte d'une autre euh, euh, logique, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément le, le même degré d'indécence, comme on dit, cest la même dégradation. Euh, et là, vous pouvez avoir d'autres intervenants, comme par exemple l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui apporte d'autres solutions, de l'amélioration de l'habitat, euh, qui apporte d'autres situations de, de, de financement. Ça dépend, c'est du projet par projet, il faut le faire dans la dentelle. Mais à chaque fois, moi, vous avez vu mon approche, c'est de se dire, je n'ai pas une réponse dogmatique, je ne vous dis pas que le meilleur truc, ce serait de créer une agence de lutte contre la coprodégradée. Ce n'est pas ouais. vrai, si ça marchait, ça serait. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'on prend les cas les uns après les autres et avec les outils existants, on en a déjà plein, mais plein, eh ben, on fait en sorte que le dossier avance. Dernière question, et c'est à Sall qui vous la pose. – Oui, une question sur les associations. Bon, on n'a pas le temps de revenir sur la baisse drastique des, des contrats aidés qui fragilisent énormément le tissu associatif dans les quartiers. Mais le Président de la République a annoncé que les associations n'auraient plus à avoir recours à ce qu'on appelle l'appel à projet. Et du coup, concrètement, comment, oui. que vont, comment va se passer le financement des, ben, des, association le, le financement des associations ?– Aujourd'hui, le financement des associations, quand c'est financé par l'État, on, on, on met beaucoup d'argent en fait dans le financement, des associations, l'État a créé une machine qui consiste à dire, quel que soit le montant, vous passez un appel à projet. Et donc, si vous êtes une appelée petite association, mais petite par la taille, simplement, euh, vous devez passer par les mêmes fourches codines d'un appel à projet, un truc incroyablement complexe. Donc, ce qu'on dit, c'est que en fonction de la taille des associations... Il faut arrêter de passer toujours sur ces appels à projets, mais de temps en temps, moi, je puisse financer en direct certaines associations avec l'évaluation que vous évoquiez tout à l'heure, qui est essentielle, avec un certain nombre de critères. Mais arrêtez de dire à toutes les mais associations. Quel, quel c'est bah, l'utilisation des fonds, c'est essentiel. Pourquoi faire L'impact, l'impact social. Euh, l'impact en si c'est une, 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 une association par exemple qui travaille sur l'insertion l'impact en termes de, de réussite euh, son positionnement dans le quartier. mais comment vous allez définir celles qui pourront avoir un financement pérenne ou en tout cas avec une visibilité par exemple à trois ans? on sait que ça, le ça, commissariat le par tous. exemple fait des conventions ouais. sur trois ans. Et celles qui vont être financées à projet. Comment vous ferez la, la différence Parce que j'imagine qu'un certain nombre d'associations vont être euh, demandeuses, et c'est d'ailleurs une demande qui a été faite par les associations, d'avoir un financement pérenne. Comment en fait, vous faites la différence en fait, Je vais inverser votre. Euh, je dire, la logique, pourquoi on fait ça Parce qu'on s'est rendu compte que faire que de l'appel à projet, ça bénéficiait à la fin que aux grosses assos. Et oui, celles, celles qui, ont savaient, qui ont les exactement. moyens Exactement. Celles sûr. qui savaient à chaque fois répondre à l'appel à projet. Donc, je vais inverser votre question. En fait, moi, à la fin ce que je cherche à faire en, en allonge justement, c'est une idée de Jean-Louis Borloo aussi dans son rapport. C'est une de demande dire, des associations enfin depuis une des demande, années. C'est ce une, mais... une des mesures qu'il propose, c'est de se dire comment vous faites pour celles qui aujourd'hui en fait sont évincées des financements parce que c'est trop compliqué, on puisse avoir ce dialogue en direct avec des critères, avec une évaluation mais qui nous permettent de les financer. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, D'avoir répondu à nos questions. On va passer dans quelques instants à la prochaine à la prochaine euh, partie de ce Mediapart Live, on va parler euh, de pro du projet Europacity que vous connaissez euh, peut-être. En mars dernier, la justice a annulé la création de la zone d'aménagement euh, concertée du triangle de Gonesse. Où doit être construit donc le site de commerce de loisirs qui s'appelle donc Europa City. Selon le tribunal administratif, la population et les élus auraient dû être mieux informés du projet compte tenu de l'impact environnemental de la destruction de 280 hectares euh, de terres agricoles. Une question peut-être rapidement, euh, Monsieur de Normandie, pourquoi l'État euh, a fait appel et le gouvernement est-il favorable à la création de ce projet d'Europa City L'État a fait appel en début mai. Appel de cette décision du tribunal administratif, tout simplement parce que moi je crois qu'il faut véritablement avoir un projet d'aménagement pour ce qu'on appelle le triangle de Gonesse, euh, et que ce projet d'aménagement, Europa City, euh, a des caractéristiques qui pourraient faire de lui ce projet d'aménagement. Maintenant, vous savez, quand vous faites un tel projet d'aménagement, vous avez énormément de concertation, de consultation il n'y a aucun permis de construire aujourd'hui rien, vous avez juste, on parle de, de créer la zone qui pourrait accueillir un projet tel qu'Europa City, moi je crois profondément qu'il faut aller au bout des études, au bout de l'analyse de comprendre qu'est-ce qui peut euh, interroger ou sur lesquels les, les, les riverains peuvent s'étonner de de, du projet Europa City mais enfin c'est un projet qui est pourvoyeur d'emplois de manière très substantielle au niveau du territoire. Et donc, il faut continuer l'analyse. Eh ben, on y reviendra dans la deuxième partie avec euh, la journaliste de Médiapart, Janine Gart, qui reviendra donc sur, cette, sur ce projet d'Europa City. On se retrouve donc en juillet ou dans six mois, s'il y a encore du retard sur la question des mesures pour les quartiers populaires En juillet et dans six mois. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Pas loin de Paris, entre les aéroports de Roissy et du Bourget, on trouve des terres agricoles, parmi les plus fertiles d'Île-de-France. Sur ces terres agricoles, le groupe Auchan souhaite construire Europa City, un vaste complexe de commerce et de loisirs, doté d'une piste de ski artificielle. Pour ces détracteurs, c'est une aberration écologique et économique. Mais pour Europa City, c'est l'un des plus gros investissements privés en France depuis Disneyland. Alors, sur ces belles terres fertiles de la région parisienne, faut-il faire pousser des boutiques ou du blé Nous en parlons ce soir avec nos deux invités. David Lebon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. Vous êtes directeur du développement d'Europa City. Tout à fait. Et pour discuter avec vous, Jean-Yves Souben, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un opposant à Europa City. Vous êtes membre du collectif pour le triangle de Gonesse, le CPTG, et également élu de la commune du Blanc-Mesnil, élu écologiste. Merci beaucoup d'être venu bon, à l'ouverture. Plutôt qu'opposant à Europacity, je préfère dire que je suis un proposant à garder les terres agricoles. D'accord. Bah écoutez, on va on va tout de suite commencer avec euh, l'aspect agricole de, de ce dossier. Alors, David Lebon, mais pourquoi vouloir créer ces 230 000 mètres si je me souviens bien, de commerce sur ces terres agricoles du triangle de Gonesse au nord de Paris? Qu'est-ce qui s'est passé dans le choix de, cette, de, cette, de cet endroit eh C'est un choix qui, et d'ailleurs ça fait le lien avec votre débat précédent avec le ministre de Normandie, c'est un choix en fait de la puissance publique. On voit, on voit les images, hein, pardon oui David, je vous interromps une ah, seconde, ah, oui, on voit les images pendant que vous parlez qui sont les images de présentation donc, du projet Europacity qui n'existe pas encore, donc ce sont des visualisations. Ah, tout à fait. En fait c'est un dialogue qui s'est opéré entre l'État. Euh, un opérateur privé qui est Imochan, qui est la filiale immobilière du groupe Auchan, qui a l'habitude historiquement de faire des centres commerciaux. C'était son métier pendant ouais. 50 ans. Euh, un dialogue, pourquoi Pour euh, une problématique d'un opérateur qui sait que le commerce physique est extrêmement challengé par la révolution digitale. Et pourquoi est -ce aussi est-ce que je suis venu à Mediapart ce soir Parce que vous savez mieux que beaucoup d'autres. L'impact de la révolution digitale sur les modes de vie et de consommation et sur les métiers. Le, le journal sans papier ni frontières, ça montre bien que Internet a changé le monde et qu'il faut aussi repenser ses modèles économiques. L'avenir de ce que mon groupe a fait pendant 50 ans, eh bien, n'est plus dans ce qu'ils ont fait les 50 dernières années. Et donc, il faut se réinventer, faire de l'innovation et proposer d'autres choses. Et donc, il y avait un besoin. On va revenir. On aura le temps de ce scale city Mais quand on se dit, eh bien, on va essayer de faire quelque chose de différent, eh bien, la puissance publique qui euh, à euh, en 2007 euh, un grand projet qui est le projet du grand paris euh, de créer cette euh, infrastructure de transport qui va relier euh, qui va faire sortir paris du boulevard périphérique et bien dit euh, moi j'ai besoin aussi de grands projets qui viennent s'inscrire et qui sont possibles grâce au métro et dans les faits, Pourquoi le projet. De... Là ben, je le dis... sont ces terres agricoles là, qui sont aujourd'hui dis... encore cultivées. Elles sont cultivées, mais elles, ne... elles sont euh, identifiées par la puissance publique dans sa, euh, dans sa responsabilité d'aménagement du territoire comme euh, urbanisable. Pourquoi Parce que c'est la ville dense. On n'est pas au milieu de la campagne, on n'est pas dans l'Oise, on, pas... on est vraiment entre des autoroutes. Il y a une densité de population qui est extrêmement forte. Et la volonté de la puissance publique, elle est très simple, c'est de dire l'est du Val d'Oise, qui connaît les mêmes problématiques que la Seine-Saint-Denis. Vous savez, Sarcelles, villiers bel garges -les Gonesses Les émeutes de villiers bel en 2007. Eh bien, c'est la promesse de l'enclavement, c'est de faire venir le métro. Il se trouve que pour faire venir le métro, ce qui coûte cher, un milliard d'euros pour faire une ligne entre saint denis pleyel et Roissy, eh bien, le seul moyen de faire passer par le Val d'Oise, c'est de passer par le triomphe de Gonesse dans la partie qui aujourd'hui n'est pas encore dense, mais qui va le devenir. Et donc, c'est la puissance publique, dans un dialogue avec la région et l'État, qui a dit aux investisseurs que nous sommes regardez les différents terrains qui existent. Aujourd'hui, il va y avoir une opération d'aménagement autour de la gare du Triangle de Gonesse. Et donc, venez ici pour faire ce projet. – Alors, cette gare du Triangle de Gonesse, entre-temps, sa euh, date de, 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 de mise en chantier et d'ouverture a été, a été retardée. Mais je voudrais tout de suite donner la parole à Jean-Yves Soubène. Vous, vous êtes élu local. Donc, vous êtes, vous êtes élu, je le rappelle, du Blanc-Ménil euh, qui est une ville euh, qui, euh, comme les villes euh, alentour, euh, a besoin d'emplois, a les besoin d'activités. Limitrophes du, du Triangle de Gonesse. Pourquoi êtes-vous euh, opposé à ce projet Pourquoi ne croyez-vous pas à, ce, à ces premiers éléments euh, de discours de, de M. Lebon Alors, on, on, a, on a beaucoup de, beaucoup de raisons, mais euh, je peux en donner une très rapide. En, en 2005, vous faisiez un peu euh, l'historique. Euh, euh, en, en 2003, pardon, il y, avait, euh, il y a eu une, une canicule. Cette canicule a touché en premier la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et, et l'agglomération parisienne. Euh, si jamais demain on bétonne le triangle de Gonesse, hein, c'est l'équivalent de 7, 700 hectares, le triangle de Gonesse, c'est presque la, la surface d'une ville comme Blanc-Ménil. Euh, on sait qu'en été, en période de canicule, on a des vents qui viennent du nord-est. Si jamais on chauffe... On, on, si on, on bétonne ces terres, si on artificialise, on va se retrouver avec une élévation de température dans la journée, le, la, la température, l'élévation de température sera rétrocédée la nuit, et avec le vent qui vient du nord-est en été, on se retrouve avec une, une augmentation de température, les ingénieurs agronomes disent, d'au moins 2 degrés sur la capitale. Donc voilà une, une première raison pour éviter d'avoir des, des victimes supplémentaires en Seine-Saint-Denis ou en Val-d'Oise. Alors, parce qu'en effet, en 2003, la Seine-Saint-Denis a été le deuxième département de France le plus touché par, par les morts de la canicule. Donc, c'est toute la question des inégalités sociales environnementales, des inégalités sociales climatiques. Donc, c'est la question du climat. Donc, par exemple, David Legon, euh, le, le, dans le modèle d'Europa City, il y a, euh, si euh, les, ces chiffres sont toujours les mêmes, et vous allez me dire si, si ça a changé, l'objectif d'avoir 30 millions de visiteurs par an. Ce n'est pas un objectif, ouais. pardonnez-moi pour être précis, ouais, ce sont les études de marché que nous avons fait sur la ouais. programmation que nous allons faire, c'est 30 millions de visiteurs. Mais pardonnez-moi pour bien préciser les mmh. choses, Europasti représente 80 hectares sur, dans la zone d'aménagement concerté oui. qui en fait 280. Oui. Cette zone d'aménagement concerté c'est bien parce qu'il y a un, un intérêt général que la puissance publique a lancé cette opération d'aménagement autour de cette gare. Et pour être précis, encore une fois, sur l'artificialisation, parce que quand on dit bétonner des terres agricoles, ça va pas être des parkings. C'est tout à fait le cas. Et ça va pas être, pardonnez-moi, bétonner des terres agricoles. Pour vos auditeurs qui écoutent, ils se disent, ils vont faire un parking géant de 280 hectares. Ça va être, euh, ça va être horrible. Là, dans cette zac, il y a 80 sur les 280 hectares, il y a 90 hectares qui ne seront pas artificialisés euh, et qui resteront en terres agricoles. L'enjeu pour nous, c'est de faire. Un équipement dans lequel le, la terre, finalement, soit au-dessus des bâtiments. On va faire et de la ville et de la campagne en même temps pour justement éviter ces îlots de chaleur. L'enjeu, ce n'est pas de faire quelque chose d'irresponsable. Moi, ce qui me gêne dans ces positions, euh, et finalement dans des combats qui apparaissent plutôt idéologiques que véritablement pragmatiques, il faut remettre de la raison. Si je suis venu là aussi ce soir, c'est parce que je savais qu'on aurait le temps de pouvoir parler, d'argumenter et de voir les, véritablement la réalité des choses. Et donc, euh, les 30 millions de visiteurs. Euh, – Je sais que, Donc, je, pour juste, pour... juste ouais, sur ce que je vous disiez, monsieur, monsieur Lebon, euh, les, le, le toit végétalisé, ça permet de euh, mettre à l'abri de la chaleur ceux qui sont en dessous, ce toit. Moi, je ne parlais pas de ça, je parlais de la réserve d'eau qu'il y a dans ces terres arables, qui, est rest... qui remonte par capillarité dans la journée quand ça chauffe, et la nuit qui rafraîchit, et qui rafraîchit la capitale tous les ans, et qui rafraîchit les deux, les deux départements limitrophes. Oui. Euh, là, vous, fait, vous parlez oui. du toit non, végétalisé, non. Qui, non, pas vraiment. Qui, le toit végétalisé c'est très bien pour ceux qui sont en dessous, non, en fait... mais il mais, n'y mais aura plus la terre en dessous. Oui. – Alors, Alors sur les... le toit végétalisé, sur, après le... j'ai une autre euh, question ben, Parce que M. Souben a parfaitement non, faut... raison, le rôle de l'eau dans le règlement climatique, Souvent, dans oui. la régulation climatique est extrêmement important. Ce qui fait que les villes d'avant, euh, telles qu'elles ont été faites, partie pour réchauffement climatique, c'est que la gestion de l'eau se fait en sous-sol. Vous voyez bien, des cas niveau, aucune réserve d'eau en superficie. Là, l'enjeu de la ZAC, et c'est l'aménageur public qui l'impose, hein, euh, c'est d'avoir toute la gestion des eaux pluviales. En superficie pour justement éviter les îlots de chaleur. Et donc, okay. il y a ce grand parc urbain et tout au sud, il y a une réserve d'eau qui est aujourd'hui n'est pas traitée, qui va être en superficie et qui va permettre de faire de, ré, de faire de la régulation thermique. Alors, OK, régulation thermique euh, par une bonne gestion de l'eau, euh, nous mmh. promet euh, Europa City. Juste donc, pour préciser. L'aménageur public. L'aménageur public, Grand Paris Aménagement. Mmh. Alors, la raison pour laquelle on insiste à ce point sur Europa City, c'est que pour l'instant, c'est le plus important et le plus proéminent projet euh, qui a été déposé, si je puis dire, pour l'aménagement de cette ZAC, c'est aussi sur son, celui dont l'emprise est la plus importante à ce stade, avec 80 hectares. Donc c'est quand même euh, un acteur tout à fait déterminant de l'aménagement de, de ce triangle de Gonesse. Et moi j'ai une deuxième question euh, climat euh, à vous poser, David Lebon. Donc vous nous dites, nos études de marché nous indiquent euh, qu'il faudrait que nous ayons 30 millions de visiteurs annuels. C'est le potentiel pour, de visite que nous C'est le avons. potentiel de visite que nous aurons pour Europa City. Donc ces gens, ils vont pas venir à pied, ils vont venir en voiture, euh, pour la plupart d'entre eux, ils vont venir pour les touristes en avion, c'est-à-dire par deux modes de transport. On le sait très bien, très émetteur de CO2, donc très contributeur au dérèglement climatique, sans oublier euh, l'émission de pollution. Comment est-ce possible d'imaginer un projet à l'heure du changement climatique qui repose à ce point sur des modes de transport polluants Alors, d'abord, c'est, euh, pardonnez-moi, dans les chiffres, euh, c'est la moitié des personnes qui viendront, qui viendront en transport en commun. C'est parce qu'il y a une ligne de métro qui a un aménagement à cet endroit-là pour créer des emplois à proximité de zones où il y en a vraiment besoin. Personne ne peut dire que quand on a 40% de taux de chômage à Sarcelles, des jeunes, il bon, n'y a pas besoin d'emploi. Mais c'est bien parce qu'il y, y a un métro. Le, le métro, il va passer il a, à Sarcelles. Non, mais le métro, il permet de faire que les gens de Sarcelles ils puissent aller travailler dans, les, dans la, la métropole. C'est ça l'enjeu du métro du Grand Paris Express, c'est de connecter. Et donc, ces 50%. J'ai pas compris, là, le métro, la ligne 17 elle passe à Sarcelles Non, la, la ligne 7, elle passe à côté de Sarcelles. Elle est connectée par le barreau de Gonesse. Il y a un BHNS, un bus à haut niveau de service, qui est aujourd'hui déjà en service, qui permet de connecter et de ramener les gens qui sont sur le RER, qui ne peuvent pas aller de l'autre côté parce qu'il y a des frontières. Et de pouvoir accéder à des emplois. Faut Parce qu'il qu problème de mobilité. La ligne 17, c'est celle qui est censée passer par le Triangle de Gonesse. – il faut être un petit peu sérieux. Si on veut vraiment si dire, donner un, si si vous vous donner donner un, un métro au, au Val termine, il faut le mettre juste, dans le Val d'Oisir. La vu le Lebon termine et après je vous avez la, la parole. Je termine juste sur cette question de. Donc il y a ces 15 millions de visiteurs qui viendront en mode de transport, hors que transport en commun. Donc déjà, l'impact carbone n'est pas celui que vous décrivez. Deuxièmement, la raison de visite des gens qui viennent en avion. Euh, ce n'est pas Europa City. Excusez-moi. Mais... Ce n'est pas ce que vous avez toujours dit. Il y, a, non, non, il y avait l'idée d'en faire un pôle d'attraction. Bien sûr, c'est un qui... pôle d'attraction qui est un élément complémentaire de la destination Paris. Quand la France, la France a un objectif de 100 millions de touristes, de faire passer 6% du PIB actuel touristique, le, la part tourisme dans le PIB, c'est 6 à 7%, ça dépend des années, de le faire passer à 10%. Pourquoi Parce que le pays s'est désindustrialisé, il faut recréer des emplois et le tourisme est un, un, un secteur majeur. Quand l'État dit. 100 millions de touristes. Il fait 100 millions de touristes. Euh, avec, en diversifiant ses parcours. Mais la raison de visite première, c'est Paris. Excusez-moi, le principal émoteur, émetteur de CO2 de notre pays, c'est la Tour Eiffel. D'accord, mais vous voulez donc, attirer pas, ces touristes, David de vous. Venir. vous ne euh, renvoyez vont... pas la responsabilité au euh, euh, développement c est, c est, c est touristique de si Paris. C'est ces gens-là que vous voulez capter, si, vous voulez qu'ils viennent chez si vous. C'est comme si on expliquait qu'il fallait ouais. démonter la Tour Eiffel pour le plan climat. Soyons sérieux, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas. La différence, c'est que la Tour Eiffel, elle existe déjà et vous, vous n'êtes pas encore construit Non, mais nous aujourd'hui, tout de quel modèle de développement la France, si la France veut rester la première destination touristique mondiale, faire passer 10% de PIB, créer des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur, des emplois non délocalisables. Eh bien, elle est obligée de diversifier ses parcours. Aujourd'hui, les raisons de visite de Paris, c'est le patrimoine, c'est une ville magnifique, la ville des Lumières. Euh, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez de parcours touristiques différents. Et donc, un des enjeux de Repasti, c'est pour ça que ce n'est pas un centre commercial et que c'est une destination touristique et de loisirs, c'est de créer et des réseaux de visites. Et commercial. De 130 000 mètres de Excusez-moi, le shopping. Vous, quand vous allez faire du tourisme quelque part, quand vous partez en vacances, mmh. vous aimez aussi faire du shopping et ramener des produits qui sont de là-bas, comme dépend. tout le monde, mmh. comme mmh. tout le monde, ouais, comme mmh. tout le monde. J'en suis persuadé. Et Alors, donc, oui. on est, vous voyez bien qu'on n'est pas sur, euh, un, on est sur un objet qui répond à une stratégie de la puissance publique euh, forte. De diversification des parcours, le plan qui a été rappelé par le ministre Le Drian, qui avait été lancé par Laurent Fabius, et pour arriver à cela, pour ne pas être décroché, parce que le, le journal sans papier ni frontières, dans ce monde qui change, ce monde, il va aussi créer ces, nouvelles, ces nouveaux mythes. Si demain, la France connaît la même situation que nous avons connue sur l'industrie, un pays désindustrialisé, une grande puissance qui tombe. Eh bien, sur le tourisme, si nous ne faisons pas quelque chose, il se passera exactement la même chose. Et donc, le vrai sujet, c'est une stratégie, mais je ne dis pas qu'elle est opposée à la stratégie environnementale. OK. Jean-Yves Souben. Oui, bon, là, je, juste, on apprend que la future Tour Eiffel, ça sera Europa City. Moi, je, je me permets de douter, mais euh, je voulais revenir sur des choses plus sérieuses. Euh, la gestion de l'eau. Moi, quand je parle de la gestion de l'eau, il faut savoir que blanc est une ville qui prend son eau dans le sous-sol. Les Gonessiens prenaient leur eau dans le sous-sol, hein, dans, dans le, la nappe du Soissonnais. Euh, Ce n'est pas des ca, quelques caniveaux qu'on euh, euh, qu va stocker au nord, au nord du, du Triangle de Gonesse. Moi, je parle de la nappe du Soissonnais qui est à moins 140 mètres et euh, toutes les, les nappes phréatiques qui, qui gorgent le Triangle de Gonesse. C'est ça qui est important. C'est ça qui rafraîchit la capitale. C'est pas euh, la gestion des, des, des caniveaux. Donc, euh, les gonessiens prenaient leur eau dans le sous-sol. Ils le prennent plus parce que maintenant c'est pollué. Donc, on peut encore sauver pour les Blancs Mininois. Ça serait déjà pas mal de le faire. Ça c'est la première chose. Euh, ensuite, sur le métro, sur le métro, faut être un petit peu sérieux. Euh, J'ai déjà entendu Monsieur Lebon dire que le, le métro, on l'avait amené ici pour Europa City, pour la rentabilité de la ligne. Cette ligne sur le nord, la, la 17 sud, elle, elle sert à quelque chose, mais la 17 nord, au-delà euh, du musée de l'air, il n'y a pas d'habitants. Hein, la 17 arrive de dans le 93, pour M. Soubein. Le 95. Attendez, laissez le, le bon, laissez le Alors non. justement, justement, moi je suis pour le métro dans le 95, mais si on veut amener le métro aux Gonesciens, faut l'amener à Gonesse. Faut pas l'amener sur le triangle de Gonesse. Là, ça sera pour les lapins. À quelle distance Vous pourriez nous expliquer Alors, le, à la station de Gonesse. Les plus près. Les plus près. Ça, c'est pas des chiffres que que, que je vous amène moi, mais euh, les spécialistes euh, pensent que euh, au-delà de 400 mètres pour aller prendre le métro, on prend, euh, on fait euh, ce qu'on, ce qu'ils qu appellent du modal. On prend un, le vélo, on ouais. prend une voiture, on prend euh, un bus pour y aller. Euh, là, dans un rayon de 800 mètres autour des gares, euh, vous avez autour de la... celle du triangle de Gonesse, alors c'est plus de 800 mètres, celle, de... celle du Piex, euh, c'est euh, plus de 800 mètres, celle de Roissy 1, Roissy 2 et le Ménilamlo, c'est plus de 800 mètres. Donc il n'y a pas d'habitants autour de ces gares. – trop loin des usagers, vous dites euh, Je reviens à la gare du, du triangle de Gonesse, si jamais, alors il faut bien voir, si on regarde le plan, on voit ouais. bien qu'on a tiré la ligne pour l'emmener dans les champs. Hein. Ouais. Euh, si jamais on... cette gare à l'emplacement où elle est, euh, où, où on va faire les fêtes des, des terres de Gonesse euh, le 27, dimanche, euh, à cet, cet endroit-là. On a les, les habitations les plus proches. Elles sont euh, vers, le, vers le, le centre de Gonesse, hein, vers le euh, vers la, On voit la les municipalité. chambres. Quand vous parlait, Jean-Yves ouais. Excusez-moi, je vous interromps. Hein, la, On la voit gare, les chambres, la gare donc donc, elle est à, à peu près ici. quoi ressemble aujourd'hui le triangle de Gonesse ça, ça ressemble à ça. La gare elle sera à peu mmh. près ici. Et ben la première habitation la plus près, puisqu'il n'y a plus personne qui habite à la patte d'oie de Gonesse. Les, les habitations les plus près, euh, c'est un km, 7 J'ai mesuré. Hein, je je l'ai fait euh, avec un compteur. Donc, en fait, euh, on, on voit bien que là, on se moque des Gonessiens. Si vraiment on veut leur apporter le métro, il faut le mettre à Gonesse. Il y a pas, là, okay. là, si on le met ici, c'est pour Europa City, il faut okay. être clair. Alors, voilà. euh, David, une courte réponse et après, j'ai une autre question. Non, si on met le métro à cet endroit, c'est assez simple. Techniquement parlant, il faut passer là. Hein. Parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que là, vous montrez des images très bucoliques. Sauf que c'est bien, bien orienté. Euh, c'est vrai que si vous regardez complètement en or, vous voyez le. Euh, uniquement et entre deux aéroports, hein, on a ouais, commencé à en entre deux ça. aéroports, ouais. entre des autoroutes, ouais. des nationales ouais. et des zones logistiques. Raison de plus pour et dire des, leur et, des, et des zones logistiques. Ouais. Excusez-moi. Et des zones logistiques. Oui, tout à fait. Et beaucoup de zones logistiques ouais. qui détruisent beaucoup de terres agricoles dans le territoire. Là, tu beaucoup, es beaucoup. Beaucoup. Vous n'êtes pas les premiers à. à non, c'est pas une Moi les terres agricoles. C est, c est pas, euh, moi. Je ne détruis pas de terres agricoles. Excusez-moi. Il, il y a une opération d'aménagement. Il y a une gare. Et c'est cette gare qui va créer un quartier autour. Elle ne va pas desservir des lapins. Pour répondre sur le ligne de le, le seul endroit Attends, dans lequel il était possible de mettre une gare dans le Val d'Oise. Oui. Le seul endroit, à un coût raisonnable pour les, les, les finances publiques, ça coûte un milliard d'euros et, et de faire cette ligne en intégralité. Et il y a un crochet pour faire le Val d'Oise, c'est une réalité. Et euh, elle est à, à vol d'oiseau, on est à, à, à peut-être à pied comme ça, on est à un kilo... je ne pense pas qu'on soit à un km, mais un à, kilomètre à vol d'oiseau, on est à... 600 mètres du centre-ville de, centre de Gonesse. On le fait à pied, je l'ai fait euh, mercredi dernier. Je quand vous avez dimanche à le faire, Mais bien sûr. Le bon. Et donc, tout ça pour dire que on la ville ensemble. de Gonesse, elle a son centre aujourd'hui. Elle a été étendue dans les années 70, 70 avec la fauconnière, les grands ensembles qui ont été construits le long des axes de transport principalement du RER. Ouais. Eh bien, la ville de Gonesse, qui est une ville qui est essentiellement agricole aujourd'hui, après l'aménagement du triangle de Gonesse, parce qu'on a l'impression qu'on va détruire toutes les terres agricoles du triangle non, de Gonesse. il y en a 300 qui sont préservées. Il y en, il y en a 400, non, qui, 400 sont qui sont préservées sur le temps. triangle. Ouais. Mais c'est presque 40% de la superficie de l'ensemble de ouais. la ville qui va a, rester agricole après. il y a 300 qui doivent, qui doivent, qui doivent être détruites. Alors après, ouais, c'est un peu le, le, le verre à question, moitié c'est un une question d'équilibre. D'ailleurs, les collectivités qui ont bien conscience qu'il y a un besoin de préserver des terres agricoles, il faut le dis très honnêtement, je me lève pas le matin en me disant euh, c'est génial je vais bétonner des terres agricoles d'abord parce que ça coûte de détruire des terres agricoles ça coûte c'est une réalité okay. ça coûte parce que c'est un bien commun et donc si ça coûte eh il ne il faut pas faire n'importe quoi okay, et pas alors... faire n'importe quoi c'est faire des choses qui sont utiles à la population bien utiles, pour pays, utiles pour l'économie du pays utiles pour l'image de ces territoires c'est ce dont on va pourquoi parler pourquoi vouloir y construire une piste de ski sur nage artificielle ça c'est le bien commun c'est utile à la population c'est utile à l'intérêt général mais euh, alors vous résumez à son parce que je... ça fait partie du, du, voilà. du paquet euh, Vous ne parlez pas euh, d'un grand musée, il euh, n'y a okay. pas de grand, grand, musée pas non, répondre, grand musée international. Non, je vais répondre. Après, mais mais pourquoi pour que, que vos auditeurs sachent aussi que pour, ce n'est pas qu'une piste de, 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 de ski géante sur pour 80 pourquoi hectares. Pourquoi ce projet de piste de ski artificielle qui pose plusieurs problèmes et notamment celui de sa consommation énergétique Alors, encore une contradiction avec l'époque du changement climatique Non, pardonnez-moi, parce que euh, on ne fait pas des choses exactement de la même manière qu'il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Euh, et donc, faire aujourd'hui un parc donc, des neiges. C'est climat compatible. C'est changement climatique compatible. Aujourd'hui, d'ailleurs, les élus de seine saint, -Saint le font aussi. Mmh. Quand on fait une piscine, eh bien, on, fait, on met une pompe à chaleur et plutôt que de gâcher une partie de l'énergie, on essaie de mettre une patinoire à côté. C'est exactement le même principe. Les deux équipements cumulés font qu'on ne gaspille pas d'énergie. Vous le et donc, juste vous pour savez, pourquoi, ça ne marche pourquoi, pas, monsieur le... bah, ah, le... attendez, ça, il ça a il été il démontré pendant l'enquête publique. Ça, non. Mais pour répondre à votre question, très précisément. Pour la question des parcours euh, touristiques. Aujourd'hui, Paris, destination touristique qui a une identité patrimoniale extrêmement forte, eh bien, dans la compétition entre les villes-monde, n'a pas d'équipement de cette nature. Et malheureusement, ou heureusement, mais c'est une réalité, c'est comme ça. Il une faut par... à Paris mais une piste de ski Il y a une partie géante, des gens, une partie des touristes de qui s'attendent à, à ce Paris que... pour faire du ski. Mais qui qu viennent et parce que dans son parcours de visite à Paris, quand on va rester une semaine et demie et quand on va vouloir Donc y on revenir. On voit la piste, pardon, on voit le, le projet de piste de, de ski De parc de enfin, neige enfin, euh, qui a qui a, question, en intérieur neige. à côté. Euh, c'est un parc de, de, de neige parce que c'est pas qu'une piste de ski. D'ailleurs, enfin, on en reparlera si vous voulez plus précisément. Mais pour répondre très précisément, il y a un besoin de diversification des parcours et de faire que il y ait des activités que des touristes dans le monde, aujourd'hui, s'attendent à avoir dans les destinations. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a euh, quatre pistes euh, à, euh, des neiges euh, à Londres, il y en a deux à Madrid. Il n'y en a pas en France, aujourd'hui, à côté d'une destination touristique majeure. Okay. C'est un sujet en termes d'attractivité touristique. – Ok, merci. Euh, rapidement sur ce sujet, est-ce qu'on va passer à autre chose euh, ?– bah, Là, je crois qu'on touche le fond du ridicule euh, sur les pistes de ski. Euh, C'est comme si, comme si le… le le euh, saccager des, des terres agricoles n'était pas suffisamment ridicule de le faire avec 500 boutiques et un centre commercial, on rajoute une piste de ski pour faire encore plus ridicule. Moi, je crois qu'il faut rester très sérieux. Monsieur Lebon l'a dit. Et, il, il se lève pas le matin pour bétonner des terres agricoles. Je crois que c'est là qu'il faut rester sérieux. Hein euh, si jamais euh, Imochant avait voulu vraiment un challenge... Euh, ben, pourquoi pas mettre leur projet sur des terres qui sont déjà... On a beaucoup de, de friches industrielles. On commence à avoir de plus en plus dans la région Île-de-France de friches commerciales et en Seine-Saint-Denis et en Val-d'Oise on a de la friche commerciale, donc rajouter 500 boutiques. Là, c'est clair. Hein. Vous avez euh, Aéro, Aéroville qui marche à 40% de sa capacité donc, Vous, a, vous avez euh, Paris Nord 2, euh, Usine Centre Ikea, et vous avez euh, Au Paris Nord qui sont dans un rayon de 4,5 km. Euh, ils totalisent à eux, avec le Leclerc de Gonesse, ça doit faire 490 boutiques. Euh, si on rajoute environ 500 boutiques, 250 000 mètres carrés de, de boutiques hein, de, de commerce, ça fait environ 500 boutiques. Alors, on voit bien que les... les les clients, euh, on sait, on sait d'où ils vont venir. Ils, au lieu d'aller dans les anciennes boutiques, ils vont venir dans les nouvelles. Et puis ensuite, ça va être les emplois qui vont être déplacés. Et on voit bien qu'on aura, de, on va créer de la friche, de la friche commerciale euh, le, le long du triangle de Gonesse. Euh, et ensuite, euh, on, on créera de la friche commerciale sur le triangle de Gonesse. Et, 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 et entre temps Attends, on aura mais... bétonné les meilleures Attends. terres, euh, terres d'Europe. Oui, sur... sur la piste de Moi, je voudrais bien à la question de l'emploi. Que le moi, je, je suis d'accord, mais juste sur la piste de Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, euh, dans, dans les gens qui habitent ces quartiers, c'est une, une soirée thématique sur les quartiers et la banlieue. J'ai vu qu'il y avait un débat sur savoir si on doit appeler ça quartier populaire ou banlieue. Vous pensez aujourd'hui sérieusement qu'aller au ski pour des jeunes de ces quartiers, c'est quelque chose qui est un rêve absolument interdit. Vous pensez sérieusement qu'on doit dire à ces gens, il y a des loisirs qui sont pour les riches et des loisirs qui ne sont pas pour vous. Et je peux vous dire une chose, hein, une grande majorité des jeunes qui sont plutôt de ma génération. Mais leur rêve, c'est de pouvoir aller en vacances. et eh ben, ils vont euh, dans des pays dans le monde où il y a des pistes de ski ou il y a la plage pour faire plusieurs choses en même temps, parce que Internet a permis ça, faire des choses en même temps. La preuve, c'est un, un journal qui est à la fois, un média qui fait à la fois de la vidéo. Eh bien, ça, c'est euh, considérer que tout le monde peut aller à Courchevel faire du ski. Eh bien, ce n'est pas ma conception des euh, si je... Attendez, attendez, c'est moi qui reprends la parole. Pardon. Ça coûtera combien d'aller faire du ski euh, à Europa City Eh bien, il y a des fourchettes de prix, euh, mais. Euh, ouais, D'abord, il y a les prix pour les habitants et les scolaires, parce qu'il y a un enjeu d'initiation. Et honnêtement, si en 2040, on a un champion olympique qui vient de Seine-Saint-Denis de ski, eh bien je pense qu'on aura réussi. Euh, Donc, vous n'avez pas répondu. Ça met combien coûte aller faire du ski au euh, Entre de euh, 15 et euh, 12 et 15, 16, 17 euros. Donc, voilà. Par personne Par personne. D'accord. Ouais. Du coup, pour les familles, le budget c'est plus ça mais que si, on a ça, ça c'est social... le prix euh, affiché. Après, je vous le dis, pour les habitants du territoire, ah, oui. pour les scolaires, il y a des prix beaucoup plus euh, intéressants, parce que c'est des équipements qui fonctionnent, qui ont un modèle d'ailleurs économique avec les jeunes et les scolaires principalement pour les faire euh, fonctionner le, euh, toute la semaine et pas uniquement les week-ends quand les touristes viennent. Ok, alors moi je voudrais venir à la question de l'emploi parce je que c'est quand peux même pas le cœur... À... Non mais sur... Je veux vraiment sur l'emploi, pardon, parce que sinon on ne va pas y arriver, le temps, le <laughs> temps passe euh, mine de rien. Parce que ça c'est quand, quand même le cœur du sujet. La raison sociale la plus importante mise en avant par euh, Europa City et Auchan, c'est quand même la création d'emplois dans un territoire où il y a besoin d'emplois, où il y a un sous-développement économique. Il faut rappeler qu'on est quand même, Triangle de Gonesse, juste en face de l'ancienne usine PSA d'Aulnay, qui est une friche industrielle aujourd'hui et qui a un échec économique, industriel et social pour tout ce territoire-là. Donc c'est une question en dur extrêmement importante. Alors Europa City, vous annoncez 4200 emplois pour le chantier, si je ne me trompe pas, et 12 000 emplois... À peu près en exploitation Ou alors c'est un peu baissé, 10 000 emplois en exploitation En fait, on avait fait nos en estimations gros. de besoins, c'est assez simple. Vous avez fait ça pas. ou pas Non, c'est un peu moins, c'est 10 000, parce que la Commission nationale du développement public a mandaté un expert indépendant, ouais, qui a estimé à 10 000, donc, donc on, nous on prend les expertises indépendantes. 10 000. Ok, mais vous êtes toujours sur les 4 000 à peu près Un peu moins, 3 002. – 3 002 pour par par le chantier. On est parti de 2006 sur le chantier Non, mais parce que c'est une vraie question. En gros, c'est la question est-ce que ce n'est pas une fausse promesse et, -ce que, et pourquoi est-ce qu'on pose la question Ce n'est pas juste pour vous faire un procès d'intention oui, euh, en tant qu'Europa City. C'est que si on regarde les autres chantiers qui existent aujourd'hui en France, bah, parmi les plus gros chantiers, il y a celui du réacteur EPR euh, de Flamanville, qui est un énorme chantier, plus de 10 milliards d'euros. Enfin, vous connaissez toute, euh, toute l'histoire. Bon, euh, l'EPR de Flamanville, c'est entre 4000 et 4500 emplois. Pour le chantier. C'est quand même un travail infiniment plus complexe que la construction d'un complexe euh, touristique et, euh, et commercial quand bien même il est super moderne. pardonnez moi vous donnez les chiffres. On arrive à vous croire là-dessus. Vous donnez les chiffres par an. Oui, c'est le ce n'est pas 4 000 en tout, c'est 4 000 par an. Oui. Et sur Europa City, ce n'est pas 3 200 en tout, c'est 3 200 par an. Oui, que vous mais savez, sauf que non. Dans les métiers de la construction, ce pas... oui, n'est pas les mêmes personnes qui font les réseaux. C'est comme ça qu'ils qui nous présentaient 12 mesures. Oui. Alors attendez, en juste en pour départ. expliquer, oui. après je vous laisse répondre mmh. à David Lebon. Mais juste, ça, c'est un calcul, en effet, que fait Europa City, mais qui est tout à fait contestable, dans la mesure où sur un chantier, comme vous le savez très bien, puisque vous connaissez bien vos dossiers, les, 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 euh, les tâches mmh. se succèdent. Oui. Elles ne s'accumulent pas. Donc il n'y a pas euh, tous les métiers qui sont en même temps, c'est les uns après les autres. Donc multiplier par le nombre d'années de chantier est faux tout simplement. C'est pas comme ça que fonctionne un chantier. En fait, on, Et fonctionne, vous le savez très bien. on, on fonctionne. Alors c'est les méthodes de calcul ouais. qui sont. Pourquoi est-ce que tous Les gens qui construisent des choses ont les mêmes méthodes. Enfin, tout le monde n'est pas un gros méchant Parce capitaliste qu qui va détruire des terres agricoles comme moi. Hein. Mais vous voyez bien qu'il y a, Il y a un des d'emploi. Euh, C'est exactement la même chose que pour la philharmonie de Paris. Et est pourquoi pour est-ce qu'on fait chantiers. ça C'est la, la façon dont on fonctionne sur les chantiers. On, on divise en fait ah. le montant d'investissement par un nombre de TP. Oui. C'est en fait des équivalents Dans temps en plein équivalent temps plein. Par an qui, avec le ratio, ça fait un ratio par an. Et donc, euh, c'est une méthode qui est celle de, de tous les bâtiments. Euh, mais ça ne se euh, multiplie le, pas sur trois ans. Non, hein, monsieur mais, le et Blanc. vous avez parfaitement raison, Monsieur Souben. La façon dont ça a été Souvent présenté à l'origine sur le projet, ouais. ça a été un total divisé par un nombre d'années. C'est pour ouais. ça qu'on ne le communique plus parce que c'était une erreur. Ouais. Et donc, il faut savoir reconnaître ces erreurs. Que une, une erreur. L amuse l amuse l amuse chante, et donc, maintenant, on est passé sur la méthode de calcul qui sont faites oui. par euh, tous les cabinets euh, qui font de, de la construction. Donc, c'est à peu près entre 3 000 et 3 200 euh, ETP par an sur la phase de chantier. Après, le vrai oui. sujet, pardonnez-moi, c'est très oui. important sur les phases de chantier parce que ces ETP, ils permettent une chose, c'est de calculer des volumes d'heures. Équivalent temps plein. Des, je, je des, des, ça, ces équivalents temps plein, ça permet de calculer des volumes d'heures pour faire ce qu'on appelle les clauses d'insertion, pour savoir quel, combien de personnes on va essayer d'aller chercher, celles qui sont oui. éloignées de l'emploi, pour euh, faire travailler sur le chantier. Et donc, donc, ça sera à peu près 7% de clauses d'insertion okay. qui vont être euh, sur le chantier. Juste pour comparer, Disneyland de Paris, je crois que c'est 15 000 salariés. Ça, vous vous dites 10 000 sur 80 hectares alors que Disneyland c'est 2230 hectares quand même. Enfin, ouais. Là aussi, est-ce que vous n'êtes pas quand même énormément dans la surestimation de ce que vous pourriez créer comme emploi Eh bien, on pouvait le considérer avant mmh. que la Commission nationale du débat public mandate un expert qui fasse les calculs. Et c'est très compliqué d'être dans la projection à 5-10 ans. C'est compliqué, mais on peut comparer quand même des sites. Il faut bien dire des choses. Et mmh. je vais vous dire très honnêtement, l'enjeu, ce n'est pas de faire des promesses au territoire. Mmh. Nous, on est une entreprise qui a besoin d'un modèle économique. La masse salariale dans une destination touristique, quand on a des métiers de service, c'est extrêmement important. Donc notre enjeu, c'est de calculer au plus près pour savoir combien on doit investir et qu'il y ait un modèle économique rentable. Et donc, c'est un statisticien de l'INSEE qui a fait ça de manière très simple. Et donc, c'est à la louche, c'est vrai que c'est un ordre de grandeur. Personne va vous dire, je vais signer de mon sang parce que ça serait faux et je mentirais. Et moi, je dis souvent aux, gens, aux habitants du territoire... Mais je, je, on n'est pas là pour faire des promesses, je ne promets rien, je ne promets pas que vous aurez cet emploi-là, ça dépendra de vous, ça dépendra de, des dispositifs de formation. Mais la méthode, elle est assez simple. Il y a, dans l'hôtellerie, il y a 2000 chambres d'hôtel. Dans l'hôtellerie, une chambre d'hôtel, il y a un ratio entre 1,3 et 1,4 emplois qui correspondent aux hôtels. Donc ça permet de faire un total hôtel. Dans le parc urbain, pour l'entretien, il y a un ratio qui est celui-ci, ça permet de faire un total. Dans le commerce, il y a un ratio, ça permet de faire un total. Dans le, le parc à thème... Qui est comme Disney, mais en intérieur. Ah, l'attraction, voilà, qu'on voit de nouveau à l'écran. Il y a un, il... voilà. là, y a un ratio, cas, ça, ça permet de faire tant. Et donc, le statisticien, il arrive au final à une enveloppe, à un ordre de grandeur, et je pense que c'est beaucoup plus juste de parler d'ordre de grandeur de 10 000 emplois pour arriver à faire fonctionner le site. D'accord. Alors, euh, Pierre-Yves vous êtes élu local. Vous, est-ce que c est, c est, c est, euh, ces perspectives de création d'emplois, est-ce que vous y croyez et est-ce que vous pensez que ça correspond à, euh, aux aspirations et à la formation euh, des jeunes que vous connaissez euh, du territoire de Gomes. – Si vous me permettez Gomes. Madame Lingard, je voudrais juste un mot oui. sur la piste de ski. Parce – en fait, Ah non, on ne va pas revenir mais, sur la piste de si, ski. – Si, parce que mm. c'est plus sérieux qu'on le pense. – un mot. Euh, – On est en, plein, mm. euh, en train de parler du plan pour les ah. banlieues. Moi en 2005, je passais mes nuits à aller empêcher que des gamins mettent le feu à des équipements publics à blanc -Ménil. Et donc, euh, pour les jeunes des quartiers qui ne peuvent pas aller au ski… La solution, d'après M. Lebon, ça serait de leur amener une fausse piste de ski. Et ben moi, je ne me résous pas à ça. Hein, C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas accès à quelque chose, moi, je me bats pour qu'ils aient accès à ça. Et, et non pas pour leur amener quelque chose d'artificiel et qui va leur, euh, un hochet qui va les contenter. Euh, en plus de ça, les 12 à 17 euros, on n'a jamais vu aucune piste de, de ski artificielle dans, dans ces prix-là. Là, on va créer de la frustration dans les quartiers. Et donc, euh, okay. cette solution-là est plus dangereuse. Euh, Qu'il qu n'y paraît. Hein. Donc, euh, je voulais juste dire ça. C'est entendu. Sur... Alors, sur les emplois, est-ce que ça correspond, vous pensez, ce type d'emploi aux aspirations, aux formations des jeunes du territoire que vous connaissez L'emploi euh, développé sur euh, un, une ZAC comme celle qui est prévue, avec 2700 chambres d'hôtel et, et Europa City, c'est environ 80 emplois la palette des emplois en France, c'est 10 000. Donc il faut voir que c'est très très... 80, restreint. donc pour expliquer euh, euh, fonction, quoi. 80, oui, 80 euh, fonction, en gros. Ouais. Hein, et puis surtout des, des fonctions euh, euh, bas de gamme. Et, et moi, ce n'est pas ça que je veux pour les jeunes du Val d'Oise ou les jeunes de la Seine-Saint-Denis. Nous, ce qu'on veut, c'est des, des métiers qui tirent vers le haut, des métiers qui ne soient pas délocalisables, des métiers qui ne soient pas euh, Kleenex. Hein, que si, si, si demain un centre commercial ferme, euh, c'est la crainte qu'on a sur Aéroville, c'est la crainte qu'on a sur euh, Domus, sur euh, le... Milieu on a plein d'exemples de, de centres commerciaux qui ne marchent pas. Donc en fait, on a des jeunes qui rentrent avec le bac qui sont euh, hôtesse de caisse euh, ou hôtes de caisse. Et puis euh, euh, dès que le centre commercial euh, restreint euh, sa marge, et eh ben on les met au chômage. Et eh ben ça c'est pas un modèle que nous on souhaite. Alors. Euh, les, le, ce qu'on préconise, c'est plutôt quelque chose de, de, de plus euh, d'ancré sur le long terme, d'ancré sur le territoire. Quelque chose pas délocalisable, pas, pas des gens qu'on va envoyer à l'autre bout de Paris ou au nouveau centre commercial qu'on va ouvrir. Qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple, Pierre-Yves sur, sur, euh, le, à la place, si ça, à, ça ne marche pas, dans nous, votre nous, avis, vous si n'y croyez pas, qu'est-ce que vous vous défendez comme création d'emplois On rappelle c'est quand même un investissement potentiellement de 3,1 milliards d'euros, c'est quand même énorme. Ouais. Euh, on ne va pas mettre en concurrence un projet comme Europa City avec un projet comme Karma. Alors, c est, c est quoi quoi ce n'est pas la même chose. Karma, quoi, ça projet, permet Karma de préserver des terres agricoles, comme le disait tout à l'heure M. Lebon. Je crois que c'est quelque chose de, de plus important. C'est un projet euh, alternatif, donc c est, c est développé un... par des gens j j j j du territoire. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un projet alternatif. C'est un projet pour le territoire. C'est un projet pour euh, des terres. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a des fouilles archéologiques sur le, le site. On a trouvé, euh, on sait que depuis 2500 ans, ces terres-là, elles nourrissent la population. On sait maintenant que si la capitale s'est installée à cet endroit-là, c'est certainement grâce à ces terres-là qui, depuis 2500 ans, c'est-à-dire avant les Gaulois, hein, depuis le néolithique, fournissent de, des céréales aux populations. Mais pas à quelques villages gaulois éparpillés. On a retrouvé, là, les, les, les archéologues de l'INRAP ont mis en évidence des, des conteneurs à grains, euh, avec des grains qui remontent à, à 2500 ans, et, et qui ont nourri des populations et des populations euh, importantes. Euh, sur, la, sur la plaine de France donc, et puis je vous rappelle le blé de Gonesse euh, le pain de Gonesse le pain de Gonesse, Gonesse c'était quelque chose ouais. d'important à Paris euh, donc notre idée c'est pas d'aller faire une concurrence à Europacity nous on laisse Europacity aller s'installer à Dubaï ou ailleurs euh, et, et, et puis, et puis c'est un challenge que le, le, le que, dont Bernard Lou le président euh, du CPTG, euh, collectif à, pour de du, du collectif pour les terres de Gonesse, pardon. Mmh. Euh, euh, Bernard Lou a dit, euh, mais pourquoi chance, il irait pas s'implanter sur une friche commerciale ou une friche industrielle Ça serait le, le challenge pour réparer une friche commerciale, réparer et, et, et de dire, eh ben nous, on, on va offrir quelque chose à des populations dans un endroit défavorisé. Oui, là ici, c'est complètement différent. Pas un endroit euh, ce, défavorisé. Ce, ce, ce don ce don Gonesse sérieux. C'est pas un endroit défavorisé Non, si vous demandez. Quand on a 30% de chômage, c'est pas un endroit défavorisé Si, si Quand, vous demandez. Excusez-moi. Eh ben, je vais vous expliquer c est, c est, c est pourquoi c'est pas un, dé, un endroit enfin, d, défavorisé. Allez-y, Pierre-Exouvel, et, si, et après, David donc vous avez la parole. Si, jamais, si jamais on s'adresse à un, un ingénieur agronome, il vous dira que c'est pas un endroit défavorisé, c'est un endroit très riche. Là, okay, vous parlez de la richesse pour qu'on vous comprenne bien. Vous parlez bien de la sûr. richesse de la terre, c'est une terre limoneuse, une terre argileuse, qui est très fertile. Et le problème de Gonesse et de quelques villes aux alentours, c'est que c'est des villes qui sont peuplés avec une population très défavorisée, parce qu'en fait, on a beaucoup de nuisances. Et nous, ce qu'on propose avec le projet Karma, c'est de, justement de supprimer ces nuisances, de les minimiser, ces nuisances, et de faire apparaître... Une, une, un mode de vie beaucoup plus pérenne, donner envie à des familles de venir s'installer ici. Imaginez si demain, dans les écoles de Gonesse, on sert de la nourriture bio, 100% de nourriture bio, et si les, 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 les circuits courts sont développés sur le Val d'Oise ou sur la Seine-Saint-Denis, on donnera envie à des populations de venir s'installer là. Pour le moment, les populations, elles viennent dans une grande précarité. Et dès que leur situation familiale s'améliore, leur seul souci, c'est de pouvoir partir parce qu'il y a trop de nuisances. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas un projet alternatif à Europa City. Mm -hmm. Nous, ce qu'on propose, c'est que quand on regarde le Triangle de Gonesse, les, les aménageurs comme Imochan disent il bah, n'y a rien à cet endroit-là. Bah, nous, on dit ici, à cet endroit-là, il y a des millions et des millions d'êtres vivants. Euh, on parle de biodiversité, non. on parle de. Euh, et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est de rebrancher. Pourquoi les populations défavorisées de Gonesse, de Blanc-Mesnil ou d'ailleurs, pourquoi elles n'auraient pas le droit à manger de la nourriture saine et bio à la cantine C'est ça qui nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on veut re rendre de la richesse à ce territoire. D'accord. Donc, du coup, juste pour, pour que tout le tout, tout monde fiche bien la conversation, euh, le projet Karma, c'est un projet qui est porté par toute une série d'acteurs du territoire, de développement d'activités sur ce triangle, qui seraient des activités agricoles, des activités en partie maraîchères, en partie céréalières, des activités aussi de formation, des activités de, de distribution. De nourriture et vers tout, la restauration collective, et, et de recyclage les, de déchets. Enfin, il y a, y a et quelque et chose. Toutes de les ressources induites. Hein, je parle, je ouais. pense à la méthanisation, je pense au compostage, euh, les, les industries de transformation de, de, des produits, mais aussi, euh, ça, ça peut aller jusqu'à euh, la restauration de qualité, euh, qui, qui est un, un élément important de, de, du tourisme et de la capitale. Okay. Euh, donc actuellement là sur le triangle on, parce que quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage actuellement on dit l'agriculture qui se fait sur le, le triangle de Gonesse n'est pas satisfaisante. moi je voudrais rendre hommage aux agriculteurs qui sont là ça fait 40 ans depuis que Roissy est, est, est construit qu'on leur dit de toute façon il faudra partir et donc ça fait 40 ans qu'ils qu sont dans la précarité si jamais demain on leur dit on sanctuarise cet endroit là les agriculteurs là ils pourront se lancer dans, dans le karma et moi je souhaite que ça soit des agriculteurs gonétiens, hein, des jeunes comme Robin Play euh, qui a même pas 24 ans pas de précarité. qui est de Robin Play enfin, excusez-moi, Alors... les gens qui payent l'ISF non, excusez-moi, excusez-moi. Je les agriculteurs, agriculteurs du voilà, de Voilà comment on dénigre les agriculteurs. Mais non, je dénigre pas et les et agriculteurs. Ces, ces agriculteurs, temps, il faut leur laisser un horizon pour qu'ils puissent cultiver et rentrer dans un projet comme Karma. Karma, c'est un principe d'aménagement agricole avec une agriculture basée sur l'agroforesterie, une agriculture du 21e siècle. Ok, Merci Jean-Yves Souben. Vous dire, on a un peu plus de temps que, que ce qu'on avait au départ, donc c'est pour ça vous, vous inquiétez pas David Lebon, non, vous allez avoir très euh, la parole. Quand même, quand on entend la description que Jean-Yves Soubain vient de faire de, de ce projet Karma, est-ce que ça, c'est ce, ce que vous venez de faire du projet Karma, c'était très intéressant bah c'est quand même lui qui en parle depuis, depuis tout à l'heure. Mais, mais est-ce euh... que c'est pas ça Est-ce que ça, c'est pas un mode de développement plus moderne que le mode de développement que vous, vous, vous décrivez à travers le projet Europa City. Alors, je vais vous expliquer une chose, pardonnez-moi, juste pour que tout le monde comprenne pourquoi est-ce qu'on parle de cette terres du Triangle de Gonesse. Oui. parce que les élus de la région Ile-de-France, et on critique assez les élus dans ce pays, qui n'ont pas de vision, qui sont tous des corrompus, et, genre, et il y a des vrais sujets, Mediapart en soulève, et c'est très important en démocratie. Les élus de la région île de france il y a plus de 15 ans, ont dit l'intérêt général, il se construit de plusieurs manières. On a besoin de logements en île de france on a besoin d'emplois en Ile-de-France, on a besoin de préserver les terres agricoles en Ile-de-France. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement de la région de France, le SDRIF, schéma directeur de la région de France, qui, dit, qui, qui est vraiment une, une logique d'intervention publique qui est très forte. Parce qu'elle dit, cette logique d'intervention, aux développeurs économiques comme nous, vous allez arrêter de consommer de la terre agricole là où elle est la moins chère. Et là où elle est la moins chère, c'est la plus éloignée des villes. Et donc, pour faire vos projets... Vous allez arrêter de grignoter, parce que ce qui consomme de la terre agricole, c'est deux phénomènes. L'étalement de la zone dense, par la pression principalement euh, du logement, et le grignotage assez loin, dans les centres-bourgs qui font de la zone pavillonnaire, la France des propriétaires. Ouais. France des propriétaires, ça a des vraies conséquences en termes d'aménagement du territoire et de consommation de terre agricole. Et euh, le, euh, les activités économiques, parce que le foncier n'y est pas cher. Elle dit aux gens comme nous, vous avez les moyens, vous avez un projet. Vous allez arrêter de grignoter de la terre agricole, vous allez venir à proximité de la zone dense urbaine dans ce triangle de Gonesse. Logique d'intervention publique extrêmement forte. Pourquoi pas sur la friche PSA qui est en déshérence justement Parce que le sujet pour Gonesse et pour l'est du Val-d'Oise, c'est d'avoir un métro pour désenclaver ce territoire. Promesse. Alors mettez-le à gonner. Excusez-moi, moi je sais qu'on a le dollar, large, on va faire l'accord climat, tuer les bébés phoques, tout. Mais vous, Europacity, on vous 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 dites on vous accuse injustement de tout. moi j'ai le dollar, j'ai aucun problème, mais c'est pas moi qui décide du des tracés du métro. Donc vous dites vous renvoyez à la puissance publique. Non je renvoie pas. C'est quand même une responsabilité, mais c'est vrai historiquement c'est une responsabilité de la puissance publique d'artificialiser, d'aménager. C'est une responsabilité collective et je vais répondre précisément à votre question parce que c'est d'un dialogue entre la puissance publique et le privé. Ouais. Parce que c'est vrai, M. Souben aussi a raison, s'il n'y avait pas eu le projet pourquoi Europa City, mais euh, j'ai aussi raison sur plein de sujets, M. Souben, je vous rassure, euh, euh, s'il n'y avait pas eu euh, Europa City qui était là assez tôt dans le schéma du Grand Paris, mmh. eh bien la puissance publique n'aurait pas eu les moyens de, faire cette de, de, de tenir cette promesse de la gare dans le triangle pourquoi de Gomes. On va expliquer pourquoi. Mais parce que, parce dans que vous une... Payez, en fait. Mais bien sûr, vous dans une en partie. Europa City sûr. va en partie payer la gare du triangle la, la de Gomes enfin, en vertu de cet accord. Non, que vous n'avez jamais voulu complètement oui, qui clarifier, public, mais... qui n'est pas public, mais dont on a su, je me... juste pour informer nos, nos, oui. nos spectateurs, qu'a priori, euh, Europa City se serait engagé à payer 270 millions d'euros pour les 80 hectares et les services afférents de ce triangle. Dans, une exact... donc, dans les 270 millions d'euros, il oui. y aurait une partie. Qui servirait à financer la gare du triangle de Gonesse. C'est bien ça dont on parle. Et en fait, dans une ZAC. Et on est sur le, sur le média, on est à Mediapart, donc c'est pas un PPP, mais un PPP. Enfin, ça n'empêche pas dans, un, dans une République d'avoir des dialogues entre des gens qui sont des privés, des gens qui sont le représentant de l'intérêt général. Une ZAC, c'est assez sain, c'est de dire, nous, puissance publique, on a une volonté d'aménagement. On va vendre plus cher. Que ce que coûtent les terrains, parce que 270 millions d'euros, je ne confirme pas le prix, mais c'est les chiffres qui sont sortis dans la presse. Pour 80 hectares, ça fait assez cher l'hectare de terre agricole. C'est 40 fois plus, par exemple, que de ce que, que ce que toucheraient les propriétaires agricoles actuels par l'État pour céder leurs terres. Parce et que vous touchez, vous touchez du doigt euh, le vrai sujet. 500 Alors, fois plus, je crois, j'avais calculé, pour les fermiers. Ouais. 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 Parce que nous, on ne va pas acheter ouais. des terrains agricoles. Si on achetait des terrains agricoles, on ouais. paierait beaucoup moins cher. Ouais. Mais la puissance publique, elle dit, moi, j'ai une opération ouais. d'aménagement, je n'ai pas les moyens de la faire par mon, les données publics par les impôts, donc je fais payer par le privé ouais. mes ouais. équipements publics. Donc et donc, tous les, preneurs, et... tous les preneurs de la ZAC, et donc, nous, on prend 80 hectares, et ben, tous les preneurs de la ZAC, ils payent une charge foncière Aménagé. C'est comme quand vous achetez un pavillon dans un lotissement, vous payez pas que le terrain, vous payez les réseaux, vous payez de ça. Et donc là, dans cette ZAC, il y a une gare. Donc il faut payer cette gare. Et c'est bien le privé qui permet à la puissance publique d'avoir les moyens de tenir sa promesse qu'elle a faite à un territoire défavorisé. Donc et, et, en il fait, n'y a, a rien de scandaleux là-dedans, et le contraire c'est une participation mais ce n'est pas le prix de la gare. La, la, ligne, la ligne du métro les équipements euh, euh, autoroutiers les accès etc c'est beaucoup plus que cette somme là et ce sera l'impôt qui va le payer mais, non, mais je voudrais justement une, une, combien, combien une vous une zone d'aménagement concertée ouais. ne peut pas être équilibrée par un budget général une collectivité une ZAC est équilibrée en opération c'est à dire il y a des plus des moins. Les moins, c'est les infrastructures. Les plus, c'est ce que prennent les preneurs privés qui achètent des terrains. C'est comme ça. Ce n'est pas de l'impôt. Combien vous allez payer le mètre bien, carré Il bah, euh, y a des chiffres qui ont été donnés, mais je suis pas là pour les 000, Si c'est 270 millions d'euros, alors j'avais calculé, et donc 337 euros le mètre carré 80 hectares, ça ferait à peu, peu, à peu près moment, cet équivalent-là. Voilà. Équivalent alors, alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une opération, enfin, tout, toute cette opération euh, de ZAC, mais surtout euh, Europa City, c'est une opération de, de, de spéculation foncière. Le, au départ, on part de 5 euros le mètre carré agricole, 1 oui. euro de plus pour les exploitants. Et puis ensuite, on, vous dites 337 euros le mètre carré, ça, c'est une fois que l'impôt... A mis des égouts, des accès autoroutiers, des routes, euh, toute une infrastructure que, que nous, on va payer avec l'impôt. Mais non à, à, à partir de ce moment-là, ils l'achètent 337 euros le mètre carré. Et ensuite, ils le revendent entre 3500 euros le mètre carré et 5500 euros le mètre carré. Commercial, c'est à peu près ce qu'on peut estimer en fonction de si on est près de la piste de, de, de ski ou, ou loin, euh, située sur le, sur le triangle. Donc, en fait, demandez à votre, à votre conseiller financier euh, quelque chose qui fait x10. Hein, – Un investissement les, les, qui, rem, qui rapporterait autant, c'est ça ?– Les, 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 les petits contribuables euh, euh, français, actuellement, ils se battent avec le livret A, ils sont à, je ne sais pas combien, 0,25. Là, c'est un rapport qui dit au moins x10 c'est de 337 vrai, ça à 350. Excusez-moi, ça serait vrai si on était dans une opération de promotion immobilière où nous revendions ce que nous avons construit. Alors expliquez le modèle économique d'Europe Active. Parce que c'est quand oui, même très intéressant. Parce que, parce que vous restez propriétaire, vous dans bien idée. sûr l'accord que nous avons avec l'État, c'est l'opérateur. Excusez-moi, ouais. parce que la valeur ouais. de demain, elle est dans le la fait de gérer ce genre de lieu. Elle n'est pas le fait dans le, de faire. On pourrait, il y a des gens qui font uniquement la promotion immobilière. Ils achètent, ils construisent, ils revendent. Là, ce n'est pas le cas. On va être l'opérateur du site dans son ensemble, parfois l'opérateur aussi d'un certain nombre d'équipements, d'hôtels, du parc Athènes, dans des, avec des partenaires qui ont des savoir-faire. Mais on n'est pas dans une opération de spéculation immobilière. Pourquoi non, mais vous allez Attends, non, mais le finir, Pourquoi, vous plaît, de... Pourquoi Parce que pour les gens qui construisent des lieux physiques, oui. dans un monde où le digital prend de plus en plus de place, la valeur, elle n'est pas dans de faire l'opération immobilière. La valeur est dans de créer un modèle économique qui fonctionne alors que la digitalisation des échanges fait que le lieu physique aura de moins en moins sa place. Et soit pour un groupe comme le nôtre, il va disparaître, disparaître, et ni plus ni moins. Le groupe Auchan. Le groupe Auchan disparaîtra s'il ne pense pas son monde de demain. Et l'enjeu, c'est de rendre des lieux physiques attractifs dans un monde digital en même temps en même temps, vous avez longtemps décrypté cette formulation, il y a M. <laughs> à côté de moi, donc je ne sais même pas le regarder, mais euh, euh, il rigole, euh, il le, rigole. Le, en même temps, c'est une vraie intuition politique, mais c'est aussi une vraie... Euh, euh Compréhension. Question, non, non mais aussi, alors, oui. moi je, je, je fais pas de politique, mais oui. c'est une vraie compréhension de ce que provoque la société digitale. En quelques instants, sur votre téléphone aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens qui nous regardent en live, il y a des, en même temps, je suis sûr qu'ils euh, regardent autre chose, qu'ils achètent des machins et qu'ils discutent avec leurs copains en train d'expliquer ce qu'ils font. Et ça, c'est le en même temps. Et le monde physique, s'il veut être attractif pour le, par rapport à ce monde digital demain, eh bien, il faut être en capacité de proposer la diversité et surtout la fluidité, la capacité d'alterner très rapidement. Et le concept de eh bien, c'est ça, c'est différentes activités qui permettent de remplir la fluidité qui sera attendue, qui sera consubstantielle. Parce que la question qu'on se pose, nous, oui. c'est qu'est-ce qui va donner envie à quelqu'un dans 10, 15, 20, 30 ans de sortir de chez lui, de lever les yeux de son écran, oui. de son implant, euh, de ses lunettes connectées, mais aussi de, 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 de toutes les questions sur le transhumanisme qui vont arriver. Et si le monde physique n'est pas en capacité de tirer, de comprendre ce qui fait l'attractivité du monde digital, eh bien, je peux vous assurer que la vraie question, le débat qu'on aura, c'est comment est-ce qu'on va faire société demain Et donc, l'enjeu, c'est pour répondre à votre question ouais. de tout à l'heure, ouais. c'est de, de, de ne pas opposer les mondes, les uns et les autres. On a été pendant des années incapables de faire et de la ville et de préserver l'environnement. On va faire et de la ville et préserver l'environnement. On a été incapables de faire des lieux de commerce ou des lieux physiques qui étaient en capacité de, des vrais lieux de sociabilisation. Eh bien, on va essayer de faire les deux. L'enjeu, c'est d'arrêter d'opposer... Euh, ce D'accord, bon, c'est formidable. Tout, 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 tout s'harmoniserait euh, à vous entendre. Moi, j'aimerais bien comprendre, quand même, ce que pour l'instant EuropaCity City n'a jamais vraiment complètement expliqué c'est quoi le modèle économique Puisque vous restez propriétaire, donc vous louez à des opérateurs. Donc les recettes de City, c'est quoi C'est uniquement les loyers qui seraient payés par euh, les enseignes qui mmh. vous loueraient euh, des espaces Est-ce que c'est aussi vous qui, en tant qu'Europa City, en tant qu'Auchamp, qui exploiterait ces euh, différentes activités. Est-ce que c'est euh, le prix d'entrée à Europa City C'est quoi le modèle économique Parce que pour lever 3,1 milliards d'euros, on doit quand même avoir un modèle économique un peu sérieux. Alors je vais vous dire, mmh. le modèle économique d'Europa City, c'est celui de Mediapart. Ni plus ni moins. Alors c'est-à-dire. Ah oui, ça fait. <laughs> ça, c'est un coup bas. Ça, c'est un coup bas. monsieur plénel, plénel <laughs> qui va arriver dans la discussion. Mais euh, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Que... Nous, on ne fait pas de piste de ski euh, non, sur l'état d'agricole, hein, je le rappelle. Mais vous on, on, mais vous, vous ça faites de la transition Excusez indépendante. Excusez-moi, mais vous faites du contenu. Vous êtes un mmh. média. Et donc, l'enjeu, c'est de produire du contenu, du média, pour faire venir des gens. Et c'est ce flux. Qui a de la valeur. Donc, c'est quoi a de, la les valeur. Gens il a de la ville de Le excusez-moi. Il... Les gens, oui. ils arrivent, ils payent pour entrer à Europe Non, C'est un quartier de ville, c'est un vrai quartier de ville, gratuit. il n'y a pas de barrière. C'est euh, pas fait. un quartier de ville, il n'y a ah. pas d'habitation. Mais alors, la ville, il n'y a, a pas que des endroits dans une ville où il y a un cimetière fait partie d'une ville, il n'y a pas ah. beaucoup d'habitations. Euh, c'est donc, donc le... gratuit, il y a des gratuit. activités payantes. Il y a des activités payantes, il y a des activités gratuites. L'enjeu, c'est de créer un média assez puissant pour faire venir des gens, pour commercialiser ce flux, pour lui donner de la valeur, pour que les marques qui viennent, et non pas les enseignes. Parce qu'un centre commercial, c'est quoi C'est toujours les mêmes enseignes. Vous savez que dans le monde, il y a mille fois plus de marques qu'il y a cinq ans. Mille fois plus. Le sujet, c'est que vous, si vous avez des applications de vente privée ou de je ne sais quoi sur votre téléphone, ouais, non, les pas trois pas quarts pas des marques qu'il y a là-dessus, vous ne les connaissez même pas. Et donc, l'enjeu, c'est pour des marques qui sont nées dans le monde digital, quelle relation client elles doivent avoir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est relocaliser de la production sur site parce que les centres commerciaux ils sont des lieux de distribution demain la demande eh bien c'est de pouvoir vous voyez vos chaussures elles ont, elles sont particulières elles ont elles sont les vôtres parce oui. que vous avez choisi les, eh bien, aussi. les miennes aussi exactement et demain eh bien l'enjeu c'est pour ces marques d'individualiser les produits et donc de travailler à la transformation et de relocaliser une partie de cette production c'est d'ailleurs pour ça que on a un partenariat sept ans avant l'ouverture avec les chambres des métiers et de l'artisanat ce qu'on va faire c'est faire venir cette intelligence de la main ces artisans pour transformer ces différents produits. Et donc, on n'est pas sur un modèle de centre commercial tel qu'on veut bien le décrire. Donc ça, ça attire 30 millions de personnes. Et après, qui viennent de se en faire fait, fabriquer leurs t-shirts, leurs personnalités. Vous avez raison, je n'ai pas répondu mm. à votre question. Ce qui fait l'attractivité, mm. c'est ce monde des possibles. C'est-à-dire, dans un même endroit, je peux aller passer ma journée dans un musée, et un musée qui ne soit pas euh, un sous-musée, un musée de la qualité de ce qu'il y a dans Paris intramuros. Je peux passer ma journée, une deux heures dans le musée, me balader dans le parc, faire un pique-nique, parce qu'il y a un parc urbain de 10 hectares, aller au parc Athènes boire un coup, aller au restaurant le soir, aller à un concert. Et donc c'est l'hybridation, c'est-à-dire le fait de pouvoir mélanger ces différentes activités qui fait l'attractivité. C'est-à-dire que l'autre problème à nous en termes de concept, et on l'a pas réglé. Et je serais intéressé d'avoir des échanges avec les uns et les autres pour le régler. Mais c'est comment est-ce que euh, mis bout à bout tous les trucs qu'on développe, ils existent. Ok. C'est le mélange de tout ça qui n'existe nulle part okay. ailleurs. Une dernière question un peu économique. C'est vrai que vous avez sollicité la caisse de dépôt et consignation pour prendre une part du de capital d'Europa City. Euh, non, c'est vrai que nous avons des discussions avec l'État qui veut savoir ce qu'on fait et, et, et vous savez, sur les engagements environnementaux ils sont extrêmement importants, ils font des gens pour les contrôler, contrôler c'est-à-dire que ce qu'on dit sur les engagements environnementaux on a dit notamment sur le parc des neiges dont on parle beaucoup qu'on ne le ferait pas si son bilan environnemental était négatif. Vous nous avez dit eh tout à l'heure que vous étiez plutôt pour le faire. Moi je suis pour le faire, bien sûr ouais. je, moi, je, moi je suis pour le faire. Et c'est personnel vous voulez dire oui, bien sûr, et, mais si ça n'a si pas de sens environnemental et durabilité Excusez-moi, quand on met 3 milliards d'euros sur la table, on ne le rentabilise pas en deux ans, hein, mais en beaucoup de temps Combien de temps la rentabilisation je pas dire de Ça pas le modèle City. économique. Mm. Mais en beaucoup plus longtemps qu'un projet je classique. ne voulez pas donner, le modèle économique. Bah, mm. Sinon, il y a des questions de secret industriel et commercial, mm. vous savez, c'est comme ça. Mais on va le rentabiliser en très longtemps. Et donc, si dans 15 ou 20 ans. 20 ans, 30 ans, c'est si plusieurs dans 15 décennies. ou 20 ans, et on a un acteur de long terme sur le territoire. On a fait quelque chose qui est une gabegie environnementale, mais les gens ne vont pas y venir, ils vont s'en détourner, ça n'a aucun sens. Et donc, on a des engagements environnementaux très forts. Et donc, il faut que l'État puisse aussi contrôler ces engagements environnementaux. Il a deux outils, l'aménageur public, qui nous fixe des prescriptions très fortes en termes d'eau usée, en termes d'énergie, en termes de production sur place, en termes d'accessibilité en transport et tout ça. Et il y a un autre levier, c'est l'État actionnaire. L'État actionnaire, il rentre dans des entreprises pour vérifier que les entreprises ne font pas oui. n'importe quoi. Oui, et donc, l'État les... n'est pas actionnaire. Non, mais la société Alliage et Territoires, qui est une, une entreprise spécifique uniquement sur ce projet, l'État, je vous dis mon sentiment personnel, oui. c'est qu'il aurait toute sa place à l'intérieur, pas pour avoir, pas pour financer. Il n'y a pas besoin de financement. Il y a des investisseurs solides pour financer Europa City, mais pour que la puissance publique, l'État actionnaire, sache véritablement ce qui s'y passe, qu'elle soit au conseil d'administration, et que les engagements que nous prenons, nous les prenons aussi sous le contrôle de l'État. – Alors on, arrive au, on va arriver au terme de, de, de l'émission. Juste... – Oui, les investisseurs si... solides chinois, je... leur partenaire, Vanda, je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours aussi solides. Juste, on ne peut pas dire que les engagements environnementaux soit pris et proposer un, un modèle climaticide qui fait sortir des engagements de la COP21 et en même temps dire qu'on va, va sauver le climat. On peut, ne on peut pas faire les deux, M. Lebon, c'est l'un ou l'autre. Oui, mais moi, moi, en même temps... j'ai quand même... Pardon, euh, David Lebon, une avant-dernière question euh, euh, pour avancer dans, dans, dans cette discussion. C'est imaginons, dans 30 ans, Europa City fait faillite. Imaginons. Qu'est-ce qui se passera c'est Qu'est-ce qui restera de cet endroit qui deviendrait une friche, et alors que les habitants du territoire, eux, ils seront toujours là. Est -ce que, comment est-ce que vous envisagez ce risque de, de. qui est quand même un risque réel au regard de tous les chiffres qu'a donné Pierre-Yves Souben tout à l'heure, ce risque de faillite d'Europa City On aura bétonné pour rien et on restera avec euh, cet étrange objet euh, du début du XXIe siècle. Il euh, y a des échecs. L'échec, il est toujours à envisager, c'est normal. Mais. En fait, c'est un morceau de ville, même si on ne peut pas construire de logements à l'intérieur du triangle de Gonesse, c'est un morceau de ville. La ville va aussi se reconstruire sur elle-même, et d'ailleurs, toutes les problématiques aujourd'hui des friches, on ne se dit pas, ben mince, on peut rien y faire, d'ailleurs, M. Soubain nous propose d'aller sur des friches. Nous n'avons pas proposé ça. L le nous saisissez dire, le challenge. Non, mais, c mais ça. nous, nous excusez-moi, ce n'est pas le challenge. Saisissez le challenge, ça veut dire abandonner l'est du Val d'Oise. On s'est engagé avec ses habitants. Mais non, y du de non les dans abandons, du mais il y a la friche. Si dans l'ouest de la seine saint si il y a, pas, y a de la friche. On si on ne vient pas, il n'y aura pas ce métro qui est attendu par ses habitants. Et donc, il faut que venir. On a pris cet engagement. Faites-le ailleurs que sur des terres. On Non, mais c'est pas, excusez-moi, je termine juste. Et donc, sur les friches. Elles vont se reconvertir. Ces bourses de ville, ils vont se reconvertir. Après, on a nous nos propres euh, amortisseurs et l'enjeu de la diversité programmatique, c'est de Attends. faire. Des, nous, on fait des volumes capables pour faire des choses. Mais des volumes capables pour faire des choses en 2024, ce n'est pas la même chose qu'en 2030, qu'en 2040, qu'en 2050. Et okay. donc, le travail de nos ingénieurs et de nos architectes aujourd'hui, c'est de faire des objets qui doivent se reconstruire sur eux-mêmes dans le temps, et donc que cette ville, elle se renouvelle au fur et à mesure du temps. Alors, de toute Alors, façon, un mini bah, la piste, de conclusion, j'arrive la, la Elle se reconstruit comment ah, hein bah, La piste, c'est une boîte, euh, on démonte, on enlève les frigos, et on fait autre chose dedans. Et la terre qui est en dessous, est, elle est définitivement. Euh, elle, sera comme, comme elle sera, sera détruite. La, 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 partie, sera détruite. La, la partie la plus fertile elle de terre, -de -France, elle est sous nos pieds. Hein, okay. Elle est au bord de Seine. Et donc, excusez-moi, mais, là, non, mais alors, personne ne se dit aujourd'hui que c'est le bon. le bon. Vous ne pouvez pas dire bon, qu'elles ne sont pas fertiles, non, ces terres-là. Je veux on juste va vous, terminer, vous dire une chose. on va terminer ouais. là, messieurs. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Puisque vous l'avez sollicité, Edoui Plénel. Je ne vais, vais pas. Non, non comme, euh, comme M. Lebon a fait plusieurs, plusieurs appels du pied sur le modèle de Mediapart, je suis ravi que, que, que vous ayez retenu cette idée de la création de valeur, hein je suis d'accord. Mais n'oubliez jamais que dans la création de valeur de Mediapart, il y a deux pieds. Il y a ce qu'on fait, nous, le journalisme, et il y a le club, média participatif. Un projet d'une telle ampleur, il faut que vous le fassiez dans le dialogue et dans la concertation, et que vous le fassiez y compris avec la participation, qu'il qu aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas, puisque, ou qu'il s'amende. Mais nous, je, on oublie ça. On pense que simplement faire du bon journaliste suffit à faire un journal qui marche. Non, c'est un journal qui est pas au. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans ces lives, qui est pas, et je vous remercie d'avoir joué le jeu, qui n'est pas au-dessus de son public, qui, qui, qui accepte cette confrontation, cette discussion. Et je dis ça parce que vous avez parlé du en même temps et de ce qui se passe depuis un an. Vous avez vu comment ça s'est perdu la concertation en un an. Vous avez vu comment on est arrivé à l'autoritarisme, la verticalité, etc. Et nous, on était sans préjugés hein, puisque il est venu ici. Hein. Et donc voilà. Enfin, en vous écoutant, j'avais envie de vous dire ça, mais par ailleurs, moi, je suis ravi que si Mediapart peut grâce à Jade, permettent que Avec ce, plaisir. Ce, ces conversations, parce que c'est un projet immense, ça concerne beaucoup de populations, ça concerne toutes sortes de secteurs, et, et, et c'est au cœur de comment on peut arriver à, à se faire plaisir sans casser la baraque, je veux dire le tout vivant du monde. <laughs> – Moi, moi j'avais euh, une, autre, une autre dimension qui n'est pas seulement les populations locales, j'ai parlé tout à l'heure de 2500 ans, des, des populations qui se sont nourries avec ces terres de 2500. Oui. Qui a le droit de dire, bah là, maintenant, on arrête Là, on tue qui ces terres. – Qui a le droit de laisser les gens dans la paupérisation et la misère ?– Il faut, faut qu'on arrête, ben, certainement pas. il faut arrête. Moi, moi, je, bon, je suis élu bon, bon, de la Saint Sainte-Saint-Denis. On 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 en tout cas, merci d'avoir mmh. réussi ce à quoi sert Mediapart et que ceux qui nous écoutent n'oublient pas, il faut s'abonner. – Merci à vous, merci beaucoup. – C'est ça le modèle économique. Bonsoir à tous, Mediapart Live continue. Désengagement des, des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, frappe israélienne contre les positions iraniennes en Syrie et des dizaines de Palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. Plus que jamais, le Moyen-Orient est en proie aux rivalités entre États, aux répressions contre les peuples et rien n'est arrangé par les choix erratiques de la diplomatie de Donald Trump. Pour prendre le temps de comprendre et d'en parler ce soir sur Mediapart, nous recevons quatre invités. Pour commencer, Manaz Sharif Shirali, pardon, Manaz Shirali, vous êtes politologue, vous êtes enseignante et vous êtes auteur de La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran. Nous recevons aussi Leïla Sera, vous êtes chercheuse en sciences politiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien et en particulier du Hamas. Et puis nous recevons aussi Pierre Conessa, Vous êtes ancien haut fonctionnaire à la Défense et aujourd'hui vous écrivez des ouvrages dont l'un s'appelle Docteur Saoud et Mister Jihad. C'est un essai sur la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Et puis nous recevons Delphine O. Vous êtes députée, députée de la République en marche. Vous êtes présidente du groupe d'amitié France Iran et cofondatrice du site Lettre Persane. Euh, je me tourne vers vous, Delphine O, en, en premier, euh, parce que vous avez fait partie de ceux qui ont euh, lancé l'alerte très tôt sur le risque qui pesait sur ce fameux accord nucléaire euh, entre l'Iran euh, et euh, les puissances euh, occidentales. Euh, ça va même un peu plus loin, puisque cet accord de Vienne, qui avait été signé en juillet 2015, il était signé entre l'Iran, euh, les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc avec la Russie et la Chine, et puis endossé par l'Union européenne aussi. Et Trump. Euh, vient de piétiner euh, cet accord en dépit de, de tous les efforts euh, qui avaient été faits. Euh, la première question, c'est pourquoi les Européens et la France ont échoué à faire renoncer Trump à cette décision Qu'est-ce qui n'a pas marché alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'était une promesse de campagne de celui qui était à l'époque le candidat Trump. Il l'avait dit très clairement. Et s'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Donald Trump, euh, en tout cas, il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est de ne pas être fidèle à ses promesses de campagne. Ouais, donc il, ça, c'est la première chose. Il contenter sa base électorale. Effectivement, donc problème. il y avait vraiment un engagement électoral. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il voulait déchirer cet accord, qui selon lui était le plus mauvais accord jamais conclu. Donc ça, on pouvait s'y attendre. Maintenant, je pense que c'était important euh, d'avoir euh, ces efforts euh, diplomatiques, d'avoir ce vraiment cet engagement diplomatique, comme l'a eu le président Macron en allant aux États-Unis, en rencontrant le président Trump, pour essayer de le convaincre. Je pense que si on n'avait rien fait et qu'on était resté inactif en France, on nous l'aurait clairement reproché. Maintenant, le président Macron, quand il est parti des États-Unis, l'avait dit dans un aparté avec des journalistes, il avait dit, je pense en effet que je n'ai pas réussi à le convaincre, nous avons parlé de beaucoup de sujets, il avait proposé un accord plus large, vous vous en rappelez, avec quatre piliers, dont le premier pilier est le JCPOA, donc l'accord nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, et avec un deuxième un troisième et un quatrième pilier qui sont les sujets qui inquiètent les Américains, mais qui nous inquiètent nous aussi, Européens, oui, et sur lesquels... Les il y avait le nucléaire civil... Alors avait... Non, le, le deuxième pilier, euh, c'est en fait euh, l'accord la, nucléaire, mais après 2025. Donc Aujourd'hui, mmh. l'accord nucléaire s'arrête à 2025, et donc c'était comment est-ce qu'on continue à mettre des checks and balances sur la, le programme nucléaire militaire euh, iranien après 2025. Les checks euh, le tr... and balances, c'est des processus de vérification Voilà, c'est ça, des processus de vérification, et faire en sorte que l'Iran n'accepte pas la bombe. Ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'était la question... Euh, du, du balistique, donc euh, des essais balistiques, des missiles balistiques euh, iraniens. Et le quatrième pilier, c'était les activités régionales de l'Iran, donc en Syrie, au, au Liban, Syrie. Euh, etc., au Yémen, euh, etc. Donc, ça, c'est un, un paquet dont on avait parlé avec le président Trump. Maintenant, il a pris sa décision. Il faut dire que c'est une décision souveraine des États-Unis qui se retire de l'accord. Malgré tout, c'était quand même un accord international qui n'a pas été, euh, comme le soutiennent certains républicains, signé par le président Obama. Il a été signé par euh, les P5 plus 1, donc les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne plus l'Iran. Il a été avalisé par le Conseil de sécurité et aujourd'hui, notre position, c'est de dire les États-Unis sont souverains, nous regrettons leur décision, mais c'est une décision souveraine de se retirer de l'accord, mais nous, nous voulons rester dans l'accord et jusqu'à preuve du contraire, les Iraniens veulent aussi rester dans l'accord. Une petite question, est-ce que précisément ce n'était pas une erreur d'accorder de, de, à Trump, au fond, le fait qu'il y aurait une renégociation avec plusieurs piliers qui viendraient s'ajouter à l'accord Est-ce que la France a, a un peu affaibli sa position en faisant presque trop de concessions alors que Trump était sûr de... Euh, non, je pense décision. pas, je pense qu'il aurait été une erreur, c'est en fait euh, de ne rien proposer. Parce que si on n'avait rien proposé au lendemain de la décision de Trump, qui de toute façon était un peu actée d'avance, mmh. on se serait trop, retrouvé avec aucun horizon, aucune proposition, aucune, aucun sujet de négociation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer depuis la décision de Trump qui a été prise il y a deux semaines, jusque dans les six prochains mois On continue les négociations dans le format E3, c'est-à-dire la France, euh, la Grande-Bretagne et les, euh, les Allemands, avec les Iraniens, puis avec les Russes et les Chinois, qui eux aussi restent signataires euh, de l'accord. Donc on continue d'un côté avec l'Iran pour faire en sorte que cet accord ait encore du sens, mais à côté de ça, on continue aussi une négociation avec les Américains sur les trois autres piliers que je décrivais tout à l'heure. Et il, il, ce qui serait une erreur, c'est aussi de dire que euh, ces trois autres piliers, on vient de les découvrir. Ça fait déjà un certain nombre de mois, euh, notamment, enfin moi je sais depuis que j'ai été élu député, depuis que Emmanuel Macron a été élu, que nous discutons avec les Iraniens de Sujet, nous discutons de la Syrie, nous discutons du Liban, nous discutons du Yémen. Aujourd'hui, il y a des négociations des E3. Avec l'Iran sur Alors, le Yémen. Pour les Alors les E3, écoute. donc c'est euh, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc c'est les trois puissances les plus importantes euh, aujourd'hui en Europe qui avaient été signataires euh, de l'accord et moteurs euh, sur l'accord. Aujourd'hui, ils sont moteurs euh, sur le Yémen, même si on n'a pas encore euh, de résultats. Donc on continue euh, ces négociations. Et je pense que c'était important euh, de, de dire que on, on, on est aussi inquiet sur les autres sujets, de montrer aux Américains que nous sommes pas naïfs par rapport à ces sujets-là. C'est ce que vous êtes allé faire. Euh, c'est pas un secret. Vous, vous avez fait un voyage tout récemment. Aux États-Unis. Vous avez rencontré beaucoup de gens, oui. euh, pas seulement euh, euh, au Congrès, mais aussi euh, à la Maison-Blanche, au département euh, d'État. Euh, c'était euh, quoi l'objet de ces conversations En fait, c'était une sorte de suivi de l'initiative que j'avais lancée avec des collègues allemands et britanniques, donc des députés du Bundestag et de la Chambre des communes, euh, qui était en fait une lettre euh, adressée au Congrès américain. Avant la décision du président Trump, qui avait été signée par plus de 500 parlementaires de nos trois pays, donc les E3, euh, de tous les partis politiques, euh, dans, à la fois en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et l'idée de cette lettre, c'était d'enjoindre le Congrès américain justement de ne pas se retirer de l'accord, en leur disant que cet accord est un pilier de la sécurité collective pour nous au Moyen-Orient, mais aussi qu'il est finalement une preuve de la force de cette alliance transatlantique que nous avons, nous, Européens, avec les Américains. Donc dans la suite de cette lettre, qui avait été euh, signée encore une fois par euh, un très grand nombre de parlementaires, euh, j'ai voulu euh, faire un peu le, le suivi euh, en allant aux États-Unis, en me rendant aux États-Unis avec un de mes collègues allemands. Donc c'était une délégation euh, franco-allemande, un peu inédite puisque c'est deux parlementaires. Mm -hmm. euh, et donc on a effectivement rencontré euh, des gens euh, au, à la Chambre des représentants, au Sénat, et puis surtout au département d'État et au euh, Conseil de sécurité euh, nationale, donc, qui est dirigé par euh, John Bolton. Qui est un revenant de l'époque Bush. La oui, c'est le dur. Hein, c'est le dur. Lui voilà. qui, euh, Donc, on a vraiment rencontré euh, les durs de l'aile droite du Parti républicain pour à la fois essayer de comprendre euh, quelles sont les prochaines étapes euh, de la stratégie américaine. Si tant est qu'il y ait une stratégie américaine, on n'en est pas certain aujourd'hui. Et puis aussi pour porter un message, ça c'était très important, un message d'unité de l'Europe, d'où la délégation franco-allemande, et un message de fermeté en disant. Aujourd'hui, encore une fois, votre décision est souveraine, mais respectez aussi notre souveraineté. Ça, c'est un concept qui est central dans les discours et dans la pensée d'Emmanuel Macron, sur la souveraineté, non pas nationale, mais européenne, sur la capacité de l'Europe de faire face à des grandes puissances comme les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine. Et en disant qu'il ne fallait pas que les États-Unis réimposent des sanctions secondaires, donc, c'est des sanctions qui vont pénaliser nous, nos entreprises européennes, qui ont repris. Légalement du commerce, des activités commerciales avec l'Iran. Euh, et voilà, donc c'était vraiment une question de, de souveraineté. Alors, on va parler de, de la suite et de la, des marges de manœuvre que, que les Européens euh, peuvent, peuvent avoir. Euh, je me tourne vers vous, euh, Manaz Shirali, puisque vous connaissez, euh, vous connaissez bien l'Iran, vous avez travaillé sur le régime iranien. Euh, dans, dans un article récemment sur Mediapart, euh, Jean-Pierre Perrin faisait une analyse en disant. Bah, Finalement, beaucoup de, de commentateurs euh, pensaient que sa, la décision de Trump allait favoriser euh, les durs du régime, qui allait se venger de, du président Rouhani, qui est considéré comme, comme euh, plus, plus réformiste ou plus pragmatique. Et euh, ils faisaient l'analyse que finalement, euh, le régime restait assez soudé en fait, face à l'adversité, et en essayant malgré tout de faire vivre cet accord qui est assez important euh, pour l'économie euh, du pays. Est-ce que vous avez la, la même grille de lecture de ce qui est en train de se jouer euh, du côté du, du régime iranien je pense qu'on a un peu exagéré sur les durs et les modérés du régime. Dès le début, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre eux. Ils du pareil eux-mêmes. Ouais. Dès qu'ils se sentaient menacés, ils se solidarisaient immédiatement. On a vu pendant le mois de juillet, janvier, quand les Iraniens étaient en rage, ils étaient en contestation dans les rues, dans les manifestations majeures dans 107 villes iraniennes. Et les gens sont sortis pour dénoncer les politiques de ce régime. On a vu à quel point, soi-disant, les modérés et les durs se sont solidarisés. Ils disaient exactement la même chose. Et ils étaient très solidaires dans la répression qu'ils ont infligée à la contestation des Iraniens. Donc, vraiment, je ne vois pas très bien la différence entre les deux. Alors, peut-être pour prolonger ça, comment vous voyez le fonctionnement de ce régime Parce que. Vrai que vu de très loin, quand on ne connaît pas l'Iran, on entend parler, des fois, voilà, le, le guide suprême, etc., comme si c'était une personne qui tirait toutes les ficelles. Bon, évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est un, un régime où il y a l'air d'avoir plusieurs, plusieurs factions qui, qui s'équilibrent les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire de, de ça Il faut un semestre entier pour expliquer <laughs> comment ça bon, se... On va essayer de faire plus court. <laughs> Mais en tout cas, il y a en Iran, le vrai pouvoir est dans les mains de guides de la révolution, disons, quelque chose dans les 90%. D'accord Et le président. Les gardiens de la révolution. Non, guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. D'accord. Et le président de la République, en fait, il présente le pouvoir de façade. Il a quelque chose dans les 10 pas plus que ça. Il a le droit de parler avec la communauté internationale pour donner le change, pour faire une belle image de l'Iran, mais il ne faut pas qu'il aille plus loin. Donc, vraiment, on voit que le pouvoir n'est pas aussi séparé. Et le président de la République, il fait tout avec l'autorisation sous l'égide de guide de la République, guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Et du coup, je prolonge ma question sur comment ce régime reproduit son pouvoir. Parce que vous avez évoqué la répression, elle a été réelle, on l'a vu. Vous avez cité les événements des derniers mois. Euh, est-ce qu'il n'y a que de la répression ou est-ce que quand même il n'y a pas d'autres mécanismes idéologiques, matériels, par lesquels les élites dirigeantes iraniennes euh, reproduisent un socle de légitimité, même si celui-ci s'effrite ?– Enfin, je pense qu'aujourd'hui, après 40 ans de la République islamique, le mot légitimité n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que quand la plupart des Iraniens ont appauvri à ce point-là, quand la société iranienne est appauvrie, quand pendant quatre siècles toute voix dissidente a été réprimée et surtout après la guerre on a trouvé que la légitimité vraiment est très très fragile mais aujourd'hui parler de la légitimité c'est vraiment je pense franchement que c'est un peu dépassé c'est-à-dire que c'est un régime qui n'a pas beaucoup de légitimité auprès des iraniens on l'a vu et on l'a vu aussi à la suite du retrait de Donald Trump de l'accord de 2015, les Iraniens ne se sont pas solidarisés. Il n'y a pas eu de manifestation de colère. Ça s'est passé vraiment d'une manière très calme. Bon, on, les Iraniens sont inquiets, bien sûr, parce que l'avenir est noir maintenant. Avec les sanctions, ça n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre pour tout le monde. Mais le fait est que l'accord. Lui-même en 2015 n'a rien apporté. Les gens attendaient beaucoup de choses, attendaient l'amélioration de niveau de vie en Iran. Ils attendaient que ce régime s'intéresse tant soit peu aux intérêts nationaux de ce pays, alors que ce n'était pas le cas. Tout l'argent. Qu'on n'a pas véritablement compris combien c'était. Ils n'ont jamais jugé digne de donner le bilan au peuple iranien. On sait que c'était quelque chose dans les 160 milliards ou 200 milliards de dollars, mais personne n'a jamais su le montant exact. Alors donc, cet argent, on ne l'a pas vu en Iran. Le niveau de vie des Iraniens, le pouvoir achat des Iraniens n'a pas augmenté. C'est la raison pour laquelle les Iraniens étaient vraiment en rage quand en janvier ils sont sortis dans les rues, ils ont dénoncé les politiques néfastes de la République islamique. Alors on a vu à quel point ce régime a perdu sa légitimité et son assise populaire. – Telfino, vous vouliez oui, je réagir, réagir à cette voilà, enfin, Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous sur l'analyse de, de la légitimité mais on va, ne on va pas revenir sur effectivement 40 ans de, de République islamique. Je voulais juste dire deux points. Je pense que euh, moi, moi ce que j'ai vu, enfin, j'étais en Iran au moment de la conclusion de l'accord, j'y vais en Iran et on a vu, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu d'explosion de colère au moment de la décision de Trump. Je pense que malheureusement simplement les gens étaient vraiment… Euh, désespérés et résignés. En revanche, ce qu'on a vu, c'est au moment de la décision, au moment de la signature de l'accord, en juillet 2015, on a vu des explosions de joie partout, dans les rues, rues de Terrain, euh, et dans toutes là, les rues de Téhéran J'étais ravie, <laughs> j'ai dansé avec les autres, on était ravis. – Parce qu'on qu attendait beaucoup de choses de cet alors, accord, et -ce rien n'a changé. – ben, ah, Oui, mais alors, mais cet les accord, les on ne lui a jamais élevés, donné hein, la chance… D'exister, puisque terminer. moins d'un an, donc c'est signature juillet 2015, Implementation Day, donc c'est le jour où ça commence à être mis en œuvre, début 2016. Novembre 2016, Donald Trump est élu, sachant qu'on commence à savoir qu'il va gagner et qui passe son temps à dire de toute façon, si j'arrive au pouvoir, bon. cet accord, je vais jeter à la poubelle. Donc dès l'élection de Donald Trump, de toute façon, l'impact économique attendu pour les entreprises européennes comme pour l'Iran est, est annulé de facto puisque ça, les entreprises n'investissent plus. Donc en fait, privé. cet accord, euh, on lui a reproché beaucoup de choses, mais on lui a jamais donné une réelle chance d'exister et de faire ses preuves. Donc il y a eu des très mauvaises décisions. Il y a, il y a des très mauvaises décisions économiques qui sont prises par euh, le gouvernement iranien. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je pense que le fait que les retombées de l'accord n'aient pas été vues. Euh, n'ait pas été ressenti par le peuple iranien, ce n'est pas tellement le fait du gouvernement iranien. Pour le coup, là, c'est vraiment le gouvernement américain. C'est quand même 200, euh, 200 milliards de dollars qui ont été débloqués. Par par les États-Unis. C'était la richesse non, non, non. de, de l'Iran qui a été débloquée. Non, 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 non. Et l'Iran n'a non, 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 jamais non, vu. Non, en non, fait. Ne dit pas une ch un chiffre pareil, c'est pas vrai. Les sanctions n'ont jamais été levées par les États-Unis. Les sanctions datent de 79. Je ne parle Attends, pas de ce, de, des attendez, sanctions, attendez, attendez, je parle de ce que attendez, les Iraniens eux-mêmes ont déclaré. Il n'y a pas eu de déblocage de l'argent par les Américains. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Les Américains ont, ont joué. Pour, euh, comment dire le retard dans l'application de la levée des sanctions pour une raison assez simple, c'est que justement depuis 1979, il n'y avait plus d'affaires américaines en Iran. Par prenez le cas de l'aéronautique. Ils ont attendu qu'Airbus puisse signer, que Boeing puisse signer un accord pour vendre des Boeing en Iran, pour que Airbus puisse livrer les pièces détachées qui était utile pour toute la flotte iranaire qui était équipée mmh. d'Airbus. Vous savez qu'il y a eu des avions qui se sont cassés la figure avec des passagers civils dessus parce que embargo couvrait même mmh. les pièces détachées d'avions. Donc ne dites pas qu'il y a eu 200 milliards non, au, débloqués. – Non, ce n'est pas moi qui ce le dis, pas... en fait, c'est l'argent qui a été débloqué. – Mais où tenez -vous vous cette donné que... pas vrai. Il tenez bah, pas été information ?– C'est marqué dans Ouh. les accords, qui, dans tous, ces, tous les documents que les Iraniens ont publiés. publiés. <coughs> Cela dit, ils n'ont jamais donné le montant exact. C'était dans l'accord que chaque mois, 250… – C'était dans l'accord que Trump vient de euh, voilà. déchirer au Pensez bien qu'entre-temps, ils n'ont pas débloqué les 200 milliards, ça, bien entendu. Écoutez, non, ne dites pas une chose pareille. Les Américains n'ont jamais... Après... En tout cas, les contrats honteux que les Iraniens ont signés avec les consortiums gaziers et pétroliers, y compris Total en France, étaient l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens n'étaient absolument pas contents de l'accord de 2015. Le contrat que le consortium géant chinois et français ont signé avec l'Iran, 51% total. 30% les Chinois et 19% l'Iran. Cet accord ramenait vraiment l'histoire de British Petroleum en 1950 en Iran, que tout le peuple iranien s'est opposé à ce contrat parce que c'était quelque chose semblable, un peu mieux parce que l'Iran à l'époque avait 10, 20%. Alors qu'aujourd'hui, avec ce contrat, enfin avant, te... y avant Total, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'exploitation du champ minier. En tout cas, c'était beaucoup plus... Non, est ce est non, pas après, plus avant la les... technologie a tellement évolué que vous ne pouvez pas prétendre qu'aujourd'hui... Non, de toute façon... Le pétrole les iraniens iranien est en mesure d'exploiter. La République le... islamique aurait dû mieux négocier 19 c'est un Non mais madame, contrat ne réglez pas honteux. vos comptes avec la République islamique, on n'est pas sur ce sujet-là. On est sur un sujet de C'est la qui raison pour laquelle les Iraniens n'ont pas apprécié cet accord, c'est la raison pour laquelle le retrait de président Trump de cet accord n'a pas gêné les Iraniens outre ah, mesure. La seule chose que les Iraniens demandent aujourd'hui, c'est un état qui tient compte d'abord des droits fondamentaux des Iraniens en Iran, des droits de l'homme en Iran et ça ça n'a jamais… Jamais été dans l'accord de 2015. C'est la raison encore pour laquelle cet accord de 2015 n'était pas un bon accord. Et on souhaite aujourd'hui que la communauté internationale entre dans les nouvelles négociations avec l'Iran. Ces nouvelles négociations doivent tenir compte des droits de l'homme et, en plus, des droits fondamentaux des Iraniens, et ce qui a été bafoué depuis quatre décennies. C'était pas le sujet Alors, de l'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Alors, justement, c'est la raison pour pense, laquelle. Il y aura. Il y aura cet accord n'était pas un que, bon que que accord. Cet accord ne réglait rien sur la, la situation intérieure et sur, sur la question des droits de l'homme. Moi, j'aimerais euh, continuer sur, un, sur peut-être une autre dimension. Mais on pourra revenir sur ce sujet-là. Euh, on a intitulé euh, ce, ce débat le grand jeu. Donc c'est en référence à une expression qui est, qui est très vieille, hein, mais euh, qui fait référence à ces rivalités de puissance euh, qui ont lieu au, au, au Moyen-Orient. Euh, il se trouve que euh, on a euh, un contributeur du club qui est, est Jean-François Bayard qui a fait un, un texte justement après le. Euh, le refus de, de Trump de, de, de poursuivre l'accord et qui euh, s'amusait un peu en disant mais finalement on reproche tout le temps euh, à l'Iran son ingérence euh, dans, 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 dans la région et c'est une ingérence qui existe dans, 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 dans certains pays évidemment mais après tout on cherche moins de pouls dans la tête euh, à l'Arabie saoudite qui est aussi euh, évidemment la grande puissance euh, rivale de l'Iran je me tourne vers vous euh, Pierre Conessa est-ce que vous jugez euh, qui est une sorte de deux points de mesure de la part des, des puissances occidentales vis-à-vis -vis, euh, de, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite ?– Je m'étonne même que vous posiez la question. Écoutez, d'abord sur Trump et les promesses électorales, excusez-moi, mais il n'a pas respecté tout ce qu'il disait en particulier sur l'Arabie Saoudite. Il avait annoncé qu'il sanctionnerait l'Arabie Saoudite puisqu'elle finance la fondation Clinton. Mais enfin, on était dans une campagne électorale, donc on n'est pas obligé de prendre tout ça au pied de la lettre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les sanctions existent sur l'Iran de la part des États-Unis depuis 1979, depuis la prise d'otage de l'ambassade. Hein, c'est quand même un pays qui a été largement mis sous pression. – 1979, je... on rappelle pour ceux qui c'est la révolution. – hein, ça... Bon, je rappelle un épisode que la communauté interna... pour lequel la communauté internationale n'est pas très, euh, comment dire, digne. Rappelez-vous que quand l'Irak attaque l'Iran, la communauté internationale, vous savez, la fameuse communauté internationale, met sous embargo l'agressé, l'Iran, pour soutenir l'agresseur, l'Irak. Vous vous souvenez de cet épisode glorieux. Bon. Et donc, il y a tout ce passé-là. Donc, il y a une des variables, je pense qu'on sera d'accord avec Madame, pour laquelle ce régime garde une légitimité, c'est le nationalisme iranien. C'est-à-dire c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire, c'est un pays à qui on ne dicte pas tout à coup ce qu'il va faire. Et donc, de toute façon, quoi que pensent les gens du régime, de toute façon, l'idée de se voir imposer encore une fois par les États-Unis, et encore une fois par un personnage comme Trump, c'est quand même pas un personnage qui suscite l'enthousiasme il y aura de toute façon une réaction, encore une fois, qui fait que la distinction entre modéré et dur ne signifie pas grand-chose. De toute façon, il y a une position dans laquelle le pays est mis, sous, est mis sous pression. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où effectivement, on est dans un espèce de triptyque que je trouve particulièrement inquiétant, parce que, <coughs> d'abord, première remarque, le double standard, vous savez, on l'applique sur Israël tous les jours, on l'applique avec l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a un, un leader séduisant, euh, qui sourit, etc., qui donne le permis aux femmes de conduire. Euh, donc, on est dans la pleine révolution. Donc on est dans un système totalement fou. Il y a un fait géopolitique dans la région, c'est l'Iran. Tous les autres pays sont des constructions récentes avec des bases nationales très, très réduites, excepté l'Égypte. Tous. L'Irak, la Syrie, l'Arabie le, le, saoudite, les États du Golfe. Donc il faut le prendre en compte. Donc en train, Actuellement, on est en train de se monter une alchimie particulièrement inquiétante. Il y a une espèce de pervers narcissique qui s'appelle Trump. Il y a un mythomane menteur qui est Netanyahu. Euh, et il y a en face de ça un Khamenei qui est un mystique. Oui, c'est un gentil monsieur qui pas dit Dès le dit. début, n'oubliez a... pas, monsieur, que l'Iran est le seul pays sur la planète qui demande la dis disparition d'un autre pays, c'est-à-dire compris... la disparition d'Israël. Donc, si la communauté internationale Madame, ne dites pas se pas des méfie... De... L'Arabie Pourquoi... saoudite jusqu'à ces ça... derniers mois était pour la disparition d'Israël. Il n'a jamais une dit pareille. aussi clairement, il n'a jamais dit... L'Israël doit disparaître de la même façon que les Iraniens, non, que les madame, dirigeants écoutez, iraniens. Je suis désolée, je suis désolée mais vous dites ça, des ça fait 40 ans. Tous les pays arabes étaient fait... pour la disparition mais... d'Israël. Le seul qui n'ait jamais combattu Israël, c'est effectivement l'Arabie Saoudite, pour une seul... raison très simple, c'est qu'en 67, pays, Ils ont envoyé une brigade qui est arrivée trop tard, c'était la guerre de 6 jours. C'est le seul six pays six jours, qui, qui crie même... partout qu'Israël doit disparaître et que le chemin de la révolution islamique passe par Intéressez-vous aux pays arabes, madame, vous élargir votre cercle. Par le Beitel-Morad Das. C'est le seul pays qui dit ça. Moi, je n'ai pas entendu. C'est vrai, les conservateurs arabes, ils étaient toujours contre Israël, on le sait, ça c'est banal, ça c'est même pas nécessaire de le dire, ah on bon, le ah sait. Par contre, c'est le seul pays qui demande la disparition claire et nette d'un autre pays. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce réalignement justement entre Arabie Saoudite, de Israël sûr. et États-Unis, ce nouvel axe aujourd'hui. Avec des réactions de, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, etc., qui sont assez étonnantes vu leur position antérieure euh, sur ce qui se passe en Israël. Précisément, et en Gaza. On, on va y venir. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a été nommé, qui est, ne est Netanyahu, le Premier ministre israélien, qui a été assez encouragé euh, par toutes les décisions de Trump. Alors, euh, on casse l'accord avec l'Iran. Euh, juste après, il y a les frappes euh, israéliennes contre les, les positions euh, en Syrie. Euh, on transfère l'ambassade euh, américaine à Jérusalem euh, et le jour même. En fait, on a, on a cette manifestation à, à Gaza avec de nombreux morts. Euh, je me tourne vers vous, euh, Leïla Sera. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur le, sur le Hamas, euh, qui, euh, il se trouve, a des liens euh, avec d'autres puissances, dont euh, l'Iran. Et le Hamas a été accusé euh, par Netanyahou, c'est-à-dire parmi toutes les victimes euh, de, de la répression de Gaza. Euh, le pouvoir israélien a dit, bah, de toute façon, c'était des gens euh, du Hamas, ce qui, ce qui est très euh, contesté. On avait Elias Sandbar euh, la semaine dernière euh, sur ce plateau qui, qui disait, bon, ce n'est pas, pas très crédible. Euh, bah, Quel bilan vous, euh, vous tirez d'abord de, de, avec le recul de ce qui s'est passé euh, à, à Gaza Et est-ce que ce, ce, ces liens euh, Iran-Hamas, ça compte encore aujourd'hui dans, euh, dans ce qui se joue euh, dans le pays je crois qu'il faut déconnecter les liens entre l'Iran et le Hamas de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il est clair que l'Iran est une puissance qui soutient le Hamas depuis au moins la fin des années 80, le début des années 90 avec un double contexte qui était celui justement de la première guerre du Golfe, puisque l'OLP avait soutenu l'Irak de Saddam Hussein, et, euh, et également le contexte du début des années 90, avec le début du processus de paix, les accords de Madrid, les accords d'Oslo, qui ont conduit l'Iran finalement à soutenir, à changer de partenaire en Palestine, à ne plus soutenir l'OLP pour soutenir finalement le Hamas. Mais il faut bien noter aussi que l'Iran soutenait pas uniquement le Hamas, mais d'autres acteurs islamistes palestiniens, comme le Jihad islamique. Euh, ensuite, l'Iran a continué à soutenir le Hamas, euh, et cette, ce soutien s'est accentué notamment après la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, puisque euh, à la suite de cette victoire, le Hamas a été boycotté et donc n'a pas pu euh, former un gouvernement, le gouvernement de, de, palestinien après 2006 à la suite de sa victoire, et euh, pour survivre, donc pour pouvoir euh, faire en sorte que ce gouvernement fonctionne, payer le salaire de ses fonctionnaires, seule la République islamique d'Iran était euh, prête à financer. Le salaire de ses fonctionnaires. Donc, l'Iran a été un véritable soutien inconditionnel et très important pour le Hamas. À partir de 2006 et également à partir de 2007, après la prise du, du pouvoir par la force euh, par le Hamas dans la bande de Gaza, euh, il y a eu ensuite une petite période où les Iraniens se sont fâchés puisque le Hamas a décidé finalement, dans la crise syrienne, de ne pas soutenir Bachar al-Assad. Donc le, le manque de soutien du Hamas, euh, qui a fermé ses bureaux à Damas, etc., qui s'est complètement désolidarisé de Bachar el-Assad pour un temps, a conduit les Iraniens finalement à baisser leur soutien matériel pour un temps. Euh, on ne sait pas vraiment si ça a duré trois euh, à six mois, etc. Mais de, de, on, on sait aujourd'hui que ce soutien a été rétabli. Alors en ce qui concerne la marche du retour, euh, on a aujourd'hui donc euh, 118 morts depuis six semaines, six semaines de mobilisation. Euh, qui, euh, donc des mobilisations sans précédent, qui euh, évidemment ont été, euh, au cours de tout au long de ces six semaines, euh, décrites par euh, le discours israélien comme un mouvement orchestré par le Hamas. Donc euh, évidemment, euh, il, il faut ici essayer de, 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 de contextualiser, de comprendre ce qui se passe, d'essayer de justement faire la part des choses, d'essayer de comprendre pourquoi, d'autant que les dernières déclarations du Hamas. Elle-même euh, alimente cette propagande israélienne, puisque le Hamas, par euh, la bouche de l'un de ses représentants, a déclaré justement le mmh. 14 mai dernier, le, au moment de ces. ces... Très grosse mobilisation Ils le jour du déplacement. Leur pompe, ce qui passé. On, 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 on déclarait, ce, ce monsieur a déclaré que 50 des euh, 62 victimes de la journée du 14 mai étaient affiliées à la branche armée du Hamas. Alors évidemment, ces discours euh, alimentent cette propagande israélienne et il s'agit d'essayer essayer de comprendre quel est le lien entre eux, le Hamas et la Grande Marche du Retour. En réalité, euh, il faut euh, comprendre que euh, d'abord, ce, cette revendication n'a pas été euh, prise en compte par le bureau politique du mouvement, alors, que, alors même que le 30 mars, le premier jour des mobilisations, le Hamas avait... Et également fait le même type de revendication, déclarant que 5 des 12 morts étaient des membres de la branche armée, Il avait même publié sur son site la photo de, de ces jeunes qui étaient morts euh, au, au, pendant la manifestation en tenue militaire. Et justement, ça avait provoqué euh, des critiques, etc. à Gaza. On disait que le Hamas était en train de, de faire couler la marche. Euh, donc, justement, le Hamas avait été très critiqué le 30 mars et n'a pas du tout reproduit la même erreur le 14. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 14 D'abord, le 14 mai, euh, ces fameuses 50 victimes appartement au Hamas, c'est un dirigeant du Hamas qui l'a déclaré et non pas le bureau politique du mouvement. Donc déjà, on ne peut pas du tout dire euh, que le Hamas revendique officiellement ces 50 morts, c'est faux. Euh, deuxièmement, je crois qu'il faut aussi essayer d'inscrire cette revendication dans un contexte euh, de lutte interpalestinienne. Pas seulement entre le Fatah et le Hamas, mais de compétition politique à Gaza. À Gaza, il n'y a pas uniquement le Fatah et le Hamas. Il y a le Hamas qui domine la bande de Gaza, mais il y a une multitude de factions palestiniennes qui, chacune, euh, tentent de revendiquer des victimes. Euh, voilà, donc le Hamas, quand le Hamas dit on a 50 morts, le djihad islamique à côté dit nous on a 3 morts, et le Fatah dit nous on a 30% de victimes qui font partie de nos rangs. Mais alors quand il y a les autres factions palestiniennes qui le revendiquent, personne n'en parle. En tout cas, ce n'est pas du tout des informations qui sont relayées euh, dans la presse internationale. Donc, je crois que c'est quand même aussi important de, de souligner cet aspect. Et enfin, ce qui me semble aussi important de dire, c'est euh, que cette déclaration du fameux, ce, ce fameux représentant du Hamas, Salah Bardawil, qui a dit Bon, on a 50, euh, 50 morts euh, qui, euh, qui appartiennent au rang du Hamas, finalement, il faut la lire également dans le contexte. Vous savez, Ismaël donc le chef du bureau politique, s'est rendu au Caire pour discuter avec les égyptiens de, de, voilà, du, du futur de la marche du retour les égyptiens essaient de négocier euh, pour que le, le, voilà, cette marche cesse et que euh, finalement le, la situation revienne euh, au statu quo hanté. évidemment le hamas a été critiqué pour euh, voilà, a été accusé en fait ismaël regnier son retour du Caire a été accusé d'avoir vendu la marche, les autres factions palestiniennes ont dit le Hamas a vendu la marche, la grande marche du retour au Caire. Il a fait des, pour des petites concessions. Voilà, il va euh, décider peut-être parce qu'évidemment le Hamas domine la bande de Gaza. Donc, s'il veut euh, par la force décider de mettre un terme à cette marche, il peut le faire. Mais il a été critiqué euh, à la suite de cette visite et c'est donc dans ce contexte qu'il faut aussi lire cette déclaration au sens où Salah Bardawil a essayé de dire mais comment voulez-vous que le Hamas vende la marche du retour alors qu'on a des jeunes qui sont morts dans nos rangs. Donc je pense qu'il faut comme ça essayer de remettre les choses à leur place, d'essayer de contextualiser les déclarations des uns et des autres parce que finalement sinon on ne comprend rien il suffit de dire ah bah vous voyez c'est le Hamas qui le dit donc c'est vrai ça c'est ce que Netanyahu a dit et pour la première fois Netanyahu a dit vous voyez pour une fois je suis d'accord avec le Hamas c'est quand même un peu grotesque n'est pas parce que le Hamas dit qu'ils ont 50 50 victimes que c'est vrai il faut comprendre qui le dit est-ce que c'est revendiqué par le bureau politique ou pas pourquoi ce monsieur là a déclaré ses 50 victimes et surtout est-ce que c'est vrai Parce que euh, si vous, vous essayez de comprendre à Gaza ce qui se passe, des journalistes qui sont allés justement dans les funérailles de ces, de ces 50 ou 62 victimes de la journée du 14 mai n'ont pas vu un seul drapeau du Hamas. En fait, ces chiffres ont été largement euh, amplifiés pour Alors. des raisons claires. Chacun essaye de euh, tirer euh, vers lui euh, le plus de. Voilà, considérer que euh, finalement, il fait activement partie de cette marche. Alors, précisément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces drapeaux. On a l'impression, en tout cas, c'est ce qu'écrit dans Mediapart Thomas Cantaloube, qui a fait un parti pris sur le sujet, en disant finalement, le mouvement palestinien passe un peu à un nouveau stade, une nouvelle stratégie, c'est-à-dire qu'il y, y a eu la violence armée, il y a eu ce que certains ont vécu par des compromissions, en fait, justement, du fatal, de l'autorité palestinienne, et que maintenant, euh, on a une forme de, de, de mélange entre non-violence, résistance passive, euh, appel à la solidarité internationale, et, euh, et, et euh, qui se retrouve d'ailleurs sans défense face, euh, face à tout le monde et lâché un peu par, par toutes les chancelleries. Est-ce que c'est un peu votre grille de lecture de ce qui se passe euh, dans le mouvement palestinien actuellement, où tous les partis, y compris le Hamas, semblent avoir perdu de la crédibilité aux yeux de la population, et notamment les plus jeunes alors ça, il est clair que tous les partis ont perdu de, de, de leur crédibilité aux yeux de la population. Mais alors là, encore une fois, il faut essayer de préciser mouvement civil et factions politiques, parce qu'on a dit aussi largement ce mouvement est déconnecté des factions politiques. n'est pas vrai du tout. Ce mouvement n'est pas déconnecté des factions politiques et à l'inverse de ce qu'on a pu voir dans les printemps arabes euh, en Égypte ou en Tunisie où il y a une vraie spontanéité en tout cas dans les premiers jours euh, des mobilisations où finalement on voyait pas du tout euh, des partis traditionnels euh, s'organiser. Euh, là à Gaza c'est pas du tout le cas. À Gaza c'est euh, une initiative euh, d'abord au, 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 au tout début euh, l'idée de cette grande marche c'était une idée qui avait été euh, plutôt euh, qui venait plutôt d'un universitaire de la gauche palestinienne qui avait justement euh, souligné cette, euh, cette initiative ou cette potentialité de, dans l'avenir, construire quelque chose qui serait de l'ordre d'une grande marche pacifique. Et justement, euh, deux ans plus tard, c'est euh, des indépendants à Gaza qui se sont dit, voilà, on va se saisir cette idée, puisque cette idée est intéressante, finalement, comme vous l'avez dit, euh, la solution euh, pacifique, la lutte armée, tout ça, euh, finalement, on a bien vu que ce n'était pas du tout payant pour les Palestiniens, faisons, organisons cette grande marche, mais cette, cette marche, cette marche du retour, elle est, dès le départ, organisée par les factions politiques pas par le Hamas, par l'ensemble des factions politiques. Donc, vous avez un Haut Comité de coordination qui, dès le départ, va prendre en main cette marche dès le 30 mars. Donc, il n'y a pas de spontanéité comme dans les printemps arabes en Égypte, en, en, en Tunisie. Mais dire ça ne veut pas du tout dire euh, que un mouvement civil n'existe pas, parce que justement, les factions politiques l'ont organisé et ont été même elles-mêmes surprises de l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire des dizaines. Le, le, le 30 mars, il y a plus de 70 000 Palestiniens à Gaza qui mobilisent aux frontières entre le nord et tout au long de la bande de Gaza, du nord au sud, 70 000 personnes qui mobilisent. Et pendant six semaines, donc non seulement en termes de chiffres, mais en termes d'ampleur, il y a, euh, même les factions palestiniennes ont été elles-mêmes surpris de l'ampleur qu'a pris finalement ce, ce mouvement. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, qui tous les jours se rendent euh, à la frontière. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement ce fameux débat mouvement civil, faction politique, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Donc je crois que, et, et, et pour répondre à votre question sur la résistance pacifique, alors, la, la grande marge du retour a suscité aussi des débats à Gaza. Donc il y a des gens qui sont contre, qui disent tout simplement pourquoi les Palestiniens vont mourir. Euh, ça ne sert à rien, ça ne sera pas payant, le blocus ne, ne va pas euh, être assoupli pour autant, puisque Trump finalement essaie de nous asphyxier, les Israéliens aussi. Donc n'allez pas au front euh, gratuitement, parce que tout ça, pour rien presque. D'autres qui disent au contraire, euh, qui suivent le quotidien des jeunes euh, qui mobilisent et qui les écoutent. Et finalement, qu'est-ce que nous disent ces jeunes Ils nous disent, mais. Vous allez mourir Ils répondent mais tout simplement on va mourir, mais en même temps, sinon on meurt de faim. Donc, mmh. euh, et puis moi, je préfère essayer de mourir. S'il y a un espoir que le blocus soit assoupli, levé, je, de toute façon, on est en train de mourir. Donc, et donc finalement, et puis il y a même certains commentateurs, observateurs, journalistes qui ont changé d'avis, qui au début de la marche étaient très critiques et qui sont devenus plutôt euh, actifs, euh, qui, ont même, qui participent activement puisque finalement, ils ont pris conscience de. De la, la véracité de ces, ces discours des jeunes qui n'ont plus aucune autre perspective, tout simplement. Euh, je, je reviens sur, sur euh, Netanyahou et son, son action, euh, son, son rôle international. Vous avez employé euh, tout à l'heure le mot de mythomane. Alors. Non, je dis que est un menteur. Un menteur. Oui. Alors, bon, écoutez, à... je vais vous citer un exemple. Euh, député à la Knesset, il est le premier à parler du programme nucléaire iranien en 87. Moi, j'étais au ministère de la Défense. Les premiers documents de services de renseignement qui commencent à évoquer l'hypothèse d'un programme nucléaire iranien datent de 1992. Donc, il avait cinq ans d'avance, si vous voulez, dans l'affirmation du programme nucléaire iranien. Ces documents de services de renseignement commencent à simplement expliquer la chose de manière assez satisfaisante. C'est-à-dire, c'est quand l'Iran découvre l'étendue des programmes d'armes de destruction massive irakiennes à la suite de l'embargo consécutif à la guerre du Golfe, Qu'effectivement, le débat s'installe en Iran sur l'hypothèse de la construction d'une bombe. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, tous les papiers que j'ai vus au ministère de la Défense annonçaient toujours la réalisation de la bombe dans les six mois. C'est ce qu'on appelle de la prospective glissante, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie d'une espèce de propagande. Et vous avez vu le dernier exercice de Netanyahou, ressortant des documents connus pour dire regardez, on a la preuve qu'ils font un programme. Pourquoi c'est un mensonge Pour une raison assez simple, c'est que même si vous avez la technologie, vous n'avez pas la bombe. Pour avoir la bombe, il faut faire des essais. Faut la miniaturiser, faut la militariser, faut trouver un vecteur. Bon. Donc, on sait très bien qu'il y a une échéance qui est omis, au plus court de deux à trois ans. Bon. Donc, si vous voulez continuer à dire l'Iran aura une bombe dans six mois, c'est une manière d'entretenir sur le feu, si vous voulez, une espèce de pression avec une menace qui effectivement n'a pas de réalité physique. Bon. On avait abouti à un point de négociation qui était un point satisfaisant pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on reconnaissait à l'Iran d'être un pays du seuil, c'est-à-dire un pays Pouvant éventuellement avoir la technologie, et maîtrisant la technologie, l'Iran engagé à arrêter ses centrifugeuses, qui sont les éléments, si vous voulez, constitutifs qui permettent de stocker de l'uranium enrichi. Et en échange, effectivement, sous le contrôle de l'agence de Vienne, on a, ils a arrêtaient le programme. Bon. Tout ça, c'est un équilibre stratégique. C'est pas de la propagande. C'est-à-dire, on dit, oui, ce pays a eu, à cause de son histoire, et ça commence avec Mossadegh, des ingérences étrangères qui, depuis maintenant 70 ans, si vous voulez, s'occupent de ses affaires intérieures parce qu'il a du pétrole. Donc, on était sur un équilibre qui, sur le plan stratégique, est satisfaisant. Maintenant, quand vous avez des gens qui ne veulent pas respecter cet équilibre stratégique, qui veulent le changer, et euh, la conjonction, malheureusement, le tiercé euh, Trump, Netanyahou, Mohamed Ben Salman, est particulièrement inquiétant parce que, justement, ils sont d'accord, tous les trois. Bon, Netanyahou, pour continuer à, à tuer des Palestiniens, quand même, on est à 118 morts pour euh, une marche pacifique. Euh, on n'a pas eu souvent des exercices de cette nature, quand même. Euh, Trump, bah, vous connaissez le personnage, hein, je ne vais pas vous le décrire, il est capable de mentir et de changer totalement des dispositifs internationaux. Sur le plan stratégique, quand même, tenez compte du fait que les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires. Les États-Unis n'ont jamais accepté les mécanismes de contrôle de la Convention sur les armes chimiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui dénonce un accord à 6 et il va engager des négociations à Kim Jong-un sur, sur le nucléaire coréen. Vous avez un, là, vous avez une description stratégique particulièrement inquiétante. – Justement, en de, dans la stratégie, on se fixe des buts. Et alors là, clairement, on est, on est un peu dans le flou. Delfino le, le disait oui, tout à l'heure, sur les États-Unis, on se demande qu est, qu est, quel est le but final, puisque le changement de régime apparaît inatteignable. En fait, qu'est-ce qu'il cherche, y compris Netanyahu qu'est-ce qu'il qu cherche finalement ?– Je crois qu'il cherche la guerre, c'est tout. – En fait, ouais, je, non, justement, j'allais compléter alors, en là, disant qu'on a un alignement là, on est finalement, cœur, hein, du sujet, hein. des, des, un peu des, des vats en guerre côté américain, côté israélien et côté saoudien aussi parce parce qu'on a l'impression que Mohamed Ben Salman, le, le prince euh, saoudien, a envie d'en découdre. Il en découdre déjà au Yémen, mais on a l'impression qu'il a envie d'en découdre dans la région aussi. Euh, et donc, est, on est arrivé quand même à une au situation. Yémen, je, je précise pour ceux qui, qui rien, on a une crise humanitaire absolument terrifiante. Euh, 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 mmh. euh, on un pourra million revenir peut-être. On est touché euh, par le choléra aussi, accessoirement. Euh, donc, on a un alignement de, de ces trois puissances et on est arrivé quand même à un point de tension assez fort parce que, en un mois, si on revient sur le mois qui vient de précéder, on a quoi On a la décision unilatérale des états de se retirer de cet accord nucléaire qui empêche euh, l'Iran euh, de se doter de la bombe, qui est quand même un pilier de la sécurité collective au Moyen-Orient. On a la décision américaine euh, de transférer l'ambassade à Jérusalem. On a la Grande Marche euh, qui a été euh, très bien euh, décrite. On a, suite à la décision américaine du retrait du CPOA, euh, des échanges assez nourri entre Israël et euh, l'Iran sur le théâtre syrien pour la première fois. Bon, il y avait eu un drone qui avait été abattu, mais mmh. là, c'est la première fois. Donc, il y a effectivement et des Syriens et des Iraniens qui ont probablement été euh, tués par, euh, par les frappes israéliennes. Et donc, on a le, le télescopage en fait, du dossier nucléaire et du dossier euh, israélien et du dossier euh, syrien sur euh, le théâtre syrien. Et donc là, on arrive à une montée des tensions qui est très inquiétante. Et je pense que c'est vraiment un, un moment où on a… Un, Besoin d'un regain de diplomatie, et c'est ce que la France, à mon sens, essaye de faire. Quand on a des États-Unis qui sont sur une seule stratégie, cest dire on va appuyer, euh, appliquer une pression maximale, euh, et en fait la stratégie des États-Unis, c'est de dire sanctions, 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 sanctions. Donc au lieu de faire des sanctions un outil en fait au service de la stratégie, les sanctions deviennent la stratégie même. Alors que, en fait, si on regarde un peu l'histoire de l'utilisation des sanctions, les sanctions sont utiles quand elles sont combinées à de la diplomatie. C'est ce qu'on a fait pour le JCPOA et pour l'accord nucléaire iranien. Pendant 12 ans, on a négocié, mais en même temps, on a imposé des sanctions à juste titre sur les, les, le, le gouvernement iranien. Et là, le problème, c'est qu'on a une divergence de stratégie où nous, on est fidèles aussi à notre héritage diplomatique en disant, avec les Européens, évidemment, on va continuer à utiliser euh, euh, la carotte et le bâton. Donc le bâton parce que aussi il y a des sanctions euh, qu'il faut peut-être remettre sur la question du balistique et la Syrie, mais en même temps il faut continuer. De engage, comme disent les Américains, donc continuer à parler, à négocier avec les Iraniens, parce que sinon, on n'arrivera à rien, et sur le balistique, et sur la Syrie, mais on peut pas continuer et sur le à nucléaire, sur et aussi chose. sur le Yémen. Négocier sur quoi Alors... Donc à continuer la négociation sur quoi Ça à... fait longtemps qu'on a, qu a des conversations sur la question, si... euh, la question, l'interprétation la, la, oui, mais... juridique de ce à quoi les Iraniens ont droit en termes euh, de missiles balistiques, sur euh, la vente de missiles à des acteurs non étatiques, effectivement, comme le Hamas, les Hezbollah, et les, et, euh, les outils aujourd'hui euh, au Yémen. Sur sur la Syrie, ça fait longtemps qu'on a des conversations. Évidemment, les conversations ne produisent pas des résultats immédiatement. Et c'est le problème des États-Unis qui disent, voilà, on n'a pas eu des résultats immédiatement. Mais les dip alors, la diplomatie, c'est une entreprise de longue haleine. Alors, on, on, on va revenir point par point sur euh, justement cette dimension prospective. De que peuvent faire les diplomaties de, 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 de chaque puissance dans, dans, dans cet environnement-là qu'on qu vient d'écrire Je me retourne euh, vers vous, euh, Manas Shirali, sur euh, justement la, la stratégie du pouvoir iranien. C'est-à-dire que maintenant qu'il est mis au pied du mur, que bah, les sanctions, ça va recommencer, que les Européens vont être mis sous pression pour arrêter tout investissement dans le pays, donc avec cette crise économique qui s'avance, eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire certains craignent que du coup qu'ils fassent de la provocation, qu'ils disent bah, du coup le nucléaire on va essayer d'y arriver. Euh, certains pensent que tout simplement le, le régime va, va, être, va être pris à la gorge. Euh, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent, quelle est leur marge de manœuvre De toute façon, ils ne peuvent pas entrer en guerre avec les États-Unis ou avec Israël, ça c'est clair. L'Iran n'a pas la capacité dans, de se lancer dans une nouvelle guerre. Il est déjà embarqué dans quatre guerres dans la région. Alors les Deuxi quatre, c'est lesquelles avec Hezbollah contre Israël, avec euh, la Syrie, il défend Beke Ongle Ong, Bachar Assad, il défend les Houthis, et en Irak, il continue à financer les groupes extrémistes qui n'ont pas obtenu déjà, ce qui est une très très vous bonne nouvelle. Vous parlez des groupes extrémistes, vous été Non, monsieur, je parle de Hachdel shabi Oui, mais je veux dire, vous êtes là dans un jeu politique irakien. Vous me laissez pas... terminer, s'il vous plaît. Oui, mais enfin, n'inventez pas des donc, termes. Non, qui je, vous en pas. Prie, vous, je vous en prie. Alors donc. Le fait est que l'Iran n'a absolument pas la capacité d'entrer dans une nouvelle guerre, le fait est que les caisses d'État sont vides, le fait est que le retrait de Donald Trump est quelque chose de très bénéfique pour les Iraniens dans le sens où le régime s'affaiblit. Et plus le régime s'affaiblit, les Iraniens sont contents. La preuve, c'est que, mois de janvier, dans 107 villes iraniennes, tout le monde était dehors et il a clamé « Abba, le guide de la révolution ». Pas dans cette ça. ville iranienne. Sans cette ville. Et les manifestations iranienne. Se, se Je suis fait, désolée, mais euh, lisez un petit peu les, les journaux. Donc, Il y, y avait des depuis, revendications légitimes. Et d'ailleurs, depuis le mois de janvier, je tiens à vous informer, madame, que les manifestations n'ont pas cessé. Il n'y a pas un jour que les Iraniens ne sortent pas dans les villes, dans différentes villes de ce pays, alors que si les médias en France ne veulent pas transmettre les messages, les infos ou les, infos, les nouvelles, ça c'est un autre problème. Cela dit, on est branché avec les médias sur les différentes chaînes internationales, donc on sait ce qui se passe. Quand on veut savoir, on sait ce qui se passe. Donc, pour revenir à votre question, Alors, qu gros, pour, pour que les choses soient claires, pour vous, euh, en fait, euh, tout ce qui se passe est une bonne nouvelle, puisque finalement, ça peut atteindre un régime. Tout vous ce qui affaiblit la République islamique. Tout ce qui affaiblit le régime actuel, c'est une bonne chose pour l'écrasante majorité des Iraniens. Mais je voulais, je voulais retourner. Non, en fait, c'était cette articulation entre sanctions et, et, et diplomatie, qui, je ne sais pas si c'est forcément comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, il est clair que les sanctions. Euh, n'ont jamais conduit euh, des dirigeants politiques à céder le pouvoir et surtout pas dans des régimes autoritaires. Oui. Donc euh, euh, oui c'est ça. Oui. En mais fait à la limite historique pour le... mais à <laughs> pour la limite bah, l'Irak l'Iran et, et c'est ce que c'est ce que le, justement l'administration américaine le Quartet et les pays arabes avec Israël ont tenté de faire à Gaza c'est-à-dire imposer des sanctions au Hamas oui. c'était une manière de dire aux Gazaouis on va asphyxier euh, oui. vos dirigeants et puis ensuite, vous lâcherez vos dirigeants, et mais ça comment ne est pas dans produit. un mais comment comment, comment voulez-vous que euh, dans un cadre autoritaire cela se produise dans un cadre autoritaire euh, la population n'a pas les moyens euh, de euh, par les yeux <laughs> passer et changer de direction politique on ne change pas de gouvernement comme ça alors en Afrique du Sud par exemple les sanctions elles ont été payantes parce que les sanctions elles se sont imposées à qui elles se sont imposées au régime euh, qui euh, était dominé par les blancs et qui finalement était un régime, bon, certes, qui privilégiait les blancs, mais qui était une forme de démocratie, pas de démocratie au sens évidemment propre du terme, mais au sens de structure politique. Donc évidemment, ça a pu marcher, les sanctions étaient payantes. Et finalement, l'apartheid aussi euh, voilà, a été aboli à la suite de ces sanctions, mais c'est un peu le seul exemple qu'on a. Dans tous les autres régimes, que ce soit en Irak, euh, en Iran ou ailleurs, les sanctions n'ont mené à rien. Puisque oui, mais l'histoire pas... du clergé chiite pendant 5-6 siècles a toujours pointé. Depuis le XVIe siècle, le clergé chiite s'est mis en place, s'est instauré, jusqu'au jour d'aujourd'hui. À Cha chaque fois, le clergé s'est trouvé en face des gens qui tenaient la parole, qui étaient forts, il cédait, il se résignait. C'est la raison pour laquelle l'Iran est venu à, le, à la table de négociation il y a 10 ans. Et là, maintenant, ce qui montre, l'Iran a montré et réagit d'une manière très calme, Face au retrait de Donald Trump, Iran, depuis, a pris quand même, a fait le profil bas et ils ne font pas du tout les menaces habituelles. Ce qui laisse présager que les Ayatollahs vont entrer à nouveau en négociation avec les Américains, mais cette fois-ci, ils ont véritablement intérêt à entrer directement en négociation avec les Américains, pas à travers les différents pays. Alors, si, si on se déplace sur. Juste, parce juste que pour je... terminer sur les sanctions, quand même. Pour le moment, oui. les sanctions ne sont appliquées que par les États-Unis. N'oubliez hein. oui. pas, quand même, qu'il y a cinq autres pays qui n'ont pas de raison d'appliquer des sanctions, en particulier la Russie et la Chine, quand même. Voilà, ma question et quand ma vous question, allez effectivement. Ma en Iran, vous voyez bien que la présence des pays asiatiques est fréquente dans tous les domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire que plus personne n'applique les sanctions, en tout cas, avant que de nouvelles pénalités ne tombent par la justice extraterritoriale américaine. Nous voilà, ma, ma, question, que ma question portée là-dessus, c'est effectivement, on parle de cette extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire qui menace les autres parties prenantes de l'accord en disant bah, vous, ne, vous ne continuerez pas à appliquer l'accord parce que sinon euh, moi je vais pénaliser euh, vos entreprises, vos agents économiques et avec le, le rôle central du dollar, hein, on l'a documenté sur Mediapart avec Martine Orange, avec le rôle central du dollar je peux vous faire euh, très mal et, et vous faire euh, plier. Donc concrètement, euh, est-ce est que les, les Européens ont, ont une voie euh, de, de sortie pour échapper à cette épée de, de Damoclès, de Damoclès pardon ce n'est pas que le rôle central du dollar. Il suffit par exemple qu'il y ait une personne, par exemple si c'est un Français, une entreprise française qui a la double nationalité américaine, pour que l'entreprise soit concernée. Il suffit même... Qu'il y a un email qui a été routé via un serveur installé mmh. aux États-Unis pour que les États-Unis considèrent que euh, leur sécurité est mise en jeu et qu'ils mmh. appliquent euh, ces, donc, ces sanctions primaires et les sanctions secondaires. Là, c'est vraiment effectivement, on a une fenêtre de six mois puisque les États-Unis ont dit euh, les entreprises européennes, russes et chinoises ont 180 jours, donc six mois jusqu'au 4 novembre pour en fait réduire euh, leurs activités économiques et commerciales avec l'Iran jusqu'à zéro. Au bout de six mois, le 4 novembre, les sanctions secondaires s'applique de nouveau. Donc, on a une fenêtre de six mois. Nous, Européens, quand je dis nous, c'est vraiment pas seulement les Français, mais avec les Européens, à la fois dans le cadre du E3, donc les Allemands, les Britanniques, et puis l'Union Européenne, pour arriver en fait à la fois à inventer ou réactiver des mécanismes de protection de nos entreprises, toujours au niveau français et au niveau européen, pour leur permettre en fait de créer une sorte de corridor sanitaire qui les imperméabilise. Par rapport à cette extraterritorialité américaine, donc ça c'est la partie protection, euh, sauvegarde, et puis la partie aussi négociation un peu dure. Et moi c'est le message que j'ai essayé de passer à Washington en me disant euh, n'allez pas contre notre souveraineté, vous défendez vos intérêts c'est votre droit, mais nous défendrons nos intérêts. C'est un discours qu'ils ont peu l'habitude d'entendre de la part des Européens parce que les Américains Surtout les républicains euh, ont un peu tendance à se gosser des divisions euh, des, 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 de, de l'Union européenne, des 28. Donc ils ont l'impression que les, les, les Européens sont incapables de se mettre d'accord sur une nouvelle batterie de sanctions ou sur des représailles, peut-être même contre les États-Unis. Nous, on ne veut pas en arriver là. Mais c'est important de porter ce, méta, porter ce message politique fort à tous les niveaux, au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de l'Elysée, au niveau des parlementaires et de la société civile, en disant qu'on euh, comprend leur souveraineté encore une fois, mais on va défendre notre souveraineté aussi. – Alors, moi j'avais une question, et je tenais la parole à Pierre Connessa là-dessus, parce que vous avez travaillé sur, sur l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même de la France à vouloir effectivement sauver euh, l'accord avec l'Iran Et puis dans ce grand jeu qu'on a décrit, la France fait preuve de, on va dire, une certaine complaisance euh, avec, euh, avec l'Arabie Saoudite, en tout cas elle a des multiples engagements, y compris commerciaux euh, avec elle, est-ce que c'est -ce est une vision caricaturale que Non, ce n'est pas je dire... une vision caricaturale, moi j'ai beaucoup été gêné par la conférence de presse commune entre le, Trump et, et Macron parce que ils ont désigné l'Iran comme le facteur de déstabilisation du Moyen-Orient, c'est quand même assez prodigieux puisque les 250 morts et 900 blessés qu'on a eu dans les rues de Paris n'ont pas été tués par des chiites, ils ont été tués par des salafistes, c'est-à-dire par des enfants mornés du, du, du wahhabisme saoudien. Donc on est sur quelque chose qui est de la schizophrénie absolue. Donc, de ce côté-là, tout à l'heure, je parlais seulement de menteurs et de mythomane, là, on peut rentrer dans la schizophrénie. Effectivement, on, le, le premier homme politique français qui commence à parler du salafisme pour parler des attentats en France et des problèmes de l'intégration du comment dire, de, de l'islam radical en France, c'est Valls après les attentats de Charlie. À ce moment-là, on commence à différencier l'islam et le salafisme. Mais jusqu'à maintenant, on ménageait complètement l'Arabie Saoudite. Et c'est le même Valls qui, en, quelques mois après, va au. En Arabie Saoudite, et dit qu'on a 10 milliards de contrats en instance de signature. Moi, je les connais, ces 10 milliards, puisque c'est depuis que j'étais au ministère de la Défense, il y a toujours eu 10 milliards en instance. C'est comme la prévision sur les six mois iraniens. Et donc, et donc, ça ressort à chaque déplacement. Mais effectivement, il y a des accords très importants. L'Arabie Saoudite est notre plus gros client en moyenne lycée, si vous voulez, dans le domaine de l'armement depuis pratiquement une trentaine d'années. Donc effectivement, le problème, il se pose de manière très simple je dirais, pour la France, c'est est-ce qu'on met un embargo sur les armes utilisées au Yémen Vous voyez bien que la discussion n'a pas commencé aujourd'hui en France. Il n'y a pas de vous pouvez réagir là-dessus. Alors, sur le Yémen, euh, bon, effectivement, euh, c'est... La France est a souvent été... interpellée. Hein, oui, oui, Ce n'est pas, été... pro... pas forcément eux qui donnent le plus d'armes. Mais, bon, oui, les, les euh, comment on ne pas Si vous voulez, on peut toujours dire qu'on ne participe pas au bombardement. Ça, c'est déjà ça. Il y a une question sur les armes qui ont été vendues enfin, avant le début de la guerre. Donc, il y a effectivement cette opération militaire qui a été engagée par la coalition menée par l'Arabie Saoudite mais avec les États du Golfe avec le Maroc etc et qui aujourd'hui est dans une impasse et en fait je crois que même les Saoudiens aujourd'hui le reconnaissent pendant longtemps ils ont dit on va gagner militairement malheureusement peut-être qu'ils le croient encore mais ils reconnaissent aujourd'hui qu'il faut une solution politique de sortie de crise dans cette dans ce conflit et c'est là aussi où encore une fois même si on subit parfois des échecs il faut continuer l'effort diplomatique c'est pour ça que les E3 encore eux on les retrouve trouvent, ont commencé des négociations avec les Iraniens, alors que c'est vrai que même les Saoudiens refusent absolument d'impliquer les Iraniens. D'ailleurs, ils refusent aussi de les impliquer en Syrie. On a dit, voilà, on va discuter avec les Iraniens, qui d'ailleurs au début n'avaient pas grand intérêt dans cette guerre au Yémen, mais il y a eu un tel effet d'opportunité qu'ils euh, y ont trouvé euh, leur compte. Donc on négocie les o 3 avec les Iraniens pour essayer de trouver une sortie de crise au Yémen. Euh, pour l'instant, on n'en a pas encore euh, effectivement trouvé. C'est un peu plus compliqué. Il y a aussi des dissensions entre les Saoudiens et les Émiratis, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs stratégiques, on pas là. Par contre, si on veut finir, je ne sais pas si on finit, mais sur une note positive, ce qui se passe en Irak et nous donne un petit peu plus d'espoir aujourd'hui. Bon, il y a eu des élections récemment. Et c'est un terrain où, moi, quand je discute avec des Iraniens et des Saoudiens, on arrive à peu près à s'entendre. En fait, enfin, ils arrivent à peu près à s'entendre. Parce que euh, ils, ils arrivent à convenir du fait qu'il faut trouver bon un candidat ou un premier ministre ou un gouvernement qui corresse, qui, qui soit on va dire agréable plus ou moins ou convenable des deux côtés où il n'y a pas d'approche sectariste en Irak et donc pour moi c'est un c'est un terrain de jeu qu'il faut continuer à regarder parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de terrains d'inquiétude bah, la Syrie le Liban mmh. le Yémen mais il faut garder un œil sur l'Irak. Laila euh, Soura, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais Vu qu'on a resserré le questionnement sur la diplomatie française, euh, quel regard vous portez sur la diplomatie française dans le dossier israélo-palestinien Là, justement, puisque l'émission s'appelle le Grand Jeu, peut-être avant de parler de la diplomatie française, il faudrait parler de ce qui se profile pour la bande de Gaza et pour la Palestine. Justement, on parlait de cet axe ou de cette alliance entre Trump, Mohamed Ben Salman, les Égyptiens, les Émirats arabes unis. On sent que bon, il y a une, une, une alliance tripartite, quadripartite, pour essayer de régler, de solder le problème palestinien. Euh, alors il y a énormément de rumeurs qui circulent. Euh... Oh, – Régler, c'est-à-dire lâcher les Palestiniens en gros ?– Trouver une solution, alors non. pour les uns ah, c'est trouver une solution, dire, ouais. alors on dit équitable, <laughs> on sait très bien qu'elle ne sera pas équitable de toute façon, mais jusqu'où elle ne sera pas équitable en fait et La question c'est jusqu'où ce, 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 cette alliance, cette taxe, donc disons Riyad, Caire et, et Washington pour faire court avec Tel Aviv, euh, sont en train de décider l'avenir des Palestiniens, l'avenir de la Palestine. On a rendu Jérusalem aux Israéliens. Qu'est-ce qu'on fait de la bande de Gaza Est-ce que la bande de Gaza, ça sera euh, la, le futur État pour la Palestine euh, Qu'est-ce qu'on en fait et, et voilà. Et, et c'est vrai que dans cet axe, on ne comprend pas bien, parce que vous disiez tout à l'heure, finalement, que font les Américains C'est pas clair. En fait, c'est jamais clair parce que dans les coulisses de la diplomatie, on comprend pas bien, pas bien toujours ce qui, se, ce qui se trame. Évidemment, les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Les intérêts des Égyptiens, c'est pas nécessairement de concéder une partie du Sinaï pour agrandir la bande de Gaza et pour rendre la bande de Gaza viable. On voit pas bien pourquoi les Égyptiens auraient intérêt à rentrer dans ce jeu-là. Mais en tout cas, il y a des rumeurs qui circulent depuis un certain nombre de mois sur le fameux plan Trump. Alors, le plan Trump pour la Palestine et pour ah, Gaza, on ne sait pas ce que c'est. Mais tout ce qu'on sait, c'est -ce vous... jusqu'au... Où on fera souffrir les Gazaouis Est-ce qu'on les fera souffrir comme ça, comme ça, ou on leur donnera un peu plus C'est ça le plan Trump. Donc oui. les Gazaouis se demandent finalement le plan Trump, c'est est-ce qu'on asphyxie jusqu'au bout la bande de Gaza On sait très bien que là, il y, y a à peine d'eau potable à Gaza et pas de nourriture. Est-ce qu'on continue à, à imposer ces sanctions, y compris des sanctions imposées par Mahmoud Abbas Donc on voit bien aussi que le président de l'autorité palestinienne joue aussi un rôle, pas, pas nécessairement. Alors on ne sait pas que ce soit vraiment volontaire de sa part, mais peut-être qu'il est lui-même contraint par l'ensemble de ses acteurs internationaux et régionaux à imposer des sanctions lui-même à la bande de Gaza, euh, euh, ou où... Est-ce que finalement, justement, on essaiera de trouver euh, une situation de sortie de crise où un minimum d'assouplissement du blocus permettra aux Palestiniens de Gaza de survivre Donc okay. voilà, la question c'est est-ce qu'on les étouffe jusqu'au bout ou est-ce qu'on les laisse survivre ?– C'est que... ça. soulève un peu la chape de plomb. Et dans tous les acteurs que vous avez cités, il n'y a pas la France. – Mais sur la, sur la Cisjordanie ah, ouais. aujourd'hui, la colonisation est tellement avancée et les routes séparées pour, et réservées aux Israéliens, on fait un espèce d'archipel. Vous vous souvenez de cette carte qu'a fait le monde diplomatique Il n'y a plus de viabilité d'un État palestinien en Cisjordanie. Donc c'est un enterrement de première classe, Enfin malheureusement pas de première classe, de seconde classe. Et pour Gaza, c'est une horreur. C'est un, un camp d'internement à ciel ouvert. Alors, là, on s'en il n'y a pas de diplomatie, je veux dire. Il ne faut pas se leurrer derrière des mots. Moi, j'ai suffisamment participé à des négociations. Où on est content de faire un communiqué commun à la fin, mais qui n'a strictement rien apporté. Non, il y a un enterrement en cours des Palestiniens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Je vois pas le plan de Trump, c'est une espèce de dossier vide, mais qui balaye, qui, qui l'utilise comme ça pour dire qu'il y a quelque chose, mais il a strictement aucune intention ben de accorder que... quelques droits que ce soit aux Palestiniens. C'est à peu près ce que je dire. Non, mais, mais je veux dire, c'est un enterrement, c'est pas, il n'y a pas de, de, de ah, diplomatie elle était un peu plus, un peu plus euh, prudente, mais c'est sans doute le rôle de, de chercheuse. – Enfin, qui, après, on peut dire enterrement si on veut, mais enfin, c'est pas forcément les catégories que j'utilise, oui, mais euh, sûr, sûr. après, euh, si vous me parlez de la diplomatie française. Euh, euh, non, je pense qu'il n'y a, y a pas de courage politique. Il y a un alignement sur Israël qui est un alignement que voilà, les gouvernements... Euh Précédents ont aussi euh, mis au jour. Enfin, je veux dire, c'est. Il y, y a une continuité diplomatique euh, mmh. qui est voilà, qui, qui, qui est notable. Le président Macron ne s'est pas prononcé plus que ça sur. Ils euh, ont annulé les... Les... la visite du premier ministre. Hein, c'est ça. C'est bon, voilà, un signe hein, voilà. euh, peut-être avec condamner. Euh, euh, savez... Je pense que vous êtes, êtes gentil, mais il a. Les condamnations si, n'étaient avait... pas. Bah, les condamnations étaient des actes odieux. Bon, il a ouais. dit c'était des actes de mais ouais, Il a dit une parole assez forte, le Président. C'est assez, assez fort, mais avant cela, Donc je pense qu'il qu a dit ça pour le 14, de la journée du 14, mais avant, avant ça, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de volonté politique, en tout cas de la part de la France, euh, d'imposer une vision, mmh. euh, parce que la vision, euh, finalement, de la politique étrangère de la France est alignée largement sur Israël depuis toujours. Donc, évidemment, quand il y a 118 morts à Gaza, il faut... Dire un mot fort, parce que si on ne dit pas un mot fort, euh, on passe à côté de voilà de, de, de l'immensité des condamnations politiques face à un tel carnage. On ne peut pas ne pas condamner, mais en fait, c'est une condamnation qui s'inscrit juste dans une immédiateté et qui n'ira pas plus loin. En fait, et, vous et, le savez les très bien. Condamnation de responsables politiques. sont toujours pesées, sous sous Voilà. Donc bon euh, ça, c'est une... un jeu. Voilà. Non, non. Justement, elles ont une le, portée. Le communiqué. J'aurais une dernière question euh, après pour Delphineau, mais juste parce qu'on ne lui a pas donné la parole de, depuis longtemps. Ménage Chirali, peut-être une, une dernière petite réaction et puis ensuite la dernière Sur question dans le débat. Diplomatie française au Moyen-Orient, il faut dire que ça fait plusieurs décennies que la France a perdu sa place au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on peut regretter que la France ne soit pas fidèle à sa tradition, à son héritage. C'est le pays des droits de l'homme et c'est la dernière chose qui rentre en ligne de compte des responsables politiques français. Euh, – Alors Delphino, justement par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est la dernière question, après on arrête cette discussion. Euh, C'était une, une question peut-être euh, voilà, un peu, un peu cache. au fond. Euh, Macron est arrivé en tant que président de la République en disant « je vais rétablir euh, le rang de la France sur la scène internationale » et pour l'instant les résultats euh, ne sont pas rendez-vous, pas forcément qu'à cause de lui, mais en tout cas échec euh, mm -hmm. sur l'accord de l'Iran. Il y avait promesse d'un groupe de contact sur la Syrie, ça n'a pas lieu. Euh, voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les annonces peut-être un peu trop fortes qu'il avait faites et ce qu'il était en mesure d'obtenir alors, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, moi j'ai coutume de le dire, qu'il nous a fallu 12 ans pour négocier le JCPOA. Donc je pense que si au bout d'une année on s'était dit on s'est déjà confronté à un échec, on va abandonner, on ne serait jamais arrivé nulle part. Enfin, quand on pratique un petit peu la diplomatie et qu'on est un observateur de longue date, on se rend compte que oui, en fait il faut plusieurs échecs pour arriver à un succès. Maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a eu que des échecs. Effectivement, sur le nucléaire iranien, il l'a reconnu, n'a pas réussi à convaincre le président Trump. En revanche, on continue à avoir cette négociation et ce rapport quand même étroit. Je je pense que c'est important le rapport qu'il a établi, la relation même... Euh... On va dire personnel qu'il a établi avec le président Trump. Ça ne veut pas dire que on apprécie la personnalité du président Trump. En revanche, et moi je le soutiens complètement là-dessus, je pense qu'il faut continuer de parler à tout le monde parce que c'est pas en adoptant justement une stratégie américaine ou en disant on met pression maximale, on fait les, simplement les sanctions et on espère qu'il va y avoir un changement de régime en Iran, ça ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché en Irak, ça n'a marché nulle part, ça n'a pas marché en Libye non plus. Donc donc voilà. Après il y a eu quand même quelques quelques actions. Bon, on peut revenir sur le, le sauvetage du premier ministre euh, libanais, qui était quand même un coup diplomatique euh, assez, assez brillant euh, avec donc le, quand il était euh, effectivement en Arabie Saoudite, qu'il est repassé par la France, qu'il est revenu euh, au Liban. Et euh, sur la Syrie, oui, on continue de parler. Effectivement, on n'est pas encore arrivé euh, à, à, à un résultat concret, mais en même temps, euh, un an, c'est long, mais c'est aussi euh, pas très long. En revanche, ce qui est vrai, et je pense le dire de manière assez objective, parce que ce je vous déplace beaucoup, le leadership de la France est de nouveau reconnu sur la scène internationale, y compris au Moyen-Orient. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, si vous mettez de côté l'Arabie saoudite et Israël, qui effectivement sont complètement alignés sur les États-Unis, tous les acteurs se disent qui est le véritable interlocuteur, qui est le véritable médiateur, y compris les Iraniens, c'est la France et l'Union européenne. – C'est bien vous qui le dites. – Juste un mot, non. je crois qu'on ne se méfie me pas me assez de la conjonction qui est au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, qui est un mélange de Carter et de Bush, c'est-à-dire vous avez les néo-conservateurs qui reviennent, Bolton en fait partie, et vous avez autour de Bush, de Trump, un conseil évangélique qui s'est constitué, parmi lesquels vous avez un certain nombre de téléprédicateurs qui par exemple ont qualifié Saddam Hussein de nouveau d'un pour légitimer la guerre d'Irak, qui ont expliqué le déplacement de l'ambassade vers Jérusalem. Cette alchimie-là, sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter ni avec les néo-conservateurs, ni avec les évangéliques. Donc, bonne chance. On, on oui, J'ai va... discuté avec eux la semaine dernière. <laughs> ouais, 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 on va de s'arrêter <laughs> euh, là. Pour, si vous vous intéressez à l'entourage de Trump, à tous ces dossiers-là, eh bien sûr, Mediapart, on le documente. Euh, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine, mercredi à 19h, comme tous les mercredis. Bonsoir.